Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou Mais Ça va super bien et toi Ça va très très bien et je commence par une dédicace à Léonard et William. Merci de regarder ce stream euh, avec euh, Fitsune 14 du coup euh, également dédicace à toi et merci à tous les subs qui ont plu parmi euh, pe pendant le temps d'attente. Excusez-moi, 10 heures de taf, merci je suis fatigué. Alex5513 David Archie, Doudoum. Euh, et Sigrif je crois, tout à l'heure, oui, pour le 41 mois de sub. Merci à tous, vous faites très plaisir. Et euh, est-ce qu'on n'est pas juste déjà sur une déclise d'exception avec où ah, on, on va bosser tout de très, très très fort par l'archétype qui est, je pense, le plus attendu de Phyrexia All-Week oui. One, plus même que proliférer, même si on a des decks prolifération exceptionnels, euh, plus que soupe de midrange parce que ça on connaît déjà depuis quelques oh, mois. La soupe. Je pense que c'est et encore que j'ai des soupes de midrange très sympas dans les tuyaux. Oui. Mais en tout cas, le truc oui. le plus attendu, c'était Toxic. Alors, Toxic, on peut le jouer en Celestia, on peut le jouer en Azorius. On a une version bante dans les tuyaux aussi, qu'on vous présentera après. Mais là, on va commencer par le plus obvious des, des builds d'Obius. On va tester le Celestia euh, Toxic Agro, tout, tout dans la mimine, et on va essayer de Excellent. tuer euh, les différents streamers le plus rapidement possible. Exact. Et pourquoi on commence par ça Parce que c'est un deck euh, qui comprend essentie <coughs> Pardon, essentiellement des cartes de non-extension. Donc, quoi ouais. de mieux pour tester une nouvelle extension qu'un deck qui a tout Parce que sinon, on prend euh, Ragdos Midrange, on ajoute une carte rouge et une carte noire. Bon, ça se voit. Ça se voit qu'on qu n'a pas trop, trop mis de nouvelles cartes. Alors que là, bam On a plein de trucs à tester. Trop trop bien. On avait vu, de toute façon, pendant les reveals, les Drop 2, les Drop 1. Hop, le petit Drop 3 aussi qui marche très bien. Ouais, oh, il y, y a des trucs à, trucs à faire. faire. Voilà, hop, j'ai juste rajouté le Tyranax. Pas du tout. Pas euh, de side, ce sera du BO1 ce soir. Évidemment, et on, va on essayer est là pour de tester. c'est ça. On est là pour tester le plus de synergie possible, le plus de nouvelles cartes possibles. Et dans ce cas-là, on s'adaptera en BO3 et on testera les decks BO3 un peu plus tard. Demain matin, lors de la mativale, pourquoi pas Si jamais j'ai de bonnes idées et que je trouve yes. qu'un deck est déjà solide, on passera peut-être en BO3. Mais sinon, là, ce soir, le but c'est de faire le plus de games possible avec le plus de nouvelles cartes possibles. Allez, c'est qui part. y a le ladder en fait BO3 surtout. Et non. Donc euh, tu vas ah bah quand même alors, faire une bo Demain matin il y aura ah bon. pas de BO3. Pardonnez-moi. Je crois. Attends. Event. Non ouais c'est ça. À moins que pendant une certaine heure ils sont ouverts, mais ce sera sûrement quand on fait dodo. Ouais, me semble pas. Écoute, partons en BO1. Je sais pas bah, s'il si faut là pour ça. classer ou jouer. Je vais prendre classement dans le doute. Nouveau deck et je ne peux pas changer de nom, mais c'est pas grave. Et je peux pas jouer. Ah non, bah du coup si c'est okay. classement, c'est fuse. Tu ne dois bon. pas pouvoir jouer en classement. Ok, je pense. let's go. Mais -ce non, que y le chat il n'y a pas qu'un deck Soir ou... est prêt pour la belle magie. Parce que franchement, cette extension Phyrexia All Will Be One, elle me hype à un point. Beaucoup plus que Brother Soir, voire plus que Dominaria United. Euh, J'ai pas mal potassé regarder les déclistes sur Internet. Il y a beaucoup de builds qui sortent qui sont vraiment très sympas. Et je pense que même si la puissance intrinsèque des cartes lors des reveals ne nous a pas éclaté au visage, je pense que par contre, le push de synergie est mm. assez puissant dans, ce, dans cette extension. Ouais. Moi, je suis curieux de voir proliférer, ça va faire quelque chose. Je, je, je pense même que ça peut impacter des formats comme le pionnier assez fort. Et donc, du coup, nous proposer de très belles surprises lors du Pro Tour Philadelphie qui sera mi-février. Oh, les petites cartes. Oh, bah, C'est juste un kip, hein. On oh, va oui, s'emmerder ici. Hein. Je contre Rap Solo VIP. Le Razorvege Fickett. Ah merde, on est pas sur le bon truc, on est sur Card Game PL parce que j'ai fait des bêtises ce matin. Aïe 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 ouille, ouille, ah oui. Je, je vais changer occupe. ça, bougez pas, bougez ouais, pas. Je l'ai, je l'ai. Tu l'as, tu l'as Hop, magique. Il l'a, il l'a. Hop, hop. C'est bon. Merci Fitzoné qui offre un sub à Savo Féroce. Oh la bêtise La bêtise On était mal référencé, putain. Alors du coup, non, il y aura d'autres decks ce soir euh, pour ceux qui se demandent euh, simplement. Euh, le temps qu'il a mis à jour euh, c'était pendant l'écran d'attente on pouvait pas lancer prévoir toutes les déclistes avant donc on en a vite créé une comme ça quand on lance le live on en avait une euh, pour, euh, pour vous montrer et euh, également pour pouvoir euh, jouer tout de suite mais on va créer d'autres déclistes après mais comme c'est long parce qu'on peut pas importer il faut tout taper à la main on le fait euh, petit à petit quoi allez un petit essai de Skrelv euh, parce je... que j'ai bien envie de tester la carte ouais j'allais dire je peux faire double tour aussi bien toxicos ah j'aurais dû ah, jouer après me... Merde, je vais ça attaquer là, va, moi. Ouais, je vais me prendre un cut-down surtout, ouais, et il y a un petit toxique. Hein. Tu auras mis ton petit marqueur toxique, tranquillou, tranquillou L'extension sort mardi, mais là on peut la tester en avant-première grâce à Wizard, merci beaucoup à eux d'ailleurs, qu'on euh, qu n'oublie pas de les remercier, parce que c'est eux qui mettent ça en place, ça régale. Oh c'est bien dégueu là, l'animation Ouais, ouais. Big up à, à OTC pour vous dire ce soir dans la besace et on aurait pu en prendre plus mais évidemment on n'a pas tout pris on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 on a 15 decks possibles Spoiler, on ne jouera pas les 15. Il euh, n'y aura pas assez de non. temps pour qu'on teste tous les 15. Mais c'est pour vous dire qu'il y a énormément euh, de trucs à tester. Je peux vous donner des noms comme ça pour vous mettre là, un petit peu l'eau à la bouche, vous donner l'envie de, de rester sur le stream, peut-être même saliver. On a du Band toxique, on a du Naya Token, on a du Jund Midrange Glissa. Ça, c'est Dédicace s'appelle qui voulait absolument voir la carte. Et oui, je pense que je revois mon jugement et que tu as raison, c'est plutôt une bonne carte. Franchement, c'est costaud. En fait, genre, ça va prendre tous les trades ou euh, toucher. Nous le verrons. Pour moi, c'est les couleurs qui pêchent, mais c'est vrai que la carte est ouais. très push. C'est vrai que pour 3 tu pourras, peux jouer, jouer ça. ça donc euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on s'emmerderait pas euh, Je des on fables Voilà, on pourra tester ça. On a Get Reanimator on a du mono black Agro, on a du Mono-Blanc Agro, on a du Mono-Red Burn, on a du ragdos Splash, le Gros Dragon. Ouais, parce qu'il y a un Gros Dragon, un Gros Dragon qui est trop kiffant. Euh, on a du Mono-Blanc Control et Leshorn. On a du Dimir Prolifération. Enfin, ça, ça ne s'arrête pas. Il y a trop de decklist qui sont euh, euh, innovantes avec Phyrexia All Will Be One. Le Gros Dragon. Bon, Et est merci à qu euh, qui a offert un deuxième sub aussi. Euh, ah, bah un pour, euh, un pour chaque dédicace. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Setorion euh, pour le sub également. Et il joue cinq couleurs en face déjà. Il est bon. C'est un trion okay. de basique, comme j'aime. Bah... Si on y la vie. Moi, il note. C'est un trium de Zetora C'est un trium de Jund. Donc ouais, Zetora ouais, exact. Landes moche plus fable, doubesse, no Tu ne peux pas dire ça. Ces landes sont très très jolies. Différence entre dragon et dracon. Alors un dragon a des pattes. Euh... En gros, il a quatre membres et des ailes, et un dracon a deux membres et des ailes, normalement. Ouais. Moi j'ai un truc qui peut une espèce de moyen technique à Magic. Un dracon c'est souvent une carte de merde, alors qu'un dragon c'est souvent une grosse carte puissante. Une grosse carte de merde. <laughs> C'est plus cher hein, et c'est pas bien. C'est fort de mon expérience de, de magicien depuis 20 ans. Un dragon, c'est toujours un peu aux F quoi. Sauf s'il est clinquant. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est la différence dragon vivre Ah, mais euh, mettez-vous d'accord sur la mythologie, là. Moi, je peux pas toutes les suivre. Ah, bien joué, double fable. Il fait quoi, lui Oh Tu vas lui mettre une sacrée patate. Oh ça putain que tu nous dis Attends, je peux lire Val J'ai bien lu. Non. Donc je fais ça. Oh J'avais pas compris que ça marchait comme ça. Non mais Ce deck, ce deck est exceptionnel, c'est sûr. Je croyais que c'était qu'une fois par tour. Eh non, c'est pas c'est pas limité visiblement. Tu l'avais vu ça Que ça allait faire ça Que ça buffait les. Oui, enfin, c'est ça comme ça, ça qu'on l'avait Mais on en a, par on en a parlé euh, pendant les reveals de ça. Tiens je me rappelais plus tu vois Non parce que là en fait il va mourir avant d'avoir euh, 10 marqueurs poison. Hein. Clairement Il va juste mourir au dégâts quoi Il a 5 si je caste ça Il en prend 3 de plus Ouais je suis super content bah, il est du mort prochain. Des, des decks agressifs effectivement C'est un truc que j'attendais et que Phyrexol will be one met vraiment en avant notamment même avec les fast lands. Et pour le coup je suis, je suis assez chaud ouais Merci beaucoup Sopalin et Niusop Ouais, bah, merci beaucoup. Désolé si on, on va vous se... loupe, vous êtes déjà nombreux et vous êtes fous à envoyer euh, un maximum de subs. Du coup, il se pourrait qu'on passe à côté de certains. Il a lien de vie. On eh oui, parce qu'il a déjà 5 marqueurs. Euh, euh, 3 marqueurs trucs. Les créatures avec le toxique au contrôle. Non, mais il est pété le deck. Il est pété à 1000 quoi. Il pété à 12 quand. Bon, par contre, il a du mana là. Il y a 8 mana. Ouais, il, il va te faire un, un lisseur et tu vas juste ignorer son lisseur, je pense. Ah, ouais, joli. Ça, si vous me ça je vais bien m'amuser à builder, à builder des decks comme ça. Je sais oh. que ce ne sera pas fort, mais je vais y prendre du plaisir. Oh. Bon, il joue Domaine, quoi. Oh, il joue Domaine avec la nouvelle Vagabonde, inventer euh, des Vertus. Ouais. C'est bien, quand même. Ouais, il joue cinq couleurs à ça, quoi. C'est très bien, c'est très marrant, en tout cas. Joli. Joli. Avec le skin J'ai quelques decks avec la vagabonde d'ailleurs, père. Oui, j'ai vu le mono blanc, enfin presque mono blanc. Euh, bah, ça a l'air d'être un vrai deck qui gagne. Hein. Ouais, je pense, ouais. Enfin, à moins que les nouvelles mécaniques soient vraiment très euh, puissantes et il faut que tu adaptes ton deck. Sinon, euh, ça a l'air vraiment fort. Il peut en bloquer deux. Donc il prendrait si... quatre. Donc si je fais ça, le il est mort. Propose d'attaque all et de tuer l'oppo. Ah c'est un éphémère donc euh, je peux même faire ça Par contre le troisième land jamais Pas besoin de toute façon Bah non hein. ça on va coter du deck hein. Pas besoin <laughs> Il meurt avant Hop. C'est juste une boucherie J'ai envie de dire c'est une euh, poisonnerie <laughs> C'est juste euh, la folie. Putain, mais euh, c'est insane. Ça... Tu vas pouvoir fighter la femme non. en plus, tu lui enlèves un bloqueur. Putain. Une créature que vous contrôlez. Ah oui, non, parce que je valide, je suis en contrôle total. Le contrôle total. Hop, regarde ça. Prends un marqueur. Prends un marqueur. Prends un marqueur. Je pense qu'il y a 2-3 personnes dans le chat là qui sont vraiment ravis de voir ça. Quoi. Il a 8. Et on n'a pas non, déclaré gros, les, la, les bloqueurs. L'interaction entre la morsure et le, et le prêtre, c'est trop. C'est bien costaud. Après, on a deux prêtres aussi, hein, donc ça marcherait bien. Pour deux, on lui a mis trois marqueurs. Oh, il y a 14, il a perdu. Bam Mec, t'aurais pu le tuer deux fois, je crois. Oh, attends, attends, on dit que c'est 20 et on continue la game. <laughs> Mec, c'est incroyable. Alors, ça, ça nous tue quand même très vite. Mais... Mec, c'est exceptionnel. Viens, viens, on teste la version Bante. Je suis chaud Allez. là. Il y a beaucoup de modifications Sachant que ça, c'est mmh. le meilleur deck déjà. Non, non, ça va. Il n'y a pas clone. beaucoup de modifications TKT. Clone 2. Vas-y, clone-le. Clown. Allons-y. Alors, tu enlèves Audace. Parce que t'as vu, on s'en fout. Ah, ouais. Damien, ouais. Oh, c'est de la Tu enlèves les postures valeureuses. Ah, c'est nul aussi. Ça fait bah, ouais, pas de ouais. marqueur poison. Pareil. Euh, et, puis, euh, et puis, tu rajoutes du coup 4 que naissent la fin. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mmh. Que naisse la fin? Ouais, ça s'écrit comme ça. Il hein. y a un accent, non Nope. Non, je ne sais pas écrire. Non, non, vraiment. Ah, parce que tu pas coché bleu. Ah, c'est bleu. Eh oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah, c'est les contres. Quatre. Eh oui. Ouais, quatre. Ah oh, bah bon, attends, on n'est pas là pour galerie. Okay. Tu me mets quatre curiosités déformées. Ah oui, j'ai vu, ça avait l'air fort, ça. Et tu m'enlèves les deux morsures infectieuses ou alors tu m'enlèves deux positions de Taivar si tu veux garder la synergie euh, morsure infectieuse. Ouais, j'aime je... bien. Okay. Bah ça c'est un peu une, Ensuite, euh, un anti-bête quoi. enlèves tous les basiques parce que nous on s'en fout. Le mec il fait chandrine, il est mort. Ah il a, ouais, pas, il le a, a pas le temps. Trois manas, on a gagné nous. T'enlèves Mirex parce qu'on s'en fout. Oui. Ardrup. Et là tu, tu me mets quatre côtes de crotte de, de crotte -mer, moi de crotte <laughs> la, côte... la côte de la côte de crotte. À la côte de crotte. Joli euh, comme ça. Quatre côtes de la Yavi Maya. C'est un jeu très côtesque J'allais dire. Côte de la Yavi. Un jeu très coté. Quatre alliés. Ah non, on les a déjà. Quatre oui. landes d'Adarkar Et c'est bon. Adarkar Ouais. En plus, t'as une mana base. Parfait. Elle est. Elle est piquante. Ah, elle est pixel. Hop, oh, là Pas de lyre d'embente. Non, non, mais on n'a pas le temps là. Nous nous on va tout droit, directos. Clone. Trop oh, le, le cœur là en triangle, il me régale Il est bien creepy. Qu'est-ce que t'en penses de la version Bant Est-ce que tu penses que c'est un upgrade strict ou peut-être un peu too much Bah... Euh, en gros là, avec le deck qu'on a testé, je gagne toutes les courses. Et là tu m'as dit, je te mets un peu moins d'essence, mais tu peux attacher ta ceinture. J'aime bien. C'est ah. un bon parallèle. Et du coup, est-ce que t'aimes bien... Non, moi tu préfères je aller à 200 sans ta ceinture ou à 150 avec la ceinture Moi je passerai pas la cinquantaine, Val. Je vis pour le danger. Ah, donc, donc tu euh, moi, moi je suis <laughs> Non, en je sais pas. En fait c'est un bon deck d'appel le premier et ça sert d'être un meilleur deck de, de format. Quoi. La bah, drupe ça fait contre, quoi Ça fait du mana pour tout Garder une main de merde. Hein, je, pas mentir, euh... bah, je sais pas, j'étais content, j'ai vu des trucs qui... <laughs> ça, ça nous a ah, fait gagner. Vu, tu étais es... gailletant. Ouais je lui montre Est-ce qu'on a La beaucoup deuxième. de Phyrexion euh, là-dedans Ah bah ben, là que ça Toutes tes Parfait. créatures sont forcément Phyrexian Oh Mec je contrôle Land passe. Euh, non passe ton, ton land à Dakar du coup Où t'as Côte de Yavimaya ouais Comme ça tu vas pouvoir contrer sa glissa. Bah je vais mettre une bête là non Je crois pas hein. Il va faire juste un ah, petit dessus Ouais je pense okay. Bah t'as mec 10 de pierre dans ta main De sur l'adro Ouais après on joue quand même bien un gros quoi Mais t'es J'ai un plan voilà, ouais, ça je dégage. Je pas à contrer ça. Et là, tu vas nous poser un petit contaminateur. Zou. Moi, oh, j'en ai deux. Oh, Et quand on a deux, ça marche bien. Après, si le deck qu'on trouve que des multiples euh, de cartes fortes, c'est sûr que ça marche bien. Oh 5-5. Ah c'est mieux okay. que 4-4. Ouais c'est chiant ça Mais c'est pas mieux que 4-4 avec ça. Mais bah je peux en jouer 2. Ça, alors. Oula si t'en fais deux il est 6-6 Ouais. J'adore. Et du coup il va prendre deux marqueurs. Après deux marqueurs quand tu mets 6 bon. Ouais, après il... il peut juste mourir aux dégâts aussi, tu vois. Ah mais oui c'est toxique 2 ça Ça en met deux quand tu touches. <laughs> c'est énorme. Du coup, là, si je rattaque, il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, si j'ai un petit spell, euh, pas loin de Canax, hein. Est-ce que c'est pas trop fort, Toxic Genre, vraiment trop bien. Ah bah, un bien. drop 2 qui met Toxic 2, euh, c'est comme s'il avait 6 d'attaque, quasi. Oh, et puis, en plus, t'as ton mec 10 qui est up. Oh là là, excellent. Je crois que tu peux juste rattaquer à 6, tranquille. Juste attaquer à 6, ouais. J'adore ce deck. Un deck aggro qui peut jouer des contre-sorts comme ça, c'est... Ah Bien joué. Ah, il, te, il te manque un marqueur. Ouais, mais en vrai, ça va. Tu peux juste rejouer Contaminateur et... Ah, et avoir quand même ton, ton contre-sort up. Non, non, garde ton euh, contre-sort ouais. up, non Si tu fais une Shoulder ou une vogue d'Espère ou quoi, fais chier. Oh, oh should on s'en fout. On ne tue pas comme ça. Une d'Espère, on a 4 bases. Ouais, Moi, je resterai le contre-sort up, parce que de toute euh... façon, le tour d'après, auras il y a beaucoup de mana, quoi. Déjà. Il va passer à 6 mana. Ouais. Je sais pas. Tu, tu, tu le vois pas curver des trucs énormes. Il t'a joué un champion d'argile, le type. En fait, là, si je pose pas de bête, tour d'après, j'attaque qu'avec ça. Si je pose une bête, bah, je peux attaquer avec tout. Ouais, mais c'est pas grave si t'attaques qu'avec ça. T'es quand même déjà favorable ici. Ouais. Moi, je la jouerais safe. Juste déjà pour voir si le deck en est capable, en fait. En fait, là, s'il si a anti-bête, c'est le truc. C'est genre, il fait de mana anti-bête. Je peux pas contrer. Je perds ça. Je vais jouer ça hors tempo. Donc. Euh... Si ouais. on n'a pas un dessus de deck bien, euh, je, je on ne fait on rien. Parce que lui, tu sais ce qu'il veut faire. Ah ben voilà ce que je voulais qu'il fasse. Lui, il veut faire Obliterateur firection, on se bat. Euh, C'est probable qu'il va essayer de faire ça, ouais. Il euh, y a des gens qui veulent le faire en pionnière aussi en, en Rakdos. Ouais. Allons-y euh, avec ça on déjà. Va... Enfin là, pour faire oblitérateur, firection, il lui manque encore un mana noir. Il ne pas tout de suite. Hein. Ah, ouais. Et là, vas-y, tu peux tout mettre. Confirmé. Et là, ton prochain j'attaque, il bloque pas ça parce sert à rien. Il bloque ça. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il est mort. Bon, est... il passe son tour. Hein. Facile ce jeu. Oh putain, le lifelink, on s'en fout. C'est exceptionnel. Non, c'est trop. Ça, ça c'est la carte qui est en trop, je pense. Oh, les saints de Skrillex ceux qui aiment <laughs> la dubstep mais tu viens de voir ce que t'as fait t'as fait pour 1 je draw 2 ah je triche hein. attends mais je peux gagner le, la course en lifelink avec ça regarde hop hop non, oh putain non PL c'est trop non je veux pas, je veux pas ah ça. non j'abuse j'abuse hop <laughs> je, crois, je crois non faut pas qu'il voit tue. faut pas qu'il voit tu <laughs> le tues même pas en toxique ça n'a aucun ah sens ah ouais je le tue juste avec des bêtes <laughs> en fait c'est oui. un leurre les mecs voient toxiques, ils se disent waouh ouais, il faut que j'ai des trucs pour enlever les marqueurs et ils sont à 0 oh, pev, ils font Ah merde <laughs> Je m'attendais à ce que ce soit puissant, mais c'est d'une puissance. C'est costaud. Après, bon, on va pas dire, hein, Lopo il a joué 3 cartes. Gros, il Genre... a fait anti-bet, bête, euh, anti-bet, bête pâté, t'as contré. Euh... Mais non, mais il a joué là, sa première carte autour tour 4. Mais c'est ce que font Après, les decks qui fait... du fait. Mais moment. Non. <laughs> non, Mais si Non, normalement tour 1 c'est cut down sur ta bête. Euh, ensuite, euh, anti-bet à deux. Je tout de suite. Genre, je suis impressionné, c'est vachement fort. Parce que même les créatures sont bonnes. Mais je veux pas non plus qu'on oublie que le mec, il a joué des cartes que personne joue en standard actuellement. Mec. Et que personne jouera en standard Wizard après. The coast. Je vais demander un deuxième compte d'AP. Je vais sortir oh, de la Et tu vas me rosser la tête. Ok. Ah, je croyais que tu allais les appeler pour leur dire qu'il y avait un problème. Parce ah qu'on bah les appelle à chaque stream. Si Hello, Wizard. Yes. Oh, we are just testing the new mécanique. Euh, euh, yes. You catch my meaning? There is a problem. There is some ban uh, incoming. On leur a parlé de Dread la dernière fois, ils ont pas écouté. Oh hein. mirror. Bon bah là on peut perdre. C'est un mirror. Et encore que. Moi oh, je propose un le point. Le meilleur mirror, je pense. Je propose pas un point quand même, je le respecte. Alors bien sûr on est subjugué, mais on rigole. On oui. sait pas encore quelle est la vraie puissance de Toxic comme le dit Il faut savoir raison garder. Ton adversaire peut avoir des piles d'interaction, il peut avoir aussi des anti de masse. Il y a des cartes comme fin de la fraternité. Mmh. Ne crions pas au, au scandale, mais excusez-moi, je suis tout excité quoi. Mais avec des trucs comme ça et le contre, euh, mieux tu vois parce que c'est Tu fais vras, il fait ah bah super. J'ai pas mon enchante qui fait une bête tous les tours, bah, j'ai perdu. Alors je deux points de vue, une... il fait quoi déjà lui Une côte de chronemer. Euh, a quel toxique 1, défendait hispanique contre cette couleur jusqu'à la fin du tour. Alors du coup, si je donne toxique un truc, il a déjà ça met deux ou pas Je pense pas. Je crois pas que ça soit cumulatif. Je vais mettre ma grosse bête. Hein. Bah, bon, mets ta grosse bête. Hein. Oh. Je pense que dans le miroir, c'est la meilleure bête. la base ICPK quand même. Ah, Dragoon HS nous dit que si, si, ça se cumule les toxiques. Ok, bah, mais okay. la pas. Voilà, bon, il a deux couleurs, donc je pouvais pas donner pro. Euh... Ah non, c'est défense à c'est pas pro de toute façon. Mais tu donneras pro à ton gros pâté au pire. Ah, si, elle peut pas être bloquée, donc c'est un peu comme si. Oh. Mec, c'est trop bien. Tiens, prends deux marqueurs déjà. Okay, est merci. Est-ce que je tiap, protège un euh... truc ou pas Non. Je pensais pas que c'était cumulatif. Non, non je, je suis crois pas je que, tu pro... euh, que tu protèges quoi que ce soit ici. Et je pouvais donner pro blanc, comme ça il pouvait pas trop attaquer avec ça, mais bon. Il peut déjà pas. vois, s'il faisait audace dessus, peut-être c'était chiant. Si tu attaques avec ta 4-4, est-ce qu'il a des blocs euh, satisfaisants ou tu vas pouvoir non, te débloquer trop, tes... hein. ton draw 2 Ouais. Bon, alors attaque, hein. tranquillou juste prendre. Et tu vois lui, il joue pas de bleu et ça va faire une diff de fou, je pense avec tes ouais. curiosités. Ou alors, il le trouve pas. Oui oui, c'est vrai. Après, s'il enfin, joue des forêts, il euh, y a peu voilà, de Moi, j'ai fait la mana base tout à l'heure, franchement, si tu joues tricolore, c'est bête de jouer une forêt quoi. Oh bah ben, un petit dessin de Skemfar, hein. tu peux même repiocher deux, on va pas se... oh, ouais, je me prive star, pas. Non Genre, draw 4 pour 2, c'est du power level du, du P9, à peu près. J'aurais dû lui payer avec mon lambda darc parce que du coup, ça me permettait de faire euh, peut-être un autre spell si je voulais. Ouais. C'est marrant parce que bien le deck hein. se pique beaucoup en Pain mais comme tout le monde va jouer toxique, on s'en fout des 10 premiers pevs quelque part. Ouais. En fait, c'est la pression que tu mets, tu vois. En fait, tu prends. tu Genre là, en équivalent, c'est comme s'il était plutôt à 11, en gros. Ouais. Donc euh, si jamais il veut faire la course Mais il va, il va pas y arriver Donc tu peux prendre des pefs Parce que de toute façon il peut pas trop t'attaquer T'as encore une séquence de gros zinzin Avec ton chanteur et ta morsure euh... c est, c est, Non j'ai qu'un verre Ah mmh. Alors ta séquence elle est moins ouais. Elle est zinzibar ouais, ouais, Tu mets juste euh, chanteur et essein Je pense Tu si... feras la morsure plus tard Ouais. Si je fais pas morsure je fais ça d'abord Ouais je pense aussi ouais. Et je vais faire un dessin. Putain par contre quand ça quand tu l'accumules, cumules, hein, je crois qu'on le disait pendant les reveals. Ouais c'est... Ouais, mais là, moi, là déjà je ce que tu fait... propose c'est bête hein, euh... Ouais. Je, je pense que ça a un peu le potentiel d'être comme soldat. C'est-à-dire que soldat c'est un deck aggro mais qui est capable de qui est capable d'être résilient à l'interaction, tu vois. Et mm. j'estime que ce deck là, il en est capable aussi euh, du peu qu'on oh a vu pour l'instant. Et hey Ganjo, regarde bien. Probable. C'est la force de jouer Celestia quoi. Ah ça marche mieux. Ok, Taivar. Ça cette carte là aussi on n'en parle pas mais c'est très fort. Hein. C'est littéralement Snake Skin Veil, sauf qu'en plus tu peux buffer ta carte, quoi. c'est complètement idiot. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment fort. C'est un power creep assez ouf. Ouais. Faut pas mal de deck. Merde. J'ai confirmé. Ah c'est bon. J'ai cliqué un peu vite. Je me suis dit ça se trouve j'ai pas mis de marqueur. Et là franchement quoi qu'il fasse, je vois pas comment. Enfin t'es à 8 marqueurs poison face à un marqueur poison, il va pas gagner cette course, quoi. Il y, y a pas trop d'issue en fait. Ah bah surtout j'ai qu'à cibler une de mes bêtes et. Enfin genre, si lui ou moins on cible une de mes bêtes, euh, il a perdu. C'est ça. Merde. Comme ça. Oh, le fait que tu le contre-sort en plus, j'adore. Hein. C'est que franchement, je trouve ouais. qu'ils l'ont trop bien designé la mécanique. Ouais, mais que tu sais, c'est presque Tu trop... vas avoir ce. Non, parce que tu vas oh. avoir ce petit jeu, comme tu le disais, où tes oppos, ils vont avoir des cut-downs et tout. Il va falloir que tu gardes un peu tes cartes en main, que tu sois capable de, de mettre les premiers marqueurs poison pour faire tourner un peu ton flot de cartes, on... commencer à piocher tes cartes, avoir tes contresorts. Genre, les gens vont t'embêter, tu vois. Est-ce que pour 2 mana draw 4, c'est meilleur dans la tier list Genre, rituel, 2 mana bleu, tu draw 4. Ouais, ah ouais, c'est meilleur. ouais. Il est où dans la tier list Il est, euh... Il est avec Time Walk, je pense. Il est, cr... Il est crème de la crème, mais. 2 euh... mana draw 4 Non, c'est même mieux que Time Walk, je crois. Je sais pas. 1 mana draw 3, donc techniquement 2 mana draw 6. Ouais, ouais la carte supplémentaire, elle a... elle a au moins la même valeur que le mana supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est genre euh... non, ce sera le recall plus c est... C est pas ex... C'est pas euh, proportionnel, je pense. Euh... Ouais. Le... la puissance. Genre, la carte supplémentaire, elle a en plus, plus de valeur que les, trois... que les trois précédentes. Il est top comme de la crème. Ah, oh, bah oui. Oui, 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 minimum. Franchement, je crois que c'est même mieux que, que Time Hulk. Hein. Pour deux, tu draws 4, t'imagines? Enfin, c'est fou. Faut savoir raison garder, Val. Mais non, vraiment, 2 mana <laughs> Je sais que t'aimes mais... pas jouer les tours sup, ah, mais quand même. Mais tu... euh... non, mais... De non, mais mana... Oh Saffron Olive, c'est le rendez-vous Rendez-vous Ah oui rendez Chaque AP, on a Saffron Olive. Mais gros, 2 mana draw 4 N'a pas de sens Putain, je kipe ou pas ça C'est bizarre. Vas-y, vas-y, kipe, il y a S1. Okay. Si il y a S1, c'est gagné. Non. <laughs> marche pas comme ça. <laughs> si, si, bah, bah je, ça va, je connais, je connais mes classiques quand même. Ah ouais Attends, on va voir. Ouais, regarde, regarde. Franchement, si ça Pop, suffit, c'est... Ouais, tu prends Spell Spears, gros. Oh, le Spell Spears. J'aime pas trop le... l'artwork. Et là, ça commence mal pour sa frode Il sait, il sait où il a mis les pieds et, et ça sent pas bon pour lui. Non. Euh... Oui, non, c'est bon, tu peux mettre le mana que tu veux. Je draw ou non Je mets une petite bête, là. Oh, je pense que tu mets une petite bête et tu gardes que Ness la fin, hein. Franchement 2 mana draw 4 ça te permet de passer en... Tu le joues tour 2, ça te permet de défausser tes oh. taux. Ok. Lui il joue euh, prolifération je pense. Regarde, imagine 2 mana draw c'est le meilleur top deck de ton deck. Ouais. Autour 2 ça te trouve forcément tes lands, ça te permet de défausser des cartes pour Reanimator. Ouais. Deux mana bleu. Genre, Pourquoi 2 mana bleus Bah parce que là c'est l'équivalent de, de faire de fois Curiosité. Ouais ok Ah ouais sinon bah, ouais, bleu. Un, un bleu un incolore Ah bah merci C'est splashé Ah bah moi partout. je croyais que c'était euh, Un bleu un incolore non, Pour 4 Ah bah c'est l'équivalent de ça Tu vois Bah je te propose ah, du de, pas. de bourrer euh, De bourrer le poteau hein. oh, On va pas, ça pas les jouer à 3 manas hein, C'est pas grave qu'on livres le poteau Et fin de bah, tour il, hein. il est le poteau Littéralement On peut l'écrire de plein de façons et voilà, Merci agent Clique 47 Et Yop solo pour les subs j'ai deux cartes. Ah c'est marrant, il joue genre des bonnes cartes entre guillemets, enfin euh, des effets euh, bien, avec un marqueur posant en plus. Ouais, j'aime pas trop la divination pour le coup mais... C'est un éphémère ou pas Ah c'est rituel. Non c'est un rituel, ouais. rituel. j'aime ouais. pas des masses. Genre euh, on a un build de prolifération là dans les tuyaux et genre ça joue pas ça quoi. 5 marqueurs. Franchement quand on es là, comment tu perds maintenant T'as un contre-sort, t'as ton enchantement qui fait n'importe quoi, il a déjà la moitié de ses points de vie qui sont plus là. Euh... Ah S'il ouais, hein. a une vraie, tu vas la contrer. Échec et mat. J'ai 5 on board. 6 même. Désolé, ça offre une olive. Putain. Sorry, Sorry. J'ai trop envie de jouer ça, c'est fou. Il est incroyable. Ouais, j'avoue que le splash bleu, il est très agréable. Ça fait quoi de jouer ça, à PL Tu prends plaisir bah Écoute, tu euh... veux que je te dise honnêtement, Val Ouais. Je m'emmerde. Ouais. <laughs> Peut pas perdre. Pas l'adversité. Oh, personne oh. est à ton niveau quoi. Oh. <laughs> J'ai siroté de l'eau. Hey, tu sais quoi la prochaine Je rate pas sur quoi je Bon jouer les cartes à l'aveugle. On peut en faire une comme ça. Hein. Je rate pas l'écran comme ça. Et tu me guides, tu me dis top, top, top. Bon, ça va être hyper chiant. Si jouez, on était pas en live d'AP, si on, on aurait pu le faire quoi. Non bon, on va changer le deck même si on perd pas parce que sinon on va jamais changer, ça va pas le faire. Oh. Donc Dragon HS qui dit qu'on est en avance sur les builds des autres streamers d'une couleur, mais du coup, tu sais ce que ça veut dire Val. C'est-à-dire que demain... Ah bah, il faut en mettre une quatrième du coup. Bah oui, demain tu mets du rouge et des fables, et let's go <laughs> Demain je mets du noir et moins 4, 4, c'est bon on est là. Tu, tu mets une couleur jusqu'à ce que ça s'écroule. Et ensuite on se barre avec la caisse. Comme ça qu'ils font dans les entreprises. Oh à quand Glissa On va te jouer Glissa prochainement, JDFW. 100% ce soir, en test Glissa. Mais là, j'avoue que c'est vraiment. Euh... Il n'y a pas toutes les extensions qui permettent de tester comme ça plein de nouvelles cartes d'un coup en un seul deck. Donc c'est ouais, vraiment un kiff de pouvoir faire ça. Et en plus, avec un deck qui marche, qui est qu stylé. En plus, deux versions différentes. Oh, c'est les Saint-Tour 2, là. Bah, les couilles. Ouais, tu peux même jouer à Abzan avec l Enfin, Nous, on a le bleu pour piocher et contrer. Mmh. Mais si t'as le noir, t'as as Durace et. Euh, ta durée c'est anti-bête et genre en vrai selon le format euh, si le format est aggro tu préféreras la version noire peut-être genre dans le mirror euh, pourquoi pas tu vois bah lui, lui il joue du noir tiens intéressant au pile au moment où j'en parle je crois que je vais faire double bête ah merde j'ai qu'à mal à blanc je peux pas je crois que je vais mettre ça du coup pour écraser ces ouais. que je crois qu'en mirror c'est le meilleur lui contaminateur en flair et ça peut pas bloquer donc euh... ça ça va me permettre d'être corrompu dès le tour suivant Ouais, non, mais je suis con. Ah non, non, je suis pas corrompu, ouais. Donc lui, il va m'assurer d'être corruptible. On risque de mourir très vite, quand même. Hein. S'il a double euh, Double Bitter Blossom, quoi. Oh. oh Il va péter ton enchantement Smart. Il va péter Contaminateur, je pense. Ah, oh, j'aurais pété ton enchantement, moi. Bah, en fait, là, on a plus rien qui peut bloquer, alors que lui, il en a un. Donc, euh... hmm. ça nous oblige à trouver des trucs comme ça, et encore que ça, ça bloque pas ça. Tu peux mettre enchantement et saint de, de... Ouais, tu peux. Ah non, non j'ai quand arrive même tapé. Ouais. Je le lande. Je, je mettrai quand même les seins, je pense. Et saint, je bloque toujours pas, donc on va prendre deux marqueurs. Ouais, tu, tu ouais, bloques pas, va. mais du coup, s'il attaque, toi, tu t as, t as une contre-attaque intéressante. Ouais. Là, si tu peux pas défendre, l'idée c'est de lui dire, ok, du coup, si tu es véhément, je, je vais l'être en retour. Quoi. Je VM également. C'est ça. Merci Rilis pour le 4... Euh, le 9 e mois pardon, de Prime Gaming. Et c'est sûr hein, pour répondre à je sais plus qui sur le chat, c'est sûr que quand on va vous présenter ce deck -là en vidéo, ça va être nul Et ça va être pourri, on va se faire éclater. Oh oui. J'en ai aucun... Ah on en fait la retourne, ça. va là. Si ça marche pas, on la retourne. Non non non, ça marchait tout à l'heure, ça va remarcher. Mettez-moi confiance. Euh, Il joue Mondrak, c'est un peu chiant parce que ça va doubler tous ses effets ouais. d'arriver en jeu. Euh... Et on crève bien là, à 9. Hein. Euh... Putain, relou. Hein. J'ai ça, mais ça ne tue pas ça. Ouais, là ça tue rien, c'est ça le problème. Hmm. Depuis qu'il nous a enlevé la 4-4. Ouais, je crois en vrai j'enlèverais quand même un attaquant juste histoire de gagner un peu de temps ouais bah c'est un effet merde de toute façon donc ouais tu fais quoi tu proposes une attaque all ou pas du tout bah là j'ai que trois trucs ils vont en bloquer deux il y a que le un qui survit donc ouais je peux attaquer en plus j'ai pas de lifelink, parce qu'il a que deux marqueurs ah ouais après Moondrack... Euh... Mon pardon, avec double enchantement, c'est. Ouais, Mon drac, c'est très méchant. Okay. Et Mon Est-ce que mono rouge sera encore jouable Ouais, il y a des versions burn qui ont l'air d'être très sympas, de ce que j'ai vu. Euh, avec notamment le, le nouveau firection rouge. Euh, après, est-ce que ça sera fort Je sais pas. Jouable, oui. Fort, je ne saurais pas te dire. Et du coup, il a le left link. Le Ça aurait été pas mal une mécanique qui te permet euh, une espèce de lifelink mais qui te soigne le poison, tu vois, qui te retire des marqueurs poison. Mmh. Il me rappelle quelque chose là, ces bêtes là. Ces bêtes là. Je me rappelle plus quoi. Ça te dit rien, Val voilà. De quoi Ces bêtes là, la forme. Euh... Ouais, ça fait un peu des aliens, des tyrannides. Mmh, je sais pas. Non. Il y a autre chose que tu vois Je crois que ça me rappelle les, les monstres... Les créatures, les créatures dans le film coréen. Ah peut-être. Bon, on a perdu okay, le film coréen. Si c'est une blague grivoise, je peux, je peux pas le dire, il y a des enfants. Non, non, euh... <laughs> ok. Peut-être ça me rappelle les monstres dans... à la ça fin a de Tomb Raider. Ok, ouais, football top, ça marche un peu aussi, ouais. Des holos, pourquoi pas. Zios, moi je connais pas. Ça fait quoi le Ah, c'est vrai, c'est vrai, il y a une vraie Collioco en vrai. Il ressemble à tout en vu, fait. Euh, jamais vu Collioco, donc je saurais pas. T'as jamais vu Collioco Val Non, enfin je connais le générique quoi. C'était exceptionnel. Ouais. Ok. Bah j'ai ah, pas vraiment vu, donc, je trop vais bien. pas, je vais pas t'infirmer, mais. Euh, prochain deck, Val. Voilà. J'écoute. Ah, prochain deck Ah ouais, on s'arrête déjà Bah, quand même. Euh... j'étais vraiment en train de m'amuser comme un petit fou, quoi. J'aurais pu jouer ça toute la soirée. Euh, je pense, Dimir Prolifération, il y a un bail. Il faut, il faut qu'on ah. teste ça, il faut qu'on teste les mécaniques avant de tester les cartes, en fait. Allons-y. Juste pour Mirodin, je vous avoue que j'ai pas ça dans ma besace, quoi. Ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça bah, intéressant. C'est du draft de... pour Mirodin, je pense. Ça ne m'a pas chauffé euh, plus que ça. Alors, on a 7 îles, 7 marées, un Ottawara. Yes. 4 euh, rivages de nappes noires. 4 rivières souterraines. Un Takenuma. Oui. Ensuite, on a 4 cranoglodites biliaires. Très compliqué. Euh... C'est avec un accent sur le A, ouais, exactement. 4 hybrides Videl. La femme de Sangoane. Je l'ai. Quatre Venser. Alors ça, je suis très curieux de voir ce que ça fait. À mon avis, pas grand-chose. Ah, je l'adore, moi, Venser. Deux Tekutal. T-E-K-U-T-H. Ouais. Trois Liliana. Trois Arnfyrexianes. 4 augures expérimentales. 4 okay. collets de sérum. 4 que naissent la fin. Et 4 noyades dans la Sani. Version très basique, encore une fois, on est là pour tester la mécanique. Ça n'a pas été dégrossi. On pourrait jouer des meilleurs anti-bêtes. L'idée, c'est vraiment de proliférer à fond les ballons. Quoi. Standard, fabriquer tout. Je pense que ce qui est difficile avec ce deck là, c'est de mettre le premier marqueur poison, mais après on s'amuse, tu vois. Euh, ouais, si t'as pas le tour 1, euh... ça va pas être simple. Hop, nouveau deck, Dimir, c'est parti. Bah Le contre, euh, il a l'air un peu plus sexy aussi dans cette euh, version. Tu dois pas curver des créatures, donc. Euh... Oh, oui. Legend. T'as plus plus naturellement le, le spot autour d'eux pour contrer avec, ouais. Mais en fait, le contre dans la version Bant toxique, il faut le voir vraiment comme un antivrace, plus que comme un outil de tempo, quoi. Mm. Allons-y. Bon, elle est fine cette main. C'est vrai qu'on n'a pas mis le spell qui draw en fonction du poison, mais pour en mettre un Je petit peu. pas que ça soit très très bien. On a reine quoi. Ouais, c'est ça. Je pense reine c'est de la draw beaucoup plus. En fait, on n'a pas un deck aggro qui veut refiler sa main, donc. Euh... Ouais, non, je pense que c'est mieux à faire que ça. Ouais, peut-être pas 4. Ok. -être bon, ça a l'air d'être euh... un deck populaire. Peut-être mettre 4 cutdowns hein, dans le deck, au cas où. Ah, si Toxic est beaucoup trop présent, on peut, on peut aussi euh, s'adapter dans, dans nos decks, histoire de, de pouvoir voir un peu ce que font les decks. quoi. Ouais, ah, ces sorties-là, elles sont. C... Dans Vencer, je pense. Hein. Ouais. Donc, on commence à toucher. Si on se rend compte que Toxic est beaucoup trop joué et que ça nous empêche de tester d'autres archétypes, on prendra Toxic en compte dans le build histoire de, de tester de trucs. Quoi. Mmh. Euh, pas tant de rares que ça dans euh, Sung Jinwoo. Pas mal de, oh, de communes causes. ce co que, aussi. que tu vas pouvoir noyer ouais, Je vais bien noyer ça. Ah, C'est con parce que du coup, je vais proliférer avant. Euh, de mettre un marqueur toxique, mais bon, ça marche quand même. Zou. Euh, qui vont gagné un marqueur Non, aucun. Et du coup, je vais faire une 3-3. Yes. Je vais pas attaquer. Ouais, ça te permet de rester en bloc. Okay. Oh la sentinelle creuse <laughs> J'ai pas vu qu'elle s'appelait comme ça. On dirait un a l'air très animée celle-là. Ah mais c'est un espèce de faux carne non mmh. Ça ressemble quand même beaucoup. Les épaules, ouais, c'est pas la tout. même gueule. Une espèce de tête de mort quand même. Ouais mais genre c'est inspiré quoi. Et il a pas le regard vide. Comme il... le vrai carne. Il a plus ce regard vide, le vrai carne. <laughs> celui, celui qui a tout perdu tu vois. Carn Karn, le, le deg, c'est sa prochaine version. Carn le dégoûté, littéralement. C'est la version ultime. Il coûtera 30 mana. Il aura pas d'effet. Celui <laughs> S'il coûte 30 mana, on pourra quand même le jouer dans Mono vert Dévotion, il pas de galère. Ouais. En fait, c'est un haut fait. Tu vas le chercher, tu le joues, tu t'as vu, J'ai un peu de qui fait rien. 30. Il fait rien, mais c'est vraiment parce que je te défonce, quoi. Salaud. Ah, ça marche bien ça. Ah, j'avoue, tu peux cibler, mettre deux marqueurs poison, j'aime bien. carne de somme. Tu prends un Joe. Bon, ça me va, je crois. Ah putain, ah ça non, buff putain, ça. Tu ça ah merde. Ah, je savais pas. Bah voilà. Bah, maintenant, je sais. Ah oui, je regardais juste sa main là. Oh putain, fais chier, mais j'avoue, euh, je me suis fait avoir aussi, quoi. Euh... Je vais pas te mentir, t'es un peu dans la panade, là. Bon, après, il passe pas trop sur le board, quoi. C'est plutôt ça qui est non. chiant qu'il faudrait gérer, mais bon. En plus, tant que tu le mets pas le premier marqueur poison, c'est ce que je disais au début, quoi. Ouais. Tu... tu prolifères dans le vide. C'est pas fou, quoi. Lire les cartes, c'est fort Il paraît. Il paraît que c'est pas mal, ouais. Et je vous avoue que j'ai pas lu la deuxième ligne de la drupe. Il va tuer ça. Ok, on va chercher un mana bleu Faut du coup. On va prendre du bleu, hein. bien. Ouais, ça arrive euh... demain. Non, Lundi. ça arrive pas demain. Lundi, ouais. Ah bah non, demain. Euh, demain c'est le replay de, oui. de ce soir, bien évidemment. J'étais là en mode putain, c'est vrai, il nous manque une vidéo pour Dumain. Oh demain. Comment on fait Dumain-Naya. Comment fait-on et non, c'est pour nos amis de, oh de chez YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube et que vous appréciez ce moment, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. C'est pas parce que c'est une rediff qu'il faut oublier de le faire. Oh, quel plaisir, ça, j'en peux plus. J'en peux déjà plus. De la prêtresse Ouais. Ça va, c'est encore assez nouveau pour que je sois pas encore saoulé, quoi. Par contre, ça me rend fou de proliférer dans le vide. Ça, ça c'est un problème. Ouais. Ben ouais. Mes contre qui font rien. Euh, TMT Hub, euh, PL récupère la capture de, de moi sur Discord et, et vous l'affiche. Il fait une capture de fenêtre ah, de si je dis Discord. Pas je fais une capture de fenêtre Discord ouais, que j'affiche et moi j'ai crop. Il me met, je pense, en grand écran sur Discord. En tout cas, c'est comme ça que je fais moi pendant les. Ouais. Ouais, kiffer, kiffer et... ouais, ça évite de bouger. Voilà, c'est ça. Ah putain, mais c'est ciblé, donc je les prends quand même, mes marqueurs. Merde. Bon, de toute façon, ils à rien, mes contre. Je pense qu'il va y avoir un certain impact en pionnier euh, nous best Il y a déjà des decklists qui sont sortis, notamment ce que tu m'as envoyé en SMS euh, PL euh, ouais. euh, ce matin, c'était très sexy. Et le, le mec, il a euh, montré encore plus de decklists euh, de Pionnière qui étaient vraiment intéressantes euh, et qu'il avait potassé, notamment pour le pro tour. Il euh, y a même des, des taivars combo, il y a des trucs très stylés. Ouais, hein. mmh. ah ouais, de fou. Ah, le, la déclise genre mono bleu à Arthos, la combo. Enfin, Dimir, mais en vrai, c'est mono bleu. Euh, et le mec disait que ça partait en combo tour 3, quoi. Ouais. Enfin, ça et peut partir des... en combo tour 3. En tout cas, ça me parle plus. Je sais pas si je suis. On peut pas dire plus impressionné parce que je sais pas exactement ce que font les listes. Mais ça m'a beaucoup plus tout... parlé sa liste de Vanifar. Ouais. Euh, pareil, Avec Vanifar, ouais. c'est. Euh... Ouais, tour 1 Elf, tour de Taivar, tour 3 Vanifar. Et euh, combo, gg. ouais. ouais. Ça, ça, pour le coup, ça me hype pas mal. Solide, ouais. Après, la mana base le... en pionnière, euh, elle est un peu complexe, peut-être, pour faire ça. Non, je pense pas. Tu joues 4 couleurs, en pionnière, ça passe. Hein. Ouais, mais il faut curver. En fait, il faut un land d'étape vert au tour 1, into euh, land d'étape euh, noir bah. dans land d'étape bleu. Franchement, tu dois pouvoir le faire en pionnière. Enfin, je me, je me fais pas trop, de, pas trop de soucis. Je voyais justement un article, enfin, pas un article, un, un tweet, mais un tweet un peu ta, long. Ta main à base, elle est pas, elle est pas parfaite, mais tu, si tu veux le faire, tu vas t'en sortir, je pense. Ouais. En fait, disons à, à quel point c'est régu. Parce ouais. que la sortie un, impeccable, elle est pas régu. Donc, si euh, quand elle est régu, bah, elle est pas à cause de tes landes. Ouais, que, après, c'est après, un, un. Comment dire C'est un. D'opportunités, quoi. À quel point ton deck il est trop trop fort, et dans ce cas-là, t'acceptes d'avoir une mana base de merde. Si ton deck il tue tout le temps tour 3 euh, et que de toute façon il a un aspect midrange parce que ton taille il fait des trucs, bah, on va accepter d'avoir une mana base. Euh... Elle, elle sera pas mauvaise, elle sera juste pas parfaite, je pense, quoi. En, en tout cas, moi j'ai vu la liste, ça m'a mmh. grave chauffé, quoi. Ça m'a saussé de fou. Ouais. Genre, en plus, Vanifar euh, combo, c'était déjà un deck qui existait. Il y a Yol Larson qui a fait top 36 avec au dernier le Sophia. Ouais, et c'était pas grandiose ce que faisait Vanifar à la base. Oh putain, il nous défonce, lui. Ah, le grill modify, on l'a aussi dans la dans la ass c'est stylé. Hein. Oh, comment je vais pas envie de jouer ça. Euh, Qu'est-ce que j'enlève, là, en vrai Tu peux d'abord attaquer, puisqu'il a le death touch, non, ton petit hein Ouais. Ah non, mais c'est bon, tu l'as déjà toxicifié, donc euh, tu fais comme tu veux. En ouais, fait. je peux quand même attaquer d'abord. Et là, du coup, tu tues le 4K, tu penses, non Mmh, Quoi que... Ouais, enfin, c'est le plus gros ouais. Ouais. Bah ouais mais M753 euh, pour mettre le premier marqueur poison si t'as pas ce 4, -4 t'en chies un peu quand même. Ah tu peux pas faire voler un truc, t'es obligé de faire euh, la sentinelle creuse. Ah oh, ça, c'est monstrueux comme créature je trouve. Ouais j'adore, très stylé. Bah il coûte coco euh en graille 1. Et, euh, et on verra. Hein. La chantinée le cruge. Je vais faire t'écouter. Ouais, ça bloque bien. Dans l'idée. Et tu peux réattaquer au 1. Ou tu veux rester ouais, en Ouais, je vais bloquer maintenant. Il y a 8 PEV. C'est chaud. C'est chaud, ça brûle J'ai mis les trois marqueurs en fait, donc maintenant... Euh, oui, t'as fait, fait une un partie euh... du job. Ouais, du coup, je lisais un, un gros euh, tweet, une espèce de Fred, sur un mec qui parlait des couleurs en, en pionnier, et c'est vachement intéressant euh, ce qu'il disait que les, euh, les decks, en fait, euh, performance, c'était notamment des decks avec peu de couleurs en général, euh, notamment parce que le but du... Des, du format c'est de proposer un plan proactif puisque les réponses t'as besoin d'avoir plusieurs couleurs pour répondre à plusieurs decks et avoir plusieurs couleurs c'est compliqué donc c'est pas impossible non plus on joue pas tous monocolore oui, oui. mais en mais stade si que du moderne, c'est ça l'idée ouais, voilà. si t'as si si le choix entre jouer bicolore et tricolore c'est notamment euh, le cas quand tu regardes Ragdos Midrange, les gens jouent pas à Grixis Midrange ils jouent Ragdos pour mmh. avoir vraiment la mana base la plus parfaite, tu pourrais jouer Grixis mais eux ils veulent le 100% quoi et effectivement, ouais. euh, le pionnier ne te garantit pas le 100% comme l'eau comme le moderne, par exemple. C'est vrai. Bah, avec plaisir, Fidzouné. Bonne, euh, bonne nuit au petit monde. Yes, merci beaucoup. Donc, ouais, c'était intéressant de voir ça, euh, l'explication le de. En fait, les réponses euh, bah, pour gérer. Il grossissait, mais genre, tu dois gérer des enchantements, tu as besoin de verre et de blanc. De gérer ouais. des créatures, euh, tu as plutôt besoin de vert, ou, euh, de noir ou de bleu. Ouais. Et... Moi, mon propos, c'est qu'effectivement, si tu joues un deck qui veut euh, gérer des cartes ou proposer un plan midrange, tu as intérêt à avoir la meilleure consistance possible et mmh. la meilleure mana base et jouer plutôt bicolore. Ça t'ouvre même des man -land et ça a de la valeur contre une control. Ouais. Mais si ton deck c'est turbo combo, euh, je pense que tu peux troquer euh, de la consistance contre un plan de jeu vraiment très fort. Et dans ce cas-là, on acceptera le tricolore, je pense, tu vois. Si tu pas le choix, en ouais. fait, c'est ça l'idée, quoi. En gros, si t'as le choix, le format incite à jouer bicolore. Mais si ton combo il tient sur trois couleurs, bah, bah on jouera trois couleurs quoi. Ouais. Euh, J'ai permis d'exister quatre cartes, mais ça me permettait de gagner un point de vie. Je sais pas si c'était worse. Dans tous les cas, il peut choisir qu'une carte. Non, je pense que c'est bien là. Tu l'as un peu stoppé. Hein euh, ton arène phyrexiade, elle est. Ah ouais, mais bon, euh, c'est. À quoi que tu vas, tu vas donner lifelink à ton 3-3. Non, non, t'as raison. Un peu compliqué, ouais. Pas attaquer encore que j'aurais pu peut-être s'attaquer à 3-5. Oh le poteau, j'ai de gros le tester lui. aussi. Ah, je crois. Ah, ouais, tu bloques. Bah, si je pourrais les faire, j'en je crée un. Hein. Ah, ouais, oh, c'était histoire d'avoir le lifelink, mais ouais, non, ok, non, ça marche. T'as raison. Je te renvoie ça. Je prolifère... Bah merci beaucoup Yggdrasil avec plaisir. Je prolifère encore. Et du coup, je peux faire ça. Et je peux faire ça. Ouais, du coup, tu... de ouais la deuxième fois, tu le fais okay. forcément dans le vent, mais osef quoi. Tu peux, tu peux attaquer en vol, hein, vu que tu as, as un en défense, je crois. Enfin, même t'as as 3-3, ou il y a des bêtes Aces après. Est-ce qu'on va le tuer au poison ou, ou au point non, t'as raison, on attaque pas, ça n'a pas forcément de sens. Ouais. Parce que là, en si fait, on, on estime est qu'on va le tuer au poison. Ouais. Oula, il y a eu un écran noir, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Ni ça. What Pourquoi il joue ça dans son deck euh, Grulagro ah, Il a cassé. Ouais. C'est -so indestructible, donc ça sert à rien de bloquer. Comme ça. Tu passes à 1 si jamais tu bloques pas ici. Mais ça va en vrai, hein. tu peux passer à 1. Ouais, allons-y, voyons voir. Otawara, c'est pas fou. Ah, deux Tawara, c'est pas fou. Euh, Est-ce que t'as un moyen de gagner un PV ou de tuer Est-ce ouais, que tu un peux proliférer oui. avec tes Koutal Je peux pas proliférer, non. Ok, bon, bah gagnons un PV déjà. C'est le début de, de, début de quelque chose. Et puis tu gardes Otawara pour trun sur sa phase d'attaque. Et je peux pas. Pourquoi Pas la cible de sort ou de capacité non verte. Ah, tu peux le faire maintenant dans ce cas-là, pardon. Ah non, il n'y a, pas, y a euh, pas un moment où... Euh, non, non, c'est... Ah putain, c'est tout le temps. Non, en fait, il est indestructible est pas... à son tour. Mais sinon, tout le reste, c'est tout le temps. Ah ouais, c'est sort et capa. Ouais. Euh, bah, ça attends, fait une bête ace ou pas, ça C'est quoi ce délire non, Ça en fait pas. Ah ouais, lui, il est vraiment ingérable, le bousin. Ah ouais, il est très costaud. Bah, boots au moins, euh, je sais pas, la Nissa, non Ça faisait quoi Ah non, tu veux bounce une bête célérité Ouais, je vais une bête haste et je vais lui donner tes coutales. Ok. Comment tu lui donnes euh, l'indestructible à tes coutales euh, Il faut que je retire trois marqueurs parmi les autres artefacts, créatures, pencil, que je contrôle. Ce qui n'arrive jamais dans ce deck, donc. Euh, ouais. Ah bah, C'est assez limité. Vois. Pouvoir gérer le token de Lucas, quoi. Ouais. Oh, il, est, il est pâté son deck. Hein. What the fuck? Oh là là, je peux pas bloquer, du coup je suis mort. Bah, bien joué. Ouais, il nous a je... bien mis la pression. Après, notre deck fait un peu rien, quoi. <coughs> je, je pense que le deck est pas très bon. Et je ouais. pense que lui, euh, c'est difficile de jouer à la fois de l'early game comme il a eu et, et autant de late game. Genre, il joue Lucas, Nissa, Trun. Enfin, ça va un peu n'importe où, non? Ouais. Je trouve que le... c'est un melting pot de trucs qui sont pas très forts. En fait, tu joue plein de cartes très moyennes. Euh... Ah, notre deck, tu veux dire ouais, ouais, Moi j'étais ouais. déjà sur le deck de l'OPO, ça m'intéressait. Ouais, le deck de l'OPO, bah, il curve des grosses bêtes, il nous attaque et on est mort. J'ai hein, mais... la Dismiss. Euh... Ouais, mais la version grue que j'ai dans les tuyaux, c'est pas du tout la même que lui en fait. Oui, il y a que des bêtes, non Ouais, c'est très agro en fait, il mmh. n'y a pas de haute curve comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce qu'il a fait, c'était quand même assez impressionnant. Donc, euh... Bon, Anissa, euh, franchement, euh, elle a cassé un truc, quoi. elle n'était pas incroyable non plus. Mais... Non, mais je pense que Lucas est plutôt fort. Lucas, par contre, ouais. C'est pas mal. Tu vois, genre là, on, le boons, il est euh, affreux. Ah, euh... mais je, je, je suis d'accord, c'est exécrable en fait. Tant que tu mets pas le premier marqueur toxique, ton deck ouais. fait rien. Mais il faut, il, je pense qu'il faut jouer des trucs comme jouer Saffron Olive, genre pour deux, il prend un marqueur poison et en plus une carte, tu vois. Plutôt que ça. Plutôt que le drop 1 Ouais, ouais. peut-être. En raison, fait, des trucs qui font si de suite. mais... Si t'en es rendu à jouer des divinations, c'est l'enfer quand même. Non, je crois que, que c'est juste qu il faut... pas très il bien. faut pas jouer ça, je pense. Ouais. Allons-y, qu'est-ce qu'on a ensuite ou alors, jouer un vrai deck contrôle qui n'a pas pour but spécifique de mettre des marqueurs poison, mais qui, à force de contrôler la partie, va donner un kill inévitable. Est en gros, tu joues toutes les bonnes cartes qui mettent des marqueurs poison ouais. dans une stratégie contrôle, tu cherches pas spécifiquement à faire ça. Et plus la partie dure, et plus, euh, inévitablement, le mec va mourir. J'aime bien cette idée-là, en tout cas. Ouais, si si c'est en 10 euh, c'est un peu limite, hein T'as pas un truc qui fait juste draw et mettre un marqueur. Si, ouais, t'as le truc qui fait pour 2, je draw 1, je mets un marqueur poison. Et puis après, tu joues tous les spells qui prolifèrent, quoi. Ouais. Mais qui font un effet de contrôle en plus de proliférer. Ouais, ouais, peut-être euh, peut comme ça serait mieux, mais bon. Merci Ainen pour le 30ème sub. 30ème mois de sub. Ah, J'avoue voilà. que je suis pas. Euh... Non, je pense que c'est pas très bien, en vrai. Euh. J'ai Grill Modify si jamais euh, les gens veulent voir ça, c'est du Grill ouais. très agressif. Allez. Et sinon ah bah alors c'est parti. Quatre chefs de la meute. Et ben bah sinon c'est quatre chefs de la meute. Ah sinon tu veux savoir, euh, tu veux savoir ce qu'on a d'autre euh, Chef a, de la meute. Il y a Boros Control sinon qui est sympa avec Mondrak pour essayer de décupler tous les effets de, de Token. Euh, ouais. On a Mono Blanc avec plein de TB et les Shnorn. Il ouais. euh, oh. y a Mono White Agro, 5-5, ah ouais. drop 4. T'as vu, on teste les Schnorns okay. ok. Bon, ce okay. sera un petit peu ouais. proteux, je pense, mais euh, on, on teste. Non, c'est juste que ça ressemble aussi beaucoup à un deck qu'on connaît un peu, quoi. Est-ce qu'il y a... Oh oui. 3 et les du coup. Parfait. Oh, t'as euh... pas mis la plus belle illustration. Bah si, c'est celle-là. Ah non, celle d'après j'adore, moi. Grand, euh, grand bien, en face, je détiens la souris. Celle-là là, là Non. Gardons là la tienne, mais moi j'adore celle-là, ouais. Ah, je sais ouais, pas, j'aime cool. bien, bien l'histoire qu'elle raconte, mais en fait le fond est un peu basique, je trouve. Tu vois, il ouais, a je que... Te, je te laisse, c'est toi qui as la souris, mais la... J vraiment, je suis fan. Y a en... une en... grande en fait, J'aime le... la couleur crème, le blanc cassé, c'est mon... mon délire. Ok. Tu, Vas -y, si tu peux crois. enlever une, une LH norme, du coup. On va jouer 4 compagnons fougueux. Compagnons. Ouais. On va jouer 3 fermières ambitieuses 4 garants de la paix 3 laurent Avec ça je pense qu'on peut bien tenir toxique Je suis assez curieux de voir ça Ouais je pense 3 laurent du coup Ils euh, ouais, sont déjà bon. pardon 3 impératrices vagabondes 2 l'éternel vagabonde. Donc à faire on se fait plaisir Oh, putain, 4 Brisbank. Son... Brisbank De ossification. Ah, ça aussi je vais tester, ça a l'air trop bien. 4 annonces du mariage. Ouais, ça te demande de jouer beaucoup de basiques. Donc c'est quand on est euh, au deck bicolore, quoi, à maximum. 4 euh, déposer les armes. Donc on a vraiment cette, sens cette sensation que le uh, Firex Will Be One veut vraiment nous faire jouer euh, en tout cas peu de couleurs. C'est assez, assez sympa. Et puis sur les Landes c'est 21 plaines et 3 reliquaires en bord de route Bien. Ah pas des ganjos Non, enfin tu peux, si tu peux, si si, pourquoi pas C'est juste que tu peux te retrouver avec des déposés les armes et des ossifications qui font rien Mais c'est quand même assez rare quoi Je pense ouais. que pour un Eganjo ça vaut le coup Deux ou trois reliquaires Bah ça dépend, je pense qu'on va faire deux reliquaires un Eganjo si tu veux un Neganjo. Ouais, un bah, normalement c'est toujours jouable quoi Genre oh, si tu peux ça. pas caster tes anti ça veut dire tu t'as un anti en main normalement. Et euh, des belles plains tant qu'à faire parce qu'on en a plein. Mais tu vois, ça c'est un deck qui fonctionne déjà en standard, auquel tu rajoutes seulement deux cartes, mais on a vraiment envie de les tester et malheureusement elles se mettent pas trop dans d'autres shells. Quoi. Et ouais. Le plan met... avec Eternal Vagabond, c'est de caster un énorme rituel qui va euh, entre guillemets euh, switch la tempo de la game quoi. Est-ce qu'elles se mettent à moitié dans des shells elles se mettent à moitié dans des chelles, ouais, dans des semi-chelles. Okay. Voilà, il y a ce qu'on peut appeler ça des Michelles du coup. C'est des, des Michelles, exactement. Excellent. Déjà, quand as une carte qui s'appelle Laurent dans le deck, c'est forcément fort. Je suis d'accord. Moi, moi je pense mot. que ce deck est fort parce que tu as plein d'interactions à un mana pour attraper Toxic. Tu as Laurent qui va pouvoir casser le Bitter Blossom de l'Oppo. Mm -hmm. euh... Bah déjà voilà c'est déjà des bons arguments en fait. Oh, The Nerdistive Steve, je connais. Et plein de... Et plein de bloquants sur le board. C'est bien ça. C'est très très bien. Il y a maman. <coughs> Je lag un peu. Tu lagues ou je lag C'est moi. Mais c'est juste le... Enfin c'est le jeu plutôt. C'est moi Doug. Euh... Garde ton compagnon fougueux pour après ta... Ta on ouais. sera plus stylé. On c'est bien, on va bien curver. Oh, ça c'est la, la cité où il y a les fantômes là, dans euh, ah, pas Minas les fantômes. Euh... À un moment, il y a Frodon qui regarde dans Seigneur des Anneaux* de haut, sais, ils sont avec ça mais et genre il y a des armées qui se préparent. Ouais, c'est Mina Minas Morgul. C'est Minas Morgul, ok. Ouais. Très stylé d'ailleurs, magnifique. J'ai toujours eu envie pendant cette séquence dans le film de dire mais allez-y, mais va, allez visiter. Eh, un, mais un, mais la bague, dedans, mais la bague Je ne tu sais pas vas. pour quelle raison. Trouver une side quête genre si on est dans un jeu vidéo, tu as une side quest qui te demande d'aller récupérer un parchemin maudit, je ne sais pas. C'est genre Et pour le. Ici. Une fois que tu as fini le jeu, euh, tu débloques, tu, vois, tu peux y aller. Tu peux aller dans Minas Morgul. Non mais il fallait absolument. Parce qu'il y a, y a que ça. des mecs vénères, donc, euh, donc il faut le lever. J'avoue que euh, le, pauvre, euh, le pauvre Frodon, euh, il avait autre chose à foutre, tu vois. Au contraire, il voulait absolument pas y aller, mais euh, moi j'aurais adoré qu'il y aille quoi. Qu'il y aille Mbappé, ouais, ça, ça fonctionne. Euh, j'aurais pas dû lander, J'aurais dû chercher ça d'abord. Mbappé qui s'est blessé d'ailleurs, et euh, d'ailleurs, il y a des gens qui sont amusés à calculer euh, la distance qu'a parcouru Frodon pour aller déposer l'anneau au Mordor. Oui, aller-retour euh, Nice Lille. Oh, ça se fait, c'est beaucoup Faut quand des même. bonnes jambes, euh, mais ça se fait. C'est pas seulement un aller-nice Lille, aller-retour. Il a fait 1600 km euh, le bouge, ouais, mais c'est sur longtemps, tu vois. Ah, bah oui, quand euh... même. Euh... Ben je me rappelle hein. qu'il bouffait du pain elfique, euh, le type. Oui, bah oui. Il a pas mangé grand-chose. Non. C'est pas pépère comme trajet. Et c'est pas pépère du ah, tout, ouais. Je vais sacrifier ceci. Ainsi qu'une annonce du mariage, ainsi que deux points de vie. Il a l'air de jouer des trucs tellement nouveaux, lui. Putain, j'avais jamais vu cette synergie... Euh... <laughs> Pour l'instant. Allez, tiens, tue-moi les schnornes et comme ça je serai ravi de jouer à ce jeu. Oh Il y a eu un truc là. Tu vas pouvoir piocher deux cartes et du coup perdre 4 PV. Ouais. Oh, t'inquiète, il va la tuer. Oh, il va la tuer à mon tour. Oh, je double le TB. Il la tue pas. Écoute, prends plein de dégâts et trouve un anti-bet pour notre ami Sholdrain. Sinon, il se sera seulement contenté de résoudre un drop 5 et un drop 4. Et on aura perdu la partie. Et, et vraiment, ce standard me frustre un peu, des fois. Eh oui, un hein, frustrant. Non, mais c'est bon, t'as trouvé une interaction. Son contrôleur, est-ce que c'est moi Je la contrôle un peu. Vu que j'ai les schnornes. Attendez pas, celle-là. Euh, alors, je pense. Euh... Désolé pour le pot mais je pense que c'est un mauvais move ça, Alors, vraiment c'est pas fou je crois. Il veut... moment, ah je il veut leur jouer. réanimer. Euh... Ah. Je, déteste, euh, <laughs> je déteste ce qui m'arrive. Je déteste ce qui m'arrive. Aïe aïe aïe, le pire c'est que c'est pas nouveau quoi, c'est chiant du coup qu'il fasse ça. Pant, bon, 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 pant, bon, Tu, bon, tu, tu bon. respectes même pas euh, la potentialité d'une bête célérité. Non. Ah bah un mono noir. Euh. Ah bah justement, on a notre ami euh, l'outsider. Attends, excusez-moi. Merde, putain. Ah, ils sont là. Allez, nouvelle carte direction. Hop, bien joué. Non, mais peut-être qu'il les a pas pioché. Bon, ça arrive, il teste euh, mono black. Euh. Euh. Tu, tu trouves pas tes bonnes cartes, quoi, malheureusement. Ah, je trouve pas les bonnes cartes, ouais. Allez, on y va. Enfin, une fois que t'as Lord sur le board, t'es censé faire des bêtises et doubler tous tes ETB. Et genre, t'as pas eu d'ETB, quoi. Et puis j'ai une 4-7 vigilance aussi, donc je peux attaquer, mais. Mais quand point il gagne 10 points de vie partout en com. Oh, comme... oh After Office. TTV VIP. J'ai vu beaucoup de decklists avec euh, notre ami nairi Ça m'a pas spécialement chauffé pour la tester pour l'instant, mais. Euh... Non, moi non plus. Euh... Bah en fait, ça a mais Les euh, gens ont l'air d'être assez hype là-dessus. Pareil pour la Vraska, elle a l'air d'être assez euh, attendue par les joueurs. Je trouve que Naïris c'est une bonne carte de combo. Je crois que ça combat avec deux trois trucs. Mais euh, voilà quoi. Ouais. C'est comme Taïvar quoi. C'est comme la, la Vraska. On pourrait peut-être la tester dans le June. J'ai un June là dans les, dans les oh tuyau avec une Glissa et tout. J'ai pas mis de Vraska dedans, mais on peut la mettre si tu veux. On peut en mettre une ou deux. De toute façon, c'est un bon volker hein. Ça fait que des trucs bien. Ouais. Là, tu des trucs, ça fait piocher. Je suis d'accord. J'aimerais bien caster ça, moi. Voir si, euh, genre, en deux tours je gagne. Et là, je dis Ah oui. Ah oui. Oh, oh mais je, je pense que si oh. tu résous ça, c'est fort. Hein. J'ai pas trop de doute là-dessus. Mais as-tu vu ah, Il est beau, hein, le token. Hein. Il est exceptionnel. Hein. Déjà, les premiers ouais, étaient pas moches, mais vrai, alors là. Joli. Ah, ben voilà, je suis trop content qu'il y ait qu Nairi en face. Ah, le plus 1 la protège. Je crois. Parce que du coup, je, peux... je suis obligé d'attaquer un joueur. C'est-à-dire le plus 1, un, une créature ciblée attaque un joueur à chaque combat, donc je crois que je peux pas attaquer ça. Mais il a pas de rediscard là Oui, mais s'il avait fait le plus 1, j'aurais pu le prendre. Ah il oui, oui, d'accord, ok. Bon. Alors, cette pré-extension, bah il y a un maximum de trucs à tester à Akmar et pas assez de temps pour tout tester, donc euh, on se focus sur les cartes qui nous paraissent les plus, euh, les plus stylées, les plus importantes, celles qu'on attend le plus, ou alors les designs ouais. qui nous plaisent le plus. quoi. On n'a pas de deck avec la nouvelle sword, mais elle est très forte, sache-le. Si tu te demandes si elle est bien, c'est sûr qu'elle est bien. Enfin, elle fait draw 2, c'est juste insane, quoi. Le dragon A7, il s'intègre naturellement dans Ragdos pour ceux qui demandent. Et il est évidemment très fort. Tu peux l'oran son 3-3 et exiler sa 1. -1 c'est bien ça. ça me paraît ok. Et nous, on monte doucement vers l'éternel vagabonde. Je peux Laurent, tu veux dire Tu peux Laurent, c'est vrai. Voilà. vrai. J'avais pas compris euh, ce que tu Laurent, voulais mais... que je fasse. J'avais ah, déduit, si tu un... vois. Mais avec le nom... Si T'as un doute, demande-moi, n'hésite pas. Ah, ouais. Je te dis. Ah, mais je t'ai dit, j'avais déduit, mais... Euh... Mais j'étais pas sur... 100%. Oh, la vagabonde là. Moi j'aime bien les plaines d'olcurasses comme ça là. Tu le joues, le mec dit ah mais personne joue ça, tu dis bah, mais moi ouais, je joue ça et tu gagnes. Ouais, j'avoue que je l'ai pas vu dans beaucoup de builds, mais euh, mais je trouve que là dans, dans mono blanc ça fait sens quoi. C'est bien dans les stratégies contrôle et, et c'est ce qu'est ton deck donc, euh, donc ça, ça marche plutôt bien. Mon drac Saint Denis. Allez. Hop. Je vous ne serez pas si je faiblis. Là dessus. Allez et là-dessus. Bon drac. Bam, bam, bam. Et fais voir la méminette Ah bah bon retour, bon retour à toi, Oasis. Hop. Sally, maîtresse du filigrane. Qu'est-ce qu'il joue lui Oh, il joue le point de, de Mirodin. Ouais. Il a l'air marrant son deck en vrai. Je suis assez curieux. Ça fait une 3, hein. Oh. Bien ce jeu, bah effectivement. Là, nous, nous non plus de notre côté, on joue pas de nouvelles cartes et parce qu'elle allait arriver. Ouais, ouais. Le, le deck poison, il était vachement fort. Si ouais il était cool, il était grave cool. Le deck poison, et pas, pas de galère. Ouais, euh, de poison, c'était vraiment très satisfaisant. On a perdu un mirror et du coup, on a changé de deck, mais bon c'est pour euh, pour diversifier un peu les expériences sinon par contre le Dimir Prolifération était vraiment très mauvais syrup. Très mauvais, très, euh, très, après, très mauvais après les cartes dedans étaient mauvaises. Je pense que l'idée est pas mauvaise mais euh, mais les cartes sont très mauvaises. Ouais. Mais peut-être bah, que c'est un euh... archétype de draft hein. Ouais voilà, le le euh, si on peut mettre euh, des meilleures cartes et juste une ou deux qui vont créer ce ce kill comme tu disais Val, peut-être que Ouais ça, ça peut-être c'est meilleur mais bon c'est à explorer je trouve merci oh, Corentin Twitch, Twitch. sub que France 5 merci. subs sub Andalor Gigi euh, the Apache et voilà. Light, Namelo et Cetin Cetin Cethin il y a quoi dans le deck poison bah du poison <laughs> un maximum de cartes toxiques et, et quelques, quelques cartes qui permettent de bénéficier de certains effets si t'as 3 marqueurs poison ou plus Oh. Le contresort notamment et la draw pour la version bande. Et il y a Oasis oh, qui nous demande si on a déjà joué la, la carte verte trop stylée, la légendaire, le trun, tu veux dire Bah, il est dans le deck June de Midrange qu'on a dans les tuyaux. Oh, C'est bon ça. J'adore Fermir. Dans 20 ans, bah, il n'y en aura cool. plus. Ça te permet de garder des bonnes mains aussi. Hein. Enfin, de transformer ta main euh, un peu médiocre en très bonne main, quoi. Oula, oula, oula. Mais quoi Putain, je l'aurais peut-être exilé son 1-3 moi. Ah ouais Parce qu'on a pas le 3 land drop hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu, tu savais pas encore si t'allais pas l'avoir, tu vois. Bon, ok, bon, on va lui aussi fier son, son truc, hein. Pas de galère. Je pense que tu vas même lui exiler son 1-3 en vrai. Ou Peut-être que j'exagère Non, j'exagère peut-être. Hop euh... Non, en vrai, ça lui empêche de refaire un obliterateur potentiellement, donc ouais, je suis chaud. Ok. Parce que j'ai pas le je fight ta bête. On sait. On sait ce que vous voulez faire. Oui, oui, euh, oui. les gars. Tiens, on tu perds la partie Oui. Oui, j'ai perdu la partie. Il y en a un autre. On voit voilà donc un autre. Il ne pourrait pas obliterateur sur Six. land. Yes. Putain, t'es bon. Putain, il est bon, lui. Bam. Je ferais impératrice pour être plus mana efficient et le tour d'après espérer avoir ton land pour faire compagnon à le bah, mariage. Impératrice, c'est pas fou là ce que je fais avec. Là, je suis chaud de mettre du bord. En fait, je gère pas un oblitérateur, donc si je mets pour du bord. Toi tes teams, on joue pas les impératrices si ça fait pas grand chose. Ouais. Moi j'aime bien la, juste la setup comme une menace aussi des fois. Bah ouais, mais là il va proposer des trucs gros, donc la menace elle est très moyenne quoi. Ouais, mais est-ce que les autres cartes sont plus menaçantes C'est ça la question. Non, mais je fais des plein de boards. Et du coup son obliterateur il est moins fort. Ok, ok, ok. Là c'est dans l'optique genre je vais sacrifier 5 trucs. Donc je prépare 5 trucs à sacrifier, tu vois. Ouais. Bon on va espérer que non. Hein. On va espérer que non. va bah, déjà tour prochain. Ah si s'il fait land il a pile de quoi faire obliterateur fight mais bon. Genre, mais non, il y a même je en fait, refuse as que un... ces decks-là soient un deck compétitif. Spoiler, ça le sera pas à Ça ouais. meurt sur Antibet comme deck. Ça mais... te fait. Ouais, mais le truc, c'est que justement, c'est pas un deck all-in. C'est un deck euh... qui va juste paquer euh, oblitérateur un peu chiant casté avec un fight spell qui peut aller chercher un basique, donc il te fixe. Et, ouais. Euh... Non, mais je, je vois l'idée, mais je j'y crois quand même pas beaucoup. On va jouer les Shnorn, ici. Hein. Ouais. Est-ce que j'attaque avec les deux ou est-ce que je veux un body euh, de Et plus non, tu veux un bloqueur dans ouais. l'option où ça se passerait pas comme tu le souhaites, hein. Je vais faire ça. Hey Shorn. la merde des machines. C'est vrai, New best il a, il a dit un truc qui était assez vrai. En fait, tu sacrifies qu'un seul truc tant que t'as que des 1 à fighter. Mmh. Ah oui, oui, effectivement. Oui. C'est en lui donnant les qu'on commence à avoir des problèmes. Oui ça je je suis parti du principe qu'on est dans sacrifice 5 mais non. Ouais ouais mais j'ai pas j'ai pas tilté non plus. Non, je, je pense que c'est très rigolo mais que ça sera absolument pas compétitif de, de tenter le spécifiquement le build de fight avec euh, oblitérateur. Je hmm. pense que si on joue Obliterateur, c'est parce qu'on joue mono noir par exemple, tu vois. Oh. Ça c'est super fort. Trop fort comme, comme carte. Oh le dessin est magnifique ah. en plus. Il Y a Wolverine contre Sheldred. Putain, j'avoue ou Freddy Krueger. Ou Freddy Verin. Va louer le Tyrannax. Et je t'avoue qu'il n'y a pas de Tyrannax pour l'instant. Peut-être plus tard. Franchement, c'est une carte qui est, qui est potentiellement puissante. Hein, mais je ne l'ai pas vue dans des decklists. Et genre avec Pelle, on n'a pas eu nécessairement envie de la foutre dans d'autres decklists. Donc. Euh... Non, ouais. à, à remettre à plus tard, quoi. J'ai enlevé son truc parce qu'il fait 3-3 depuis tout à l'heure. C'est un peu chiant. Et il avait pas grand chose d'autre. Ah bah oui, il fait Sheldrain oh maintenant. Oh la Sheldrain, mais tu vas l'ossifier, ça va. Ouais. c'est trop fort, hein, vraiment. Euh, bon. je... Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, mais ouais, ça je... témoigne d'une envie de jouer mono ou bicolore, quoi. Je Donc euh, des... ça sera pas joué partout, c'est ça qui est cool. Oui, bah c'est le, le nerf en fait, c'est que. ça. Tu voulais pas l'ossifier avant de prendre deux Bah je voulais voir si je trouvais mieux, mais en fait, il euh, y a peut-être pas mieux qu'ossifier. Ok. Parce que là, on est à 14, euh, je prends. J'ai plus confiance en Trun Oasis qui franchement bah là on l'a affronté, on était là en mode ok on peut rien faire face à cette carte là. Mais bah, fais ça, ça, ça mais, je peux genre... pas. mais si, non non ah merde, <laughs> jamais non C'est bon, genre, genre vraiment idiot quoi Tiranak c'est idiot mais ça demande plus de mana quand même. Bon c'est chiant un peu relou et en plus Laurent c'est vraiment de la merde contre Chol. Ah ouais, lui faire plus cher une carte, des points de vie et nous en faire plus cher une perte de points de vie. Ouf Il se passe quoi Si tu attaques avec tout, tu le passes à 7, il repasse à 9, tu remets du bord, tu remets deux, deux cartes de bord, donc il repassera à 9, tu un attaquant de plus, il reprendra 8, il passera à 1 puis à 3. Je crois qu'il faut que tu Laurent token et que tu passes le tour. Enfin, peux... et que t'attaque avec tout, pardon. Je peux aussi plus 1. Plus 1, à partir du prochain tour, il peut plus bloquer mon... ma bête. Hein. Euh... Ouais, je, je le mettais à 1 en 2 tours avec cette séquence-là, mais peut-être qu'elle est un peu... Ça prend pas en compte le fait que lui puisse avoir d'autres bloqueurs et des interactions, donc c'est peut-être plus safe ta, ta ligne. J'avais l'impression qu'on pouvait racer cette shoulder raid, mais c'est dans le cas où il pioche plus rien, quoi. Ouais, voilà. Non, c'est probablement plus safe comme ça. Ouais. Oh, je casse ça. ça Ça porte un peu à confusion les ossifications, j'ai l'impression que j'ai plein de plaines alors que j'en ai 6. Ouais, c'est vrai. Je croyais aussi que t'avais euh, des doubles pleines. Bon, ça suffit. Tu vois, c'est la 4-4. Il s'est dit, putain, ça a passé 5-5 que ça. Je suis ouais, mort. Il, il, il s'est quand même pas battu, le type. Hein. Bon, on a compris ce que faisait le deck là. En gros, tu prends mono oui, dans ouais. le contrôle, tu rajoutes, euh, tu rajoutes euh, bah, une, un bon drop 5 qui double tes ETB et ça a l'air de, de bien fonctionner, je pense. Ouais, c'est un peu gadget. En fait, il n'y a pas énormément de TB dans le standard là, j'ai l'impression. Euh... Ouais. Donc, euh, tu vois, chez le il n'y en a pas. Fable, il y en a pas. Non, mais il faut jouer ça dans blanc quoi. Genre, elle se met naturellement ouais. bien dedans, je trouve. Oh, les miroirs de mono blanc avec euh, Aishnord, qu'elle en Là, si je Personne ne fait rien. Une... Ah ouais, c'est bah... Ouais, enfin, tout le monde fait des, des, dingues, des dingueries d'ETB, surtout. Mais non, parce que tu empêches les ETB adverses. Ah oui, t'empêches les ETB OPO, et c'est la fois rien Ah putain, ouais, j'avoue, c'est nul. Enfin, c'est marrant, quoi. Euh, je te propose de partir sur June Midrange, qui a pas beaucoup de nouvelles Allez. cartes, mais qui a quand même des nouvelles cartes qui sont genre qu'on a vraiment envie de tester. Quoi. Bam. Allez, c'est parti. Il oh, y a un Skin pour de la de la dim. Oh putain. Oh putain. Ah ouais, là, il y a des. Moi, oh, la Skin. Là. Là. Ah, vas-y. Skin moissonneur de la dime 200. Eh oui, évidemment. Trois Sholdred. Ah, parce que bon, faut pas déconner. Il Faut gagner les games quand même. Ah merde. Voilà. 3 Trun. ça, ça me Il Faut gagner les games quand même. Ah merde, j'ai oublié le H. C'est je... une de mes cartes préférées, euh, Trun euh, du set. J'aime bien le premier Ouais, j'aime beaucoup le premier est Trun. est pâté élégant, tu vois. Lui, je le trouve, euh, il commence à plus trop... Tu vois, il a enlevé la cravate. Il, est, il... <laughs> est, il est en after-work, est... celui-là. Il est border inélégant, celui ci ouais. c'est vrai. Tu vrai, bois un vrai. coup avec lui, au bout de deux bières, il commence à faire des blagues bizarres et il pique tes cacahuètes. Je fais, bon, c'est ouais, ouais, mon Trun, ouais. on a compris. <laughs> enfin, euh... On va partir sur... De Liliana du voile. Liliana du voile. Vous l'avez compris, c'est la soupe midrange, mais en version June pour tester Merci. les nouvelles cartes. 4 euh, Brise Bank Eliast. Ah oui, euh... oui. Je connais ah ça. Oui, bah, oui. J'ai entendu, oui. tu me l'as déjà chanté tout à l'heure. Mais en vrai, euh, Glissa, euh, ça se met naturellement dans ces decks-là, hein, franchement. Ouais, ouais. 4 ouais. euh, Fables du Brise Miroir. Fables du. Quoique, comme à la initiative Death Touch, tu dois pouvoir le jouer dans le Go Golgari Obliterator Fight. Le, le, le Golgari ouais, ouais. Bonne carte. on drop 3 de ce deck là aussi. Et ils ont eu le 3... bon goût de ne pas lui mettre 3 mana colorées comme l'autre, donc c'est bien. Ouais. trois droits à la gorge. À la gorge. 3 fissurations. Fissura. 3 déchaînements. Euh... Comment ça s'appelle Ah ouais. Déchaînements de l'enfer. Ah, tu dois avoir des accents bizarres. Il y a un, Il y a un ah ouais, accent circonflexe sur. Ouais voilà. Ah ouais, et complexe. on écoute. Il euh, y, y avait deux duresses mais je crois qu'on va. Ouais, mais, mais attends, mais sans qu'une en fait, mais en que deux pardon. On va jouer aussi deux euh, deux Vraska pardon. Ah ouais, on voulait la tester trop bien. Voilà histoire de la tester. Et j'aimerais bien avoir des fins déconcertantes parce que Toxic va nous vraiment nous poser des vrais problèmes. Euh, c'est pas des fins des pardon, c'est fin de la fraternité. Excuse-moi, je te dis des conneries. Fin des frater. Et en fait, j'enlèverai toutes les Liliana et je mettrai trois. Euh trois fins de la fraternité voilà exactement okay. et puis maintenant on, on va passer euh... à la base non de quoi non on veut pas jouer Lady je pense Lady non on a des anti clean tu, tu préfères jouer euh, on, veut, que... on veut 25 landes ou pas sinon il y a un petit slot ouais on veut au moins 25 land en vrai euh, vu qu'on est en drop 6 on veut même 26 land je pense genre il y, y a pas de slot je pense ouais je ça alors ah tu veux tester Lady non non euh, pour euh, passer à 26 on a 24 là ah oui, d'accord, ok. Ouais. Alors, t'as la main base ou pas J'ai la main à base, ouais. Parfait. Un marais, une forêt. Euh... On les a déjà. Un boseille Hop Je vais les mettre après, j'en mettrai des beaux. Zou. Quatre clairières. Des... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Des oranges. Des oranges. Orange. Trois contre C'est des oranges qu'on a rongées. Mais j'avoue, non, mais c'est quoi vraiment un orange, tu sais? J'avais regardé et je ne sais plus. Je crois que eh ben, je crois que c'est des champignons, justement. Ok. Il n'y a oui, que 3, 3, 3 contreforts contre par contre. Quatre falaises de coupe noire. Falaises coupe noire. Une forêt de 3. carpulse. Attends, 3, excuse-moi, j'ai lu un truc en même temps. Il y en a 4, pardon. 4, ok. Une forêt de carpulse. Forêt de... Ah oh, putain. Une lande de l'Anoir. On s'écrit forêt. C'est car plus. J'ai pas mis le Non mais j'ai pas mis l'accent. Une, seule, hein, ah, une forêt. seule. Je suis perdu. Moi je mets quatre. Moi. Une seule lande de l'Anoir. Quatre salles de recrutement de Ziatora. Deux sources sulfureuses. Bah, la mana base est chiante, je suis désolé, mais bon, on essaie d'avoir une mana fixée. Non, quoi. non, non t'inquiète. Un Takenuma. Numa. Un taquet. Et, et... et, et deux vales de rocherine. Ok. Euh, il coup, me manque, il manque un land que... et deux basiques. Ouais, c'est ça. Il manque donc du coup une forêt, un marais et une montagne. Un ah, basique de chaque Ok. Ouais. Bah, le le 26 e land, vu qu'on a rajouté la braska, on va mettre une montagne et puis ça, ça fera le taf. Il y a quand même deux fins, trois fins de la fraternité qu'on aura beaucoup de mal à curver euh, autour 3. Donc, euh, genre, on a 4, 6, 8, 9, 12, 16, 17. Ouais, c'est bon, il faut 18 sources, on en a 17, c'est pas mal. Jusqu'à oh, tout là. Quimple... Ouais, Pimple-le à fond, il est trop beau ah, ce deck. Ouais, ouais. Genre, si ça c'est un deck jouable, je suis trop content. Ouais, je préfère le full art. Lui, il est un peu, un peu bizarre. Ouais, il est pas beau, lui, je suis d'accord. Hein, il est bizarre. Hein. Moi, je joue le foulard. Il est bizarre, euh, votre euh, collègue. Euh... Hein, Laissez-le. <laughs> ah ouais ah, il... Oh il Tire la gueule. Ah, je préfère le foulard. Ah, aussi le foulard aussi, quand même. Ah, foulard à fond, en fait. Hein. Oh ça y'a pas le choix. Oh putain, skin nous le deck, là. Skin tout. Oh, je la mets fait avec Et j'aime bien celle-là aussi. Oh, je te fais plaisir. Oh putain, y'a celle-là. Mais vas-y, régale-moi. Exceptionnel, ça. Oh, celui-là, il est rigolo. Full art. on prend le foulard. Oh, foulard. En fait, ils font des skins, mais pas foulard. C'est con. Bah ouais, donc du coup on prend les foulards. Oh mais c'est vrai, hein Ah, lui il est beau. Ah, de ce monstre. Ah là vraiment, lui là, est très il, très là très il est beau. lourd. Et... là. Et pourtant le dessin initial est très beau. Hein. Ouh. Oh. Team Angus, là Ah, je peux pas. Ouais, de toute façon j'étais plutôt Team Full art, moi. Hop, je dis Full Art. Oh Oh le dessin ah, Full pas. Art est beau. Putain. Comment ça il bouge pas. Ah, il bouge pas, il est statique, regarde. Ah. Ah okay. moi j'ai eu que le truc il bouge moi. Vas-y ça me va, ça me va. Le aussi joli. Mais franchement, on vous fait un deck, on s'en fout qu'il soit fort. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau Attends, peut-être que ça bouge ça. Putain, ça bouge pas non plus. Oh Non, mais ça c'est trop beau. Mais mais, mais le. Celui-là ah, Non. Tu préfères l'autre Ah ouais, je préfère l'autre. Il est trop beau, ok. Mais qui dégueule du. Euh... Je sais pas, c'est purulent, quoi. Ça aussi pareil. Hein. Bah, pareil, tu veux l'autre Bah, je, je le trouve plus joli quoi. Tant qu'à pimper, pimpons à fond. Allez. Mais vous voulez qu'on pimpe, c est... C est... C est... on est on est tous ouais. tous d'accord pour mieux. faire ça. Ça j'ai déjà. Ah oh, la forêt, elle est incroyable. Ah. Ouais. Oh, je préfère avec le petit elf. Vas-y, ça me va. Je voilà, c'est un, un, un peu un là. peu simpliste. Non non un peu simple. a combien là J'aime pas, tu pas trop J'aime bien le foulard. art. J'aime bien lui, mais il bouge pas. Euh... Oh putain, failli oublier. Il n'y a pas de foulard. Ah, bah, il n'y a que. Mais... lui. bien oh, celui-là, moi. Parfait. Oh, la liste de zinzin, mon gars. Allez, on est parti. Oh, comme on va se faire 2-0 et on rentre à la maison. Ça, si c'est jouable, ça veut dire que le format va bien. Hein, parce que c'est un deck qui ne joue pas de contre-sort, ouais. pas d'invoque d'espère. faut juste grinder avec tes, avec tes... tes cartes de midrange, tes anti-bêtes et tes créatures. Oui, c'est une fée, nous baisse. Pardon, j'ai dit un elfe, mais. C'est un pas fifre c'est pas C'est qu pas... pas un petit elfe avec des ailes un éléphant, c'est un grand lion gris avec des défenses. <laughs> non, non, il y a plus de points communs entre une fée. Moi, j'ai regardé Peter Pan, j'ai vu la fée Clochette. Franchement, c'est un petit elf, quoi. Oui, Oui. Oh. TCS Logic Park. TCS Logic Park, c'est parti, tu es notre prochaine victime. Euh, ok, ouais. Putain, avec les skins, ça me fait bizarre, du coup. Ah j'adore quand je moins. peux skinner je j'essaye je, de skinner un peu quand même. Oh. Ok il est il est sur Bourge une propale. Sur ouais, elle est minuscule sur le sur les grosses bêtes en X. Ok Talia genre on est super content d'affronter Talia. On est rigole, ah, non, mais putain, ils ont quand on fait Death quoi, avec un silence, c'est horrible. Ah, la punition, quoi. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous joue, lui, le, le poteau Ok. Ok, ça va. Ouais, je vais mettre Glissa et on va être le roi de la cour de récré. Moi, ouais, ça me va. Hein. C'est payé. Ah, oh, on passe à la télé, PL. Oh Salut, maman pas cette télé là, je pense. C on passe que sur une télé. On passe sur la télé d'un type, pas sur la télé. C'est la télé, c'est pas la télé. Pas. à euh... ah, contre lui, c'est pas fou. Par contre, ce que ça fait Glissa. La, la, ah. La loucarde, quoi. Excellent. <coughs> Salut Glissa, c'était cool. Fin de phase d'attaque. Mais écoute ça vrai. va ça monte hein bien ça, engagé. Monte, ça monte euh, J'ai bien le fissurer à son tour Pour récupérer ça et trade Ouais surtout s'il attaque tu vas bien l'empaler ouais Merde Non ah ouais, je ça peux les tuer coup. toujours Ouais ça vaut le ça la coup ça vaut le coup Ah, ah c'est chiant Ouais bah il va falloir que tu répondes Si jamais il cible le mauvais ça casse les couilles quoi Laisse le faire l'erreur au moins Si jamais il buff le, le, le plus gros Enfin celui qui a ta créature pardon Parce que je pouvais tuer ça sinon il mettait pas de marqueur Mais bon prenez 8 quand même Ouais ouais tu pourras le tuer après je pense Non il est plutôt malin Mais s'il attaque on, Je on bute va quand se, même on ça non Bah ben non parce que toi tu vas tuer le Celui qui a ta créature et tu vas trader non Ah ouais, non c'est à l'initiative Ouais c'est à l'initiative mais hey, je vais trade quand ouais, même mais tu vas trader quand même je pense que ça vaut le coup D'accord S'il avait attaqué avec Talia, j'aurais même croqué Talia, je pense. Ouais. Et pris les 5. Et est trop quand même. Ah, mais c'est très bien, une télé étudiante M753. Nous, on passe à la ah télé, ouais. on est content. Qu'importe la télé. Près initiative des touches. C'est euh... copine, hein Non, il faut tuer Alana pour pas donner la célérité à ses autres vêtements non Ouais, genre, moi là je tuerai Alana et, et je piocherai avec Brisbank en fin de tour, je pense. Ok. Ça, me paraît, ça euh, me paraît. À son tour, je pense, je le fais. Non, parce qu'il peut donner Célérité à une bête. Ah, c'est quand elle est sur le stack, tu veux dire Ouais, ouais, genre euh, premier truc qu'il va faire, je, je lui tue. Ok. okay, okay. Ou alors, déclaration de phase d'attaque. S'il en a une deuxième moment, main, en fait, il va la jouer. What Avec ça, t'es es puni par Taille. What J'ai pas eu de pause ah, il avait rien à jouer, il est passé directement. Ah, à... ouais, mais il aurait dû dire euh, Je vais passer en phase d'attaque et j'avais une pause oui, pour la tuer. Vrai. Merci vrai, je je le jeu. Pause. Du coup, je tue euh... ouais. Italia, en vrai. ouais. Tualia Et par contre, lui passer le tour, ça lui donnait l'opportunité de trouver la puissance de Tybar. Ah, il joue ça, tu penses Tricolore ouais, Il doit je en, je en avoir pas... un peu, ouais. Je sais pas, c'est possible. Oui, ouais. il joue ça. c'est dommage. Bah c'est très dommage que le jeu euh, ne réfléchisse pas euh, comme il faut. Ça arrive. Ouais. C'est très cool bizarre là. que ça t'ait pas laissé la prio comme ça. Ouais, parce que maintenant il y a même une pause de l'équipe quand tu joues contre Shieldred, donc. Euh, on aurait pu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 mana Rien de spé. Rien de plus qu'avec 5. Euh, je crois Si on faut... peut Shieldred draw. Ouais, bah c'est le mieux que tu puisses faire, je crois. Allons-y, hein. Old je pense que c'est le mieux que tu puisses faire, mais du coup il peut encore donner ses bêtes ouais. c'est l'enfer quoi. En même temps si je tuais ça... Non mais bon là le jeu nous a pourris, hein. gratuit. Ouais. What, il te donne Alana Mais attends tu peux piocher et passer à 1. Bah, Fais-le. Hein. Mmh... Il a pas vu je crois. Ouais. Est-ce que je bloque avec ça plutôt Ou qu'à avec la 2-3 Non, avec ouais, la brise ça Ouais, c'est ça, ouais. Euh, bloquer la 2-3, pardon, ouais, ouais, t'as ouais. raison. Non, ouais, ça se fait, carrément. Je pense qu'il a, pas... a pas vu que tu pouvais gagner 2 pèves et il se dit, bon, bah dans tous les cas, il peut pas bloquer Alana, Alena. S'il ouais, avait interaction, par contre, c'était chaud, mais. Enfin, Ou alors si il, là, a il a du rouge dégâts. en face. Ouais, facile à. Si je jouais une je prend le titre de bois et tout ça. Oh, la but, elle estmontrant après gueule, là, as bien fait nice pour buter ça euh, maintenant on fait des trucs hein. il a une carte en main est-ce que j'essaie de buter maintenant ouais dans le doute dans le doute parce que là qu'il en rejoue, une c'est pas grave ouais c'est qu'il la protège le problème c'est ça et reste up tu piocheras avec ton brisban pour gagner de pebs hein. et je ne peux plus euh, non ah, je vais rejouer l'autre Ouais, du coup, tu peux rejouer l'autre. Ouais. Écoute, je crois qu'on est en train de grinder cette game petit à petit, là. C'est en ouais. train de bien se passer, cette histoire. J'aurais pu attaquer avec un brise mais c'est un peu chaud. Oh Bah, pas très combatif, du coup. Let's go On est en accès ouais, jouer, j'ai oublié. Joue je pense que t'avais repris la main sur la game. Ouais. Hein. Avais ouais. pas de quoi gérer Shadow Ah, si il nous mettait un fight with fire dans la tête, là, je devenais fou. Euh, play with fire, pardon. Fight with ouais, fire, c'est autre chose. Ok, premier match, première win. Le deck insane. Tu peux, ouais. peux des A2 contre Talia et tu gagnes quand même. Donc, euh, inarrêtable. Putain, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est c'est la soupe midrange qui a parlé, pas tellement la glissa ni, la, ni le trun, quoi. Euh, non, c'est pas ça, Gontran, euh, Akmar. C'est plutôt euh, quelqu'un qui a toujours tout au bon moment et qui te l'explique en te disant que à bah, chaque fois qu'il en a besoin, il la pioche. Ça c'est Ça. C'est quelqu'un qui va jouer des one off dans son deck euh, parce que dans tous les cas, il les pioche rapide au bon moment et surtout des cartes qui sont très euh, ce qu'on appelle des cartes corner, c'est-à-dire qui ont des effets très étroits. Euh, genre jouer des cartes de side main ouais. deck par exemple. Bon, c'est super mince ça. Hein. joue d'abord les, les falaises pour pas te pour pas te planter. Je trouve pas qu'il y a une perspective bizarre avec le sapin là de gauche par rapport à, à tout le, le paysage. Bah, il est vraiment en premier plan parce ouais. que visiblement le reste du paysage est pas sous la neige ouais. Euh, Brisebanque Zou ouais. genre Brisebanque T2 c'est vraiment le meilleur tour 2 du format Petit jeu des pixels ah non non ce soir c'est c'est que euh, de l'avant première d'ailleurs annonce putain on n'a pas fait l'annonce bien Et vu du coup, je vous la fait vas-y annonce Val il n'y a pas de qui fait lundi parce que c'est très très bête de faire un kiffé kiffé la veille de la sortie du jeu sur Magic Arena. Parce que oui. là, nous, on a un accès anticipé, on peut tester les nouvelles cartes et tout, on se régale. Mais en fait, le jeu, il sort vraiment que mardi. Et nous, à partir de demain, on n'a plus accès à l'accès anticipé. Donc, on allait faire un kiffé kiffé sans pouvoir jouer à. à Firex sur One. On genre juste giga dommage. Et si on le faisait demain, bah, du coup, le prochain kiffé kiffé, il était dans deux semaines. Et donc, du coup, on aurait été frustré d'attendre deux semaines pour pouvoir faire un kiffé kiffé dédié à Phyrexall Will Be One. Donc, du coup, il n'y a pas de kiffé qui lundi. C'est lundi prochain. Et ça sera évidemment autour de la nouvelle extension. Je pense que exact. le but, c'est de faire kiffer. Et c'est beaucoup plus kiffant comme ça. Oh, il ne connaît pas. Hop. Ah ouais, il est pas au courant. Les Il est mort. Yes. Ah, c'est vraiment. Yes. Euh, genre, t'apprends à la dure, quoi. Ah ouais, là. Ça sort mardi soir, le set sur Arena. Je vais attaquer, je crois. Non, Gontran, on a dit un prénom au hasard, Yvan euh, Maclou. Euh, de, si tu t'appelles Gontran vraiment rien de, rien de personnel, désolé. Ah oui, c'est juste euh, on aime bien trouver il des trouver noms un euh... prénom qui étaient peu communs tout simplement. Voilà, on trouve des prénoms peu communs aux personnages et Gontran, c'est vrai que c'est pas beaucoup donné quoi. Ouais. À la base, il s'appelait Cornerman, mais c'est en fait c'est son masque la nuit. Eh et oui. il fallait son vrai prénom le jour. Pardon, Ça tu me disais tu voulais faire quoi Je pensais attaquer là. Ah ouais, tu vas pouvoir péter son token en plus. Non c'est qu'un enchant je crois. Ouais. Ah c'est qu'un enchant, c'est pas un Ah ouais, c'est pas... Putain c'est nul glisser, C'est pas la folie <laughs> non plus. Mais regarde, tu pètes son token, c'est pro. Bon. Mmh. a pas de galère en fait. Ouais, fin de tour. Ouais. Merci beaucoup Blackass... Blackassable pour le prime gaming. Le lore va une cesse de croître. Mais on intègre d'ailleurs dans notre lore euh, des éléments du réel. Ah vas-y mec, ça tu le tues. Bah, tranquille. Oui c'est vrai en fait. Ça n'a pas d'effet. je flashback euh... donc de toute façon ça servait à rien de... Putain le mec il met tout. Hein. Il, fait un truc. Oh, il met tout la beauté et clous C'est vrai ouais. que c'est le cousin de Donald mais c'était pas une ref que j'avais. Euh... Ah, après c'est pas qui a trouvé content je crois, je crois PL. cette si ouais. ce rêve là non plus. Non non j'avais pas du tout je ne savais même pas que Donald avait un cousin. Et eh ben 3 points. Hein. Voilà et tu vois sur bord de vide c'est juste 3 points je pioche une carte. C'est vrai. Non le, mais je le, le vois. Plaisir. Je vois mon jugement sur Glissa, c'est c'est bien meilleur que ce que je pensais, je pense. Pas, bah, ça casse pas trop pattes un canard, hein, mais euh... si, si, c'est si, une je pense que bonne ça... bête quoi. Je pense que ça prend le canard, ça lui enlève même les cinq pattes, tu vois. Ça le mange. Si ah, le canard. Si C'était un canard mal formé. Il a plus de pattes quand même à la fin, je pense. Les pattes de canard. Ah. Alors imagine si c'est un canard boiteux. Oh putain. Euh, ça marche pas, ça. Enfin, ça marche, mais tu vas passer un très mauvais moment. Ah ouais, ça marche pas, ça. Bon, on va trouver un anti-bête juste. Hein. Putain, genre il joue hors of Obliterateur, Du coup, il le fait même pas fight. C'est bizarre, non Ah, ouais, vas-y, continue. Tu peux enlever Glissa, je pense. Ah. Non, du coup non. Mais oh. si, si jamais il bloque, ta Glissa. On est d'accord que tu sacrifies qu'un permanent, parce que tu lui mets juste un dégât. Trois. Parce que je n'ai pas le piétinement. Ah merde, dommage. On va continuer à piocher je crois. Hein. Au pire si l'attaque on prend en 6, hein. c'est pas. Pas très grave quoi. C'est pas très grave, c'est vrai. Et de nouveau, un petit brise au qui passe. Eh hein. ouais hein. <coughs> Après là si on bloque avec Glissa, on peut sacrifier deux lents de moissonneur en vrai. Ou deux lents de Glissa parce qu'on a encore une. Bah bon, si tu... Franchement tu fais la course, hein. Ok. Pas Moi j'étais plus team euh... tu bloques pas quoi. Tu en trois tours Michel. Hein. Ouais mais toi aussi. Regarde, tu, tu fais le, la... enfin, tu faisais la même course que lui avant qu'il mette l'enchantement. Ah ouais. on va trouver un on va trouver un anti bête ça va le faire. Oui. Tu vas trouver un droit à la gorge et puis, euh... et puis on va. Bon les lances c'est bon j'ai compris comment ça marchait du coup. Euh... Ouais, bah il faut repiocher je crois. Hein, sur ces... Ou alors juste libérer ta glissa, si tu veux. Je pense qu'on va libérer la glissa, non Ouais, 7 mana, il pioche une carte, c'est pas fou. Hein. Je vais rejouer la mienne, je pense. A ok, bah alors pioche avant avec tes blissbands dans ce cas-là. Ça me paraît mieux. Ouais, les glissa légendaires. légendaire. Tu peux aussi réduire sa force, enfin, genre, si on arrive à accumuler assez de moissonneurs... Euh... Ouais, ah non, on a plus de token sang Ah, l'enfer! Après, si tu mets un milliard de game object, on va juste le péter et sacrifier tous les game object que tu as ouais, joué. Ouais, C'est hein. ce que je pensais. Hein. Là, déjà, euh, je pourrais bloquer, sacrifier euh, ça, un trésor, un land, et je m'en fous. On va bloquer en espérant qu'il ne le rendent pas indestructible. Ouais, bah vas-y, hein. Il le rendrait indestructible avec quoi Il a pas de verre pour taille euh, machin. Euh, posture valeureuse. Ah putain, bien vu. Ça fonctionne. Et il doit y avoir d'autres trucs aussi. On, on, on va perdre pas, un, hein. un token, un brise ne Une forêt. Hein. Ah, un brise banque tu veux que j'enlève Merde. Non, 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 non ça fonctionne. Enfin, dans tous les cas, c'est ok. Oh Ah bah le voilà Le poteau, il est là. La mitrun. Mais oui, c'est bien lui. Avec toute sa bande, il est partout. Mec je l'adore ce trun, je le trouve trop stylé, même l'image, le... ça y est je suis fan quoi. Ils auraient pu lui donner la célérité, ça aurait été chaud. Oui oui oui. <laughs> enfin, bah, après pas. il lui donne la célérité, il ne plus rien pour les autres donc... Putain ah, j'ai vais en train de le bourrer mon pote. C'est pas très gentil gentil ça. Hein. Là il regarde le coin, il se dit putain il n'était pas dans le bon sens euh, le coin. mais parce qu'on a tourné le coin. On ah, l'a bien tourné là. Bon, on lui a bien turn the corner. Oh tu peux enlever tous les permanents, tous les marqueurs directement ah de ton brisebank, c'est un peu nul mais ça marche Il est mort. Euh, ouais mais je crois que ça fait pas l'effet. Ouais, il, il faut... s'est dit euh, à, à quoi bon se battre quoi. Est-ce que c'est jusqu'à Ou est-ce que c'est 3 marqueurs Ça doit être jusqu'à. Je sais pas. Ça peut être pas, 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 pas mal l'empêche, parce que du coup tu peux retirer deux marqueurs de ton brisebank. Tu ouais, l'actives et euh, tu fais direct ouais. le truc ouais. On va les vérifier. Et ben on va le demander. Il a l'air bien ce deck, non Il est très bien. On a toujours pas testé Brasca, d'ailleurs, c'est un peu... Frustrant. Euh, ouais, attends, allez-vous. Jusqu'à trois marqueurs ciblée. Ouais, donc tu peux faire le trick. C'est pas incroyable, mais c'est faisable. Bah Le fait que la possibilité existe, euh, même si tu le fais qu'une fois sur 10, c'était toujours mieux que de ne pas le faire, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, j'aime bien. Enfin, c'est du line de texte supplémentaire, quoi. Le trun arrive en gare, exactement. Allez, faites-nous jouer à la Brasca, là on est chaud, on trop envie de jouer à la Brasca. Euh, les AP, il n'y a qu'une seule fois où elles euh, n'ont pas eu lieu, je crois, Fallout New Vegas. Après les ouais, On, on mis. en parlait l'autre fois avec PL, on savait plus exactement quelle AP avait été délaissée, mais ouais. on n'y en a eu qu'une seule, ouais. Ou alors il y en a eu deux, mais c'est grand max, quoi. Hmm, je me souviens avoir fait Kamigawa, New Capena aussi. Il euh, n'y a pas eu de 7 d'été. Non, mais c'était euh, avant que ça avait été euh, arrêté. C'était avant, avant Kamigawa même, ouais. Donc c'est peut-être genre... Euh... C'est pas dans ce standard actuel même. C'était pas les, les AP DnD Attends, je vais vérifier ça. Bouge pas. Ah, Dn... Ah, euh... Midnight Hunt, Crimson Vaux. Ouais, c'était peut-être DnD. Genre strict 7, on avait fait l'AP. Je crois que c'était DnD. C'était l'épée. L'AP de juillet ou alors la première de Midnight Hunt. Je fais moissonneur ouais. en premier, là, je pense. C'était ou Midnight Hunt ou DnD, je pense. Qu avait pas, euh, que personne n'avait fait, en fait. Mm. Non, Ikoria aussi, on avait, on avait les appels. Ouais, il ouais. a le velu, euh, de mémoire. Cro. Oh, on streamait tous les jours du temps d'Ikoria, la belle vie. ouais, c'est vrai. Putain, on a streamé. Hein. Est-ce qu'on a pas joué que ça à foutre, très probablement. On a joué et franchement, moi le format, il me faisait bien, il me faisait bien golerie, quoi. Tu te souviens qu'il y avait euh, Cycling comme deck Oui. Dans, dans plusieurs formats d'ailleurs, y compris le limité. Ouais. ouais. Il veut m'attraper avec des contres là, Val. Qu'est-ce que je fais Ouais mais vas-y donne-lui hein, c'est pas grave, je préfère que tu donnes ton ta glissa dans un contre euh, et faire passer le plus tard, genre je crois que c'est ok. Ah il a un tu bêtes. Eh il a rien, bah très bien. Ouais mais parce que ça va bientôt sortir du standard, c'est pour ça Zarrett ça, ça j'imagine. Ok bah Trop bien, tu vas pouvoir lui proposer euh, d'interagir et donc du coup de ne pas contrer ton brise-banque qui est euh, ta meilleure condition de victoire contre lui, je pense. C'est cool ça. Contre elle, pardon, c'est Carolina, excusez-moi. Carolina. Je viens de lire le pseudo. Oh, El Pactol. El Pactolo. Qu'est-ce qu'elle joue oh, En réponse, je casse un trésor. Fissuration. Ok. Bah ouais. Hein. Mais du coup, t'es sûr de résoudre ton brise banque Ah ouais, regarde-le. Hop. Putain, ça veut dire que le pactole qu'elle a joué n'aura absolument aucun impact en termes d'accélération. Une bonne nouvelle. C'est ça. Bah, elle a cherché une, euh, une interaction, à mon avis Ou alors elle l'a. Euh... Ouais, non. Si tu l'as, tu le fais direct. Ouais, mais moi je crois que c'est ça contre contre deux mana de moins, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas mal ça contre les trésors. Par contre, tu trouves beaucoup de de, de cartes merde. nulles dans le matchup. Ouais. Ah, je, je, je vous vois dans le chat effectivement euh, icoria ça a apporté son lot de cartes pétées Les compagnons tout ça tout ça Mais au moment où c'est sorti on le savait pas c'était trop stimulant quoi. Genre je sais pas si vous vous souvenez Mais le meilleur deck à la sortie d'icoria, Premier jour c'était Girouda combo quoi. Et genre On était fou de voir ça Alors, Il se trouve qu'au final c'était nul Et il se trouve qu'au final les compagnons s'étaient pétés ouais. Mais toute la phase de recherche Où on a mis le temps à définir que les compagnons étaient pétés Quand on disait tous en mode oh, lol, Les gens joueront oh. jamais 80 cartes même si c'est trop bien et en fait, les gens jouaient 80 cartes et c'était trop cool, tu vois. Ah, Pareil fou. pour l'Urus, il y avait plein de decks avec l'Urus. Girouda combo et tout. Enfin, moi en tout cas, Ikoria c'est un giga souvenir. Euh, Qu'importe ce que ça a par la suite, quoi. Je pour trouve un peu je, le. Vraiment, euh, total kiffé. Mauvaise partie du deck, là, mais bon. Ouais, ouais tu, trouves tes, tu trouves des, des brise banques pour. Euh... Ouais, tu peux y aller, hein, pour feed, euh, continuer à, à feed ta draw, c'est cool. Donc, euh, oui, au final, Icoria, ça a apporté plein de trucs pétés. Mais sur le moment, putain, c'est régalé, quoi. Moi, la politique fire, alors, effectivement, ça amène à des erreurs de design, à des bans et compagnie. Oh. Mais, mais j'adorais la politique fire. Hein. Moi, avoir des cartes complètement push qu'on essaye de craquer, ça me posait pas trop de problèmes, quoi. Qu'est-ce que c'est, euh, le truc là qui joue Ça réduit ses spells de 1 pour chaque marqueur pétrole. D'accord. Qu'elle joue. Ok, ça, ça ah chiant. Ouais. Bon, T'avais pas énormément de board non plus. donc... Euh... Non, je pouvais animer deux, deux brise banques là si on voulait tout perdre. Voilà ouais, mais je, je suis d'accord, Fallout New Vegas. On se rend compte un peu que euh, les gens. Putain, super réponse de la part de Carolina. Les gens se sont beaucoup plaints de la politique Fire de 2019 à 2021, euh, de Eldren jusqu'à Ecoria euh, au global. Et en fait. Euh... Bah tu te rends compte que les gens là ils jouent un peu moins en standard depuis que c'est un peu moins Fire aussi tu vois. Alors il n'y a pas que ça qui explique la, la perte de vitesse du standard tu vois. Mais en vrai les gens jouaient beaucoup à Magic quand c'était la politique Fire quoi. Et hop puni. On joue pas tu joues pas. On a trois cartes mortes en main c'est une catastrophe. Ouais. Non ça ça peut toucher des trucs je pense mais... La politique Fire, c'était une politique de la R&D de créer des cartes qui étaient extrêmement puissantes, euh, quitte à les bannir après. Et ça a été le cas en standard de 2019 à 2021, les gens ont beaucoup pesté, il y a eu beaucoup de bannes, ça a beaucoup, euh, beaucoup impacté les différents formats de Magic, et donc du coup, ils sont revenus de cette politique-là, en disant qu'ils ne feront plus des designs aussi poussés, et donc bah voilà, on a des formats plus sains, moins de bannes, des cartes moins push, qui vont moins modifier la phase du format, mais en fait, avec le recul, moi j'aimais bien ce côté... Euh, je sais pas, toutes les deux semaines, il y avait une carte qui était, qu était pété, quoi. On découvrait des trucs, c'était assez rigolo. Qui était pété. Qui était pété. Donc, bon, voilà. Je, je comprends qu ait... que la politique fire soit... Euh... Enfin, qu'on l'ait arrêtée, mais je n'ai pas passé un mauvais moment à l'époque. moi. Oh, C'est stylé de... de proliférer sur ta blast zone, naturellement, ouais. comme ça. C'est clair. Et eh ben on va discarder deux fins de la fraternité de merde. C'est clair. Certes. Ouais. En vrai, il euh, y a un moment, on va trouver Trun et ah, ça va parler Trun, de notre langue euh... en face. il hein. bah, y aura la vrasse que... rouge quoi, mais. Ouais. Ouais mais t'as t'as que ça. Ouais, mais tu vois, un design comme, comme la Fable... enfin, euh, Un design comme Fable et comme Wanderer, ça se retrouvera à être puissant et à impacter les différents formats, mais je pense pas que ça a du tout été pensé pour. Ouais, c'est vrai qu'il y a Fable dans le deck. Ça va être plutôt sympa, d'ailleurs. Je crois qu'il faut que tu landes avant, au cas où, pour pas te prendre... Ouais, je vais lander, mais j'attaque d'abord. Ouais, pour pas te prendre le, le mec 10 pierre. Et là, il va casser les deux trucs, mais c'est pas grave, Tu fallait que ça parte. Ouais. Pas de galère. Pas de galère. Ah du coup euh, si on pouvait plus contre, euh, il fallait pas lander. Euh, pourquoi pas lander Bah comme ça tu pouvais discard ton land. Ah oui, oh, exact. Mais euh, je euh, ai pas pensé euh, à te le rappeler au oh, bon. Ah, ouais, j'étais dans le, la séquence de play, j'ai pas capté qu'il y ait plus de mal. Ouais. En fait Carolina était full tap. Ok, ça prolifère pas sur des marqueurs poison pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça prolifère pas tout court en fait pour l'instant. Ouais. Ben, c'est ce que je disais. APL en off, euh, Zaretsan. Je j'ai pas été aussi hype depuis Kamigawa aussi je crois. Euh, je suis trop hype par Firex All Will Be One. Ouais, je pense que ça va être vraiment bien. À voir si ça l'est pas trop, mais. Euh, oh. Ça m'a l'air bien dosé. Ça y est, le poteau Trun. Le poteau Trun, Il est là. Ah. Ah. Bonjour. Vous voilà. Tu vois s'il avait la célérité la P.L. Oh, bah, il serait <laughs> très bien. <laughs> il serait Mais il est déjà clair. très bien. C'est clair. Il peut pas être contrecarré -ce celui-là donc euh, il est là. Pas contrable. Oh ce skin là. Il t'arrive dessus le trunk t'es pas bien. Hein ah il est trop stylé. J'adore la carte. Peut-être un... le retour de Grulmonster. Monster. Je vais faire un général. Euh... Ce sera mon général le duel commander. Et tu sais que ça existait, Trun en duel commander. Hein. Ah ouais. L'ancien. Oh, encore aujourd'hui, je pense que tu peux faire des trucs. Hein, maintenant que aggro est de plus en plus joué. Euh... Oui. En oui, général, oui. c'est une bien 4 4 bien. qui, qui bouge pas. Dès qu'Agro il fait. Genre, Ars ça a été un truc qu'on a vu euh, un peu si euh, et là dans les top 8, quoi. Ouais. Oh, je me suis entraîné d'ailleurs un peu à faire des sorties avec euh, Will Lucas. Euh... Mais Pour putain, c'est pas facile. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas facile. Oh. Alors des en fait, il y a tu... plein de séquences où tu as gagné et tu le sais pas. Et il bah, faut beaucoup jouer le deck pour le savoir. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment. Euh... Après, je joue tout seul sans interaction, mais je me dis. Ouais, mais même quand une certaines contre... séquences, il y a probablement des trucs que si tu les as pas vus, ça sais, il y a un peu des plafonds de verre Si on te le dit mmh. pas, tu sais pas que tu peux partir. Bah ouais. Je pense. Des fois, j'ai l'impression que je peux y aller, je pars et je fais Ah merde. Ouais. <laughs> j'ai pas le compte. L'avantage, c'est que si tu pars pas, t'as un vrai deck control avec plein de Staples, tu vois. Ah ouais, ouais ça a l'air vraiment euh, je... je pourrais jouer ça ça me ça me plairait bien euh, Will Lucas ça m'amuserait ça et pourtant je suis pas trop un joueur de combo mais du fait que ça soit un jeu contrôle qui va assembler une combo et pas un jeu combo pur comme euh, Pellet Storm ça me parlerait bien quoi ouais je crois que tu rajoutes pas de glissade ouais, non non oh c'est Nicolas est-ce que j'ai les lignes avec Rain of Fifth ben, je commençais à les avoir un peu parce que je me disais beaucoup de fois, putain, je peux aller chercher un truc, mais j'ai qu'un mana avec mon lotus, je peux pas le rejouer un certain nombre de fois. Et euh... je pense qu'il y a un Google Docs qui explique tout. Ah bah, je suis chaud alors, parce que là, j'ai découvert par moi-même. Mais euh, j'ai pris une version qui tuait avec Painter Mullard. Et j'ai vu qu'il y a des versions qui tuent Co-Brain Freeze. Mais euh... ouais, moi, je connaissais que les versions Brain Freeze pour le coup. Mais du coup, je sais pas trop ce qui est le mieux. Je m'intéresse. En gros, je me donne encore le mois de février pour me fixer. Et à partir de début mars, je joue joue qu'un même deck. À, à moins que la méta change, évidemment. Jusqu'au euh, euh, au calife du championnat de France. C'est quand les qualifs euh, Est-ce que tu dois prendre en compte aussi une potentielle banlist dans l'idée euh, Ouais, bah, tu en as tous les deux mois, je crois, de la banlist. Et euh, les califs, c'est jusqu'à jusqu cet été, je crois, okay. puisque les championnats de France, c'est fin d'année. De ce que j'ai entendu, du coup, ne joue pas Diada alors ah ouais, c'est pas. Ah, il paraît que c'est vraiment push. Bah, Nicolas pour en témoigner. Hein, je sais qu'il est sur le deck. Euh... Je me demandais si. Il euh... que c'est quand même vraiment push. Ah, Peut-être que s'il y a beaucoup de deck control, ça, ça peut être checké. Euh, tenu, tenu en respect par des archétypes. mais Ouais, Genre, je vois que c'est fort. Hein, mais bon, euh... il y a du bah, bleu pareil, en face, ça doit être compliqué. T'as des combos, tu peux partir tour 4 en combo. Et puis au-delà de ça, après, tu joues toutes les bonnes cartes noires pour. Euh... C'est relou ça. Ah, c'est bien relou, ouais. Euh... Ah oui, il y a des combos dans Diada, sais pas fait gaffe. Ouais, bah t'as Flicker qui permet de partir en combo avec ton général et Breach. Ah, c'est pour ça qu'il y a Flicker, ok, je l'avais pas. C'est pour ça qu'il y a Flicker, yeah. tu, tu, tu pars en live au direct quoi. Nouvelle version joue Will Eleven en mode beaucoup plus contrôle. Est-ce que je peux te donner le contact je Ah, bah je crois que j'ai son Blast sur Discord euh, parce qu'il m'avait prêté une Tundra pour le Relic Fest. mais ouais Diada ça a l'air ça a l'air plutôt pas mal push donc c'est le genre de deck okay. tu sais qui peut, qui peut peut être prendre un, un petit tir quoi ouais mais bah, je voulais tester ça mes prochains decks je vais tester c'est ça Bimtandbulis peut-être et et Will ouais, il, ah, il même avait... j'adore mais je pense que ça sera jamais mieux que ce que tu joues déjà ouais. euh, je vois pas Kate, dans quel monde c'est mieux que, que Raffine comment on le bat cette horreur là à part Glissa ouais, je crois euh, qu'on a bas. perdu euh, ouais on va voir Ouais. on va reprendre. Ah ça va bien main. contrôle mais c'est plutôt dur contre tempo. Ok ok. Euh, on a un moyen de mettre des dégâts à distance, attends je vais checker. Bouge pas. Je crois pas non. Mais bon lui il faut qu'il tue run quoi. Il y a un incendie à la maison qui est parti, deux. C'est. Je sais pas combien il y en a dans le deck en face, mais. <laughs> il y a Sholdred qui peut tuer à distance, mais voilà la fatigue. Ah, euh... Sholdred, ouais, c'est vrai, on a juste à faire fin de tour, ça trigger. Et puis des, des interactions, gars. sinon, ah. interactions si ça fonctionne. Hein. Je tente maintenant, qu'il a que 3 cartes en main. Oui, oui. Elle a trois, trois cartes en main. Ouais. Ouais, ça sera dispo sur la chaîne principale, Coco's The base bien sûr. Ok. Bon, écoute, on a encore quelques draws, hein, cela dit. Ouais. N'hésite pas à envoyer un envoyer. Ça marche, j'y manquerai pas. Nico, merci. À enfin, chaque fois que je parle de décès, il y a Nicolas qui, euh, qui tend une oreille comme ça en mode bonjour. Dis quoi On a parlé de, de commandeur format, là Il apporte une précision. Tac-tac. Je suis mais, putain, mais régalé quoi. Allez, contre encore une fois. Ouais, ça, ça, joue, hein, ça joue en France. Euh... En duel commander c'est cool. Ouais. Euh, ça on va le payer, y a pas de galère. What? Ouais, du coup fallait pas le payer. Bah ça change rien. Oui oui. Ouais. C'est dur hein. Un peu. Ouais mais ça change rien en fait, Akmar, de, de payer ou pas. Il a raison. Ça changeait que ce qui me faisait Boons. Et non, j'avais un mana dans la main, donc euh, ça changeait en fait. Ah, vous allez vous régaler à préparer le standard pour Naples. Ça a l'air ah, trop bien, Nicolas. Il cool. Arrive dans un nouveau format. Firexian Phyrexia All Will Be One, ça a l'air de push pas mal de, de nouvelles stratégies. Donc, du coup, de, de, de créer un nouveau format en standard. Euh, ça va être trop cool. Le, le LMS C'est un, un LEC ou hein, un LMS C'est un LMS, je crois, euh, Naples. Le LEC, c'est ce qu'il y a au-dessus du LMS. Il a le Trample. Ouais, oh, il a le Trample, mais il y a 8 de patate, il y a 8 de défense de l'autre côté, quoi. Et oui. En vrai, j'irai. Je crois que je vais Par garder ce si token. Parce si si tu accumules si... des tokens sans, tu peux mettre des dégâts piétinement. Euh, ouais, mais surtout, ça fait que sur Sheldred, euh, je peux mettre le trigger en pile grâce à ça. S'il la contre pas, elle arrive en jeu, je sacrifie ça. Ouais, Ok. Ah, mais non, mais je suis con, c'est nous qui allons gagner 2 PV. c'est oui, pas les toi qui vas gagner 2 PV. Ouais. Merde, dans ma tête, je vais faire drain de vie 2 avec ça. Non, ouais. Ça, ça va vous ah dire. Bon, ça va pas toucher de suite, ça. Non, mais c'est pas mal, effectivement, d'avoir un land qui te crée un token à 1 tous les tours. Mais comment le tuer le. Ah oui, en fait, faut attaquer quand il booncé. Ouais, mais bon, on est risqué de perdre de trun. Il veut booncé ça, bah écoute, du coup, je jette une belle montagne. Vous pouvez attaquer, il bloque et vous le tuez. Et quand il c'est il perdait. Comment on faisait ça On faisait phase attaque, euh, bloc, nous on tue et du coup lui il veut renvoyer l'aurore dans la main. Mais tu tues avec quoi C'est en rituel que tu actives le moissonneur Non non avec euh, droit à la gorge. Tour d'avant. Ah ok, d'accord. Comment tu fais ce pertron qui est un truc qui est oui c'est vrai que pendant le temps, il y a un truc qui Ah parce que c'est compliqué de se concentrer là, voilà pourquoi. Oui, et c'est compliqué aussi de connaître euh, tout le texte de nos cartes. Effectivement. Mais ouais ouais, il y avait cette séquence, avais raison. Merci M753. Voilà Merci Obito pour le 21 mode Prime Gaming. Merci beaucoup. Et puis 19 cartes au bout d'un moment, ça, ça va ça, être ça gain. On commence à s'essouffler un peu en face en vrai. Il mmh. n'y bah, a pas trop de draw, donc euh... Ouais Tron, il a plein de lignes de texte. et On va mettre quelques temps à bien toutes les avoir en tête. Pour le ouais, coup. et en même temps, on parle dans notre format, on lit le chat, ouais, euh, là, on, une on journée discute, dans les on pattes. est en live. Hein. Bien sûr. On est est euh... tryhard, voilà, on n'est pas sur de la ligne de play euh, perfect quoi. Mais vous avez raison de nous les, nous les proposer vous euh, pour le coup. Je Fais gaffe à pas crever à la meule. Ah bah elle est là. Je lui propose ça d'abord. Attends, elle fait quoi Ouais, propose-lui euh, whatever euh, le Brisbane. Je suis une carte et transforme en Arthos Ok, bah bon, c'est bien. Hein. Ouais. Ah. Ça veut dire quoi que ça passe, Val Ça veut dire que Vraska passera pas, mais bah écoute, c'est pas grave. Il faut slammer là. Hein. Je pense que t'es pas tellement en capacité de. Tu veux piocher toi Non, t'as raison. Ouais. Non, moi je slame. Balek. C'est vrai que. En vrai, ce trun, on devrait avoir perdu depuis 10 tours. Hein. Et juste, il bah, y a trun, quoi. Ouais. Trun, incroyable. et tu lis, et tu dis, il bah, n'y a aucun moment, je peux gérer ça. Qu'est-ce que j'y fais euh... Je vais essayer de détruire ça. Hein. Ouais, tu vas essayer de gagner la partie, c'est cool. Est-ce que là, draw une carte. Ah, yes Ah, let's go bah Alors Merci, c'est la carte la plus pétée du format. Voilà, on avait une tech à la fin du live. De... de Dominaria. Euh, euh, Sholdred, c'était broken. Bon, bah, trun. Euh... Sholdred, all will be broken. Non mais Trun, sans déconner, ça n'a aucun, aucun sens. Genre t'as posé Trun, l'adversaire avait la meilleure carte de son jeu, avait contrôlé la partie et devait, mourir, devait te tuer, et il y avait Trun. On peut faire qu'une seule chose à Trun, c'est lui peler le jonc comme au bailli du limousin. <laughs> et on l'a pendu un beau bon matin, vous imaginez On l'a pendu avec ses tripes. Et j'ai ouais. appris d'ailleurs qu'il ne dit pas deux fois il l'a pendu, c'est on l'a fendu. Et après, on l'a pendu avec cette Eh oui, puisque tu l'as fendu, du coup. Eh ouais. Eh ouais. Écoute, c'est la redoute. Je vous montre ce deck-là. On va en build un autre, je pense. Ouais. Et je vais aller faire pipi. Je crois qu'à cause de Trun, on va devoir jouer des Edits de Sholdred en fait, en interaction. No joke. Ouais. Ouais, c'est Après, ça se trade. Ah oui, non, mais enfin, il est indestructible quand il attaque, mais genre. Non, mais genre, contre un. Contre un deck contrôle, tu fais quoi à Tron Ah des contrôles, vraiment c'est une plaie. Mais c'est pour ça les autres decks normalement, euh, Midran joue quoi Ils ont des bêtes pour le bloquer. Euh... Mm. Euh... Il est stylé quand même. Après c'est vrai que là je réfléchis aux bêtes qu'on a actuellement standard qu'on joue, il n'y a rien qui le bloque bien. Parce que chez le raid, quoi, ça ne à... fait pas. Tu peux pas translation d'âme, Kedia. il ne peut pas être ciblé, tout court. Euh, ouais Tu peux tu peux le cibler qu'avec des trucs verts. Ouais. Et il est indestructible pendant le tour de l'adversaire. Et tu donc peux en pas en le gros, trade parce qu'il a un destructible quand attaques Donc tu peux seulement le trade si tu décides de bloquer avec. Juste s'il bloque mal. Voilà. Voilà, il bloque pas très bien. Enfin, C'est une 5-5, donc il bloque un peu. mais Genre, il faut le faire sacrifier avec euh, Eddie, quoi. Mm -hmm. voilà, Eddie de Shadowride. Vu qu'il a la force la plus puissante la plupart du temps sur le terrain. Merci Arco pour le Prime Gaming. Merci beaucoup. Euh, ouais, du coup, je vous laisse avec ce petit déclic si vous voulez encore en parler. Et moi, je vais aux euh, toilettes. à tout de à suite. Ouais, franchement, il a l'air vraiment bien, Strun. Genre. Contre contrôle, bah c'est vrai Sordaille. Et sinon, bah tu peux attaquer tous les tours. Il se fera jamais trade parce qu'il est indestructible. Ton ne peut pas le cibler à part avec des spells verts. Spoiler, les spells verts c'est pas des anti quoi. Donc ok, il peut faire, il peut se fight speller. Mais bon, avant qu'un archétype euh, viable en compétitif joue des fight spells, on va se lever tôt je pense quand même quoi. Euh, parce que j'y crois pas trop à Obliterator euh, Fight Spell. Enfin, genre c'est marrant, mais ça sera pas un deck euh, compétitif, je pense. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, ça va pousser à, à ramener à une interaction qui est moins forte que Droit à la gorge ou fissuration de base dans le format, qui est of Sholdred qui, qui, qui sort avec euh, avec Phyrexial Will Be One et qui fera, qui demandera à l'adversaire de sacrifier son trun parce qu'il aura la la patate la plus haute. Franchement, ça a l'air giga cool. Quoi. Commandement Geeks, ça le gère aussi. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. À hein, chez nous. Donc, voilà. Toutes les cartes de, de sacrifice. Et moi, j'aime bien quand dans un format, ça a été pas mal le cas dans des formats que j'ai joué, notamment Duel commander et tout, où vraiment il y a des cartes que tu peux pas gérer avec des interactions normales. Il faut les faire sacrifier. Donc, du coup, jouer des, des, des cartes qui nécessitent de, bah, de faire sacrifier les, les cartes de l'opo. Et j'aime bien ce délire-là. Ça me plaît. Est-ce que c'est la nouvelle Costing Beast je trouve que Glissa est plus comparable à Questing Beast que Trun, mais. Parce que Questing Beast, euh, c'était une carte qui était puissante, mais qui, qui se faisait. Enfin, je veux dire, ça prenait anti-bet Questing Beast. C'était juste qu'elle avait la célérité, elle mettait vite des points, mais tu pouvais interagir avec elle euh, pour le coup. Donc c'était une carte qui était forte quand elle attaquait, mais que tu tuais facilement, à l'instar de ce qu'est Glissa, à mon sens. En gros, Glissa, ça attaque dans le même tempo que Questing Beast parce que tu la joues au tour 3 et ça attaque au, au tour 4, comme Questing Beast qui attaquait directement au tour 4. Et ça avait un effet quand tu touchais, entre guillemets. Enfin, au Questing Beast, c'était plus que ça. Quand tu touchais, ça pétait des plans au soccer. Trunge, je le vois plus comme un. Je sais pas, un carnage tyran de luxe, quoi. Déchiqueté, ça marche. Euh, non, même pas, parce que déchiqueté, c'est. Est-ce que c'est considéré comme un spell bicolore déchiqueté La carte se fait ban. Non, mais ça se fera jamais ban. Un pâté, ça se fait pas ban. Genre, euh, s'il y a un pâté, on s'adapte. Ah putain, Eddy de Sheldren, ça fait pas sacrifier la bête la plus forte, t'as raison. C'est Commandement de Geeks qui fait ça. Ça fait sacrifier une créature non-token, donc s'il y a d'autres créatures à côté de Trun, tu le sacrifies même pas. Donc c'est pas ouf. Ok, c'est quoi le texte de Trun J'ai pas accès à la souris, c'est PLK qui a accès à la souris. C'est genre, il peut pas être ciblé par des spells non-verts ou il peut être ciblé que par des spells verts. Parce que selon la ligne de texte, comment elle est formulée, ça fonctionne pas avec Tira Thunder. Son identité couleur est Golgari. Du coup, il faudra lire la, la, le texte de trade. C'est non vert. Bah, si c'est non vert, tu peux pas le cibler avec Tira Thunder, du coup, si c'est Golgari. Ne peut pas être ciblé par du non-vert. Bah, du coup, ça ne marche pas pour Tira Thunder. Ah. Je crois. Hein. Est-ce que tu peux tuer Trun avec Tira Sunder Non. Il faut un truc strictement eh ouais, vert. Exactement. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Il, Il va falloir spécifiquement. De vert. Euh, même le Lady ça ça marche pas en fait parce que c'était si une autre bête à côté. Tu le sacrifies pas. Il faut strictement Commandement de Geeks. Euh, Commandement de Geeks, ouais, ça marche. Après, Lady Sholdred, vu que ça cible est non-token, euh, c'est un peu plus simple, on va dire, de l'attraper peut-être. Oui oui mais ça marche pas strictement quoi. Tira Thunder c'est vert. Bah ben non si tu le kicks c'est noir vert. Ouais il faut que ce soit strictement vert. Donc en fait vous le tuez avec un fight spell. Si vous voulez. Sauf qu'un fight spell, pour tuer Trun, il faut que vous ayez une grosse on bête va, déjà. On va pas jouer de fight spell pour tuer Trun quoi. Et eh ben je le trouve vraiment bien ce petit Trun, écoute. Euh, très ah, très impressionnant. Attends, Tira Thunder c'est la carte qui se kick elle est quelle couleur à la base Elle est verte Ah si avec elle est que verte qu vert, si ça marche. Je croyais que c'était une carte Golgari. Mais quand elle est kickée, elle ne devient pas Golgari Non, non. Quand elle est kickée, ça reste une carte verte. Donc, Tira Thunder fonctionne. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai demandé au chat et, et euh, les gens me disaient que ça devenait mmh. un sort Golgari. Donc euh... en fait, il ne faut pas un sort vert pour le cibler, le chat. Il faut un sort strictement il faut... vert. Il faut que ça Mais soit un coup... sort non vert, justement. Euh... Ça ne peut pas être un sort non vert. Voilà. Donc, du coup, il y a double du... négation, donc voilà, c'est qu'un sort vert qui le cible. Mais du coup, Tira Thunder, pardon, je pas. Euh, je crois que c'était un spell Golgari. Je ne me rappelais plus de ce que c'était. Non, non, c'est un spell vert, même quand il est kické. C'est juste que l'identité du sort est Golgari parce que si tu veux le jouer en commandeur par exemple, euh, c'est il y a le kick dedans donc c'est Golgari. Mais, euh, mais ça Pourquoi marchera. kisune nous dit du coup que même si c'est Golgari ça marche. Genre pour moi tu peux pas le tuer non. avec un Assassin's trophy. Non non, Tron ne peut pas être la cible de sort non vert que adversaires bah ouais. contrôle. Et Assassin's trophy c'est un sort non vert parce qu'il est vert et noir. En fait il est vert mais il est aussi non vert puisqu'il est noir. Golgari ça marche. Est-ce qu'il y a un judge est... qui est pour clore le débat Parce que ouais, moi ça je suis ça quasi vous, sûr ça que ça marche parce pas. J'avoue qu'ils me font douter là le chat au final. Euh... Ouais, je sais pas. Oui, Trophy c'est vert, mais c'est aussi non vert. Et en fait c'est la négation à Magic qui l'emporte. Ouais, mais du coup du fait que ça soit vert, ça a l'air de passer les barrières. Bon, écoutez, on n'aura probablement pas la réponse à moins qu'il y ait un judge ici qui vienne euh, faire argument d'autorité. Euh, là, pour le coup, on n'est tous pas d'accord et en vrai, on va juste attendre de savoir. quoi. Mais bon, dans l'idée, il nous a fait nous poser pas mal de questions. Ça prouve que la carte est intéressante. Oui, oui, stop les infos de chat de toute façon. Ah parce que les gens semble... vont dire oui, des gens vont dire non. Donc, euh... Il y avait pas un troll en face quand on avait ça Des de l'enfer Non, il y avait un, un oblitérateur, Firection. Ah non, c'est l'oblitérateur, ok. C'est ambigu, la formulation est pas très claire. On a besoin d'un judge. Je sais que dans le chat tout le monde est judge, mais c'est pas le cas. Donc du coup on va attendre. On va attendre d'avoir une réponse. Ouais, euh, J'avoue que le chat vous m'avez fait douter et que c'est. À mon avis, tu dois pouvoir le tuer avec un Assassin's trophy, mais je ne saurais pas vous l'expliquer la... la double négation est un peu particulière. C'est du français basi... ah, C'est pas du français basique en fait. C'est euh... c'est complexe les règles de Magic. Donc, euh... donc non, non, c'est pas clair. Bah, la, preu... la... la preuve, c'est qu'il y a la moitié des gens d'accord, la moitié pas d'accord. Donc c'est que Déjà c'est euh, pour 250 personnes c'est pas clair. On peut déchaîner euh, notre propre trun, mais il faudrait essayer en fait. On n'a pas, pas essayé. Euh, mais c'est que les adversaires contrôlent, donc nous on peut le cibler avec tout. Ah ouais, en fait, la cible pas de sort ça. non vert. Non, mais viens, on reste pas sur cette Non, question, mais je crois euh... que en fait c'est ça, ouais. S'il y a au moins du vert dans le spell, ça marche. Ouais, voilà, c'est ce que ça marche avec Trophy et avec Déchaînement de l'Enfer. Mais du coup, juste en français, c'est pas extrêmement clair la, 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 la manière dont c'est wardé. Ça méritait au moins de, de se pencher dessus. Quoi. Ouais, non, ça doit être ça, du coup. Je pense aussi. Du coup, prochain deck, Val, qui sera peut-être le dernier du stream. Euh, alors, dans les options... Est-ce qu'on veut un deck qui est une pile de bonnes cartes où on teste quelques cartes bien spécifiques ou on veut un deck à synergie Mmh, je sais pas, parce que parce que j'ai tout. Hein. J'ai du euh, Grulagro Modify. Fais-toi plaisir euh, toi de... qui ne peux pas jouer. Grulagro Modify, c'est c'est pas très nouveau. C'est juste que c'est un deck de très bonnes cartes, genre euh, le Drop 1 plus le Drop 3, c'est une ouais. carte exceptionnelle pour un Grul modifié qui je pense est déjà un bon archétype en plus de la mana base avec des bons lands. Genre No joke, je pense que c'est un deck qui fera partie du format compétitif, ce deck là. Le Modify. Ouais. Bah genre, c'était déjà ok, et là c'est vraiment très push quoi. Okay. Autant par la mana base que par les cartes. Mais euh, c'est pas extrêmement nouveau, c'est juste que c'est un deck qui devient un deck push. Ouais. Bah, Qu'est-ce euh, que toi tu vas. Qu'est-ce que tu bah, vas pas jouer demain typiquement Ah Je sais pas encore ce que je vais jouer demain. T'sais, je vais potasser euh, tout ce qui s'est passé dans la soirée pour définir ce que je vais jouer demain. Il euh... hmm. y a euh, Naya Token qui est marrant, euh, qui profite de l'effet de Mondrak, mais il y a aucune carte qui est nouvelle. C'est genre justement Drac qui double des tokens. C'est pas ouais. très très marrant quoi. Il y a Verpaté si vous voulez juste curver des pâtés. Oh ouais, Verpaté c'est bien ça. Tu veux curver des pâtés Je vais écraser des types. Allez vas-y, écrase des types alors. Alors quoi que j'y mets oh, Je peux rester comme ça en fait. Bah, Grul Modify, au pire je vous le proposerai demain si on ne le fait pas ce soir. Parce que, parce que je pense que c'est un vrai deck pour, pour monter le format ouais. pour monter le ladder là je veux qu'on en profite si on peut tester des trucs un peu exotiques qui vont marcher ce soir mais qui marcheront pas peut-être après ok si chef, faille, de... On est sûr. Chef. chef de la meute ascendante bon, on n'est pas sûr c'est plutôt c'est un call que je fais quoi évolutive mm. en transition il s'appelle évolutive ouais meneuse des bêtes chironèse des bêtes ah ouais. Orateur du terreau. Oh un bon gros terreau. 4 contaminateurs enflés 3 bizarreries d'Elvenvol. Il faudra des contaminateurs de la Vega ou pas Ouais, 3. Parfait. Bizarrerie. Il y a deux Z. Non. Non, une seule. Un seul, pardon. Je vais pas écrire. Trois spinodermes évolués. Trois bizarreries. aussi. Ouais, 3. 3 ah oui. Spinodernes. Me fait kiffer cette carte. 3 Trun, évidemment. No joke. Oh, le Roi Trun. Sans surprise. Et 4 positions de Tivar. Ah oui, putain, là, on est vraiment dans du. Euh... Oh, on, on, on est, est dans, dans du gras. gras hein. On ah, est dans ouais. du dégueu. Et ensuite, ça part sur 3 Beaux-Éjoux et 21 Forêt. 3 Beaux-Éjoux Ouais. Ok. Ça va se faire en vrai. Hein. Genre après ton, ton deck c'est mono forêt de base ça va, je pense. C'est ok. On est belle est, forêt. Est Comme c'est oh. un deck qui a pas d'interaction, tu prends le peu d'interaction que tu peux choper je pense. Bah, ils étaient pas là tout à l'heure les landes, ou alors je les ai pas vus. Ah, ils sont jolis aussi ouais. Ceux-là. Ah, Vous voulez pas que je pimpe le mono green non. ou pas De quoi Tu veux que je pimpe le mono green Non non c'est pas. Ils méritent pas. pas. Non, franchement, drip Juste on a mis tous les pâtés dedans et on voit quoi. Pas de T-Rex. Cette mana, c'est dur. C est, c est, moi, c'est le problème du T-Rex. Si tu rentres pas, c'est trop dur cette mana. Eh hein. ouais. Ah, je sais que vous voulez le T-Rex, mais est-ce que ça fait vraiment sens J'en suis pas persuadé quoi. On rentre pas de ouf. Euh... Je proteste. Bah si vous voulez on mettra le T-Rex à la game d'après en vrai. Hein. Pas de... Et déjà que ça peut faire des mains pourries. Euh... Ah merci Sino qui souligne quand même que même en anglais ça fait des parce que c'est voir des bizarrements. Mais de toute façon PL si ça faisait débat entre nous deux et qu'on était déjà deux à dire que c'était voir des bizarrements, c'est que c'était déjà de base voir des bizarrements. C'était déjà chelou. Ouais et si la moitié du chat était pour et la moitié du chat était contre. Pour. Bon, euh... contre. Ouais, pas, pas totalement, totalement perdu non plus quoi. Oh, J'aime bien ce qui se passe là. Ok. Tu peux sa katilda ça peut être pas mal. Hein. Tu crois Bah, je suis pas. Ah non, ça fait juste. Ah non, ça faille ah, pas. pas. Ouais. Oh, C'est dire oh, qui met pas, un oh, ouais, Nion euh, à Tibalt. et <laughs> d'ailleurs, il y a une je carte Tibalt. Non, il y en a pas dans l'extension. Non. Alors qu'il est clairement fire action là. Ils sont dans l'extension d'après. Après. Absent. Oui oh, j'avais oublié lui. Putain ouais, je l'aime bien en plus cette carte. Genre ça a jamais été bien mais. <laughs> J'aurais kiffé quoi. Oh. Ah bah contaminateur, hein. on va tous les contaminer nous ici. Bam! On perd Tibalt, ouais vous me perdez moi quoi. C'est mon alter ego. Hein. Ah mais quand tu regardes bien, euh, c'est plus toi là. Là c'est ah, plus c'est plus tellement c moi. Quel... Mais... Là c'est quelqu'un d'autre. Mais bon, il est parti quoi. Ah bah il reviendra pas là. De là où il est parti, il reviendra pas. C'est bien parce qu'il a toujours été un peu euh, même et euh, quand il revient dans l'histoire, euh, bah les couilles. Moi j'aurais trop kiffé que il ait une certaine importance et avec Kaldem on avait l'impression qu'il allait devenir un espèce de grand méchant du multivers mm. et en fait que dalle quoi je suis trop déçu. Un fait ne Genre il avait un peu un côté Oko, tu vois, les mecs un peu charismatiques malicieux. Mm. Et euh, du coup bah trop déçu les mecs caricieux. Trop déçu que que ce soit pas le cas. On pose des bêtes en attendant. Oh, que Cela dit, attention. Hein. Quand on croit que Tibalt est mort, franchement, euh, comme, comme le dit Bandalf, le mec est tellement un imposteur et est tellement malicieux que. Faire attention. On sait, ne on sait pas vraiment s'il est mort, en fait. Au okay, coup, il reviendra plus puissant plus tard. Il va transformer euh, L.E. El en elk. Et on va faire. Oh, c'est de la merde, ça. Et tout le monde va faire. Ah ouais, effectivement. Oula, par contre, là, ce qu'il va te faire, tu vas pas aimer, je pense. Ah ouais Je vais faire un tour de piste. Ah, bah ouais. draw 4. Bah pour 2 draw 4, voilà. Bah c'est broken. Trop bien. C'est le deck Abzan qui joue des Kaya et qui double tous les tokens. Il est stylé ce deck. Je pense pas que ce soit fort, mais il est bien buildé. Il est, il est Sympa. Marrant. Ouais. Il va transformer le multivers en elk. Ça s'appelle le multivelk. Non, pas du tout. J'aurais pas cette prétention là, Zaretzan. Ouais, ouais. Il fait des chocs à pique, lui quand même. Hein. Et ouais, moi je fais et toi, de la merde. Euh, hein. Toi, tu, tu, poses, tu poses juste des. Non, mais en fait, il est nul ce deck. Genre, euh, c'est sûr mais... que c'est pas bien. Tu, euh... tu peux jouer Grul, je vois pas pourquoi on joue ouais. Mono Vert. On joue une bête par tour et il en joue 30. Euh, L'exemple le, est dégueulasse. Non, mais quitte. Il, tu n'as aucune issue favorable. Genre, il a une main de, de 12 cartes. Ouais, c'est vrai. Allez. Bien joué. Ouais, vraiment, ce que tu fais, ça n'est pas bien. Allez, je la refais. Non, non, la refais pas. C est, c est ah mais si, non, mais on a pris les mauvais match Val, ça compte pas. Ouais, mais on se rend compte. Je me suis rendu compte, là. J'ai vu. J'ai vu qu'elle était la propal et ça m'a pas... C'est bien pour te faire plaisir. Qu'est-ce que je fais, du coup J'ai vu la propal, ça m'a pas, pas séduit, quoi. Alors, on peut faire mono white aggro. Euh... Ouf, ça ça m'inspire genre zéro. Ah ouais la 5-5 pour 4 qui vole là, ça te. Oh, ça Pas a l'air de... pourri ça. Ah, quoi ah, En vrai, je pense que c'est pourri. La justificatrice Phyrexian oh, Ouais, ouais, c'est. La 5-5 vol pour 4 qui. Bah, c'est bien, tu genre dans mono blanc, mais genre, euh, tu fais que ça, quoi. Et ah, tu, bah, peux oui. la, tu peux la chump avec ah, non, des petits flyers. C'est bien que dans un deck, je suis d'accord avec toi, mais c'est genre le, 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 le pâté Maximus, quoi. Ouais, tu vois, genre, Trun m'a plus impressionné, quoi. Qu'un truc que tu gères, ça va un dans de Je déteste te dire ça, mais mais une bête juste qui fait rien, qui a des grosses stats et qui meurt sur tous les anti-bêtes, c'est pas. Ouais, mais on lui demande rien. C'est juste une carte qui remplit la curve de ton deck aggro. Oui, mais je ne sais pas. Genre, je suis pas pressé de jouer ça. Quand je vais la voir, je vais faire Ah ouais, c'est une 5-5 volts. Je comprends. Je comprends que tu sois pas pressé, mais spoiler, c'est bien. genre Je sais ce que ça fait en fait. Je me dirais ça jamais. Fait... Ah ouais, ça fait ça. Ah oui, ça oui, oui. mais c'est sûr que c'est fort. C'est plutôt ça le... le propos, quoi. Bah écoute, moi, je suis chaud de tester Grul. En fait, il me chauffe trop ce Grul modifié. Bah, Vas-y, on teste Grul. Hein. Chef de la meute ascendante. Chef de meute. Ascendant Ouais. ouais. Quatre évolutive en transition. C'est le même deck, Là, bah. Vous allez. Ouais, mais vous allez voir que le deck il est stylé. Trois dévastateurs chivants. Merde c'est pas lui. 4 meneuses de bêtes. 4 personnels d'accueil. Enfin, Galagritteur, quoi. 3 Miglose. Et ça, c'est pas une demi-carte, Miglose, quoi. Ah, j'ai peur qu'il ne soit pas. Ah non, il, il est ultime. 4 chasseuses d'orage. Il hum... y a des Il y a Chasseuse. La chasseuse. La chasseuse d'orage! De Alana Alena. Ah, ça modifie euh, Chasseuse d'orage, ça compte Non, ça ne modifie pas. Mais genre la carte est trop bien pour ne pas la jouer quoi. Et elle remplit en plus la, la curve à 3. Combien d'Alana Alena 2, 2, 2. 4 Kumano. 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 4 Rajou fulminant. Genre re retenez, retenez le col, hein. ça c'est un vrai deck. Deux éclairs Oblitérants. Sachant que, du coup, tu auras des trucs je de Taillevard dans le side. Enfin, tu, tu peux faire des ouais. dingueries. Tu hein. pourras splasher noir pour tirer à Thunder les, les troncs de ton opo. Du coup... Euh, vous l'aurez entendu ici. On lui fout un, un Lucas ou pas Non, c'est pas, pas le plan. Ok. Là, c'est le, le, le plan, il est, pas, il est pas big. Le plan, ouais. il est d'aller très vite. Et on joue 22 landes, du coup Ouais, 22 landes, parce que c'est en BO1. 24, si vous jouez en BO3, je pense. Donc, okay. deux Bozay jouent. Ouais, tu, tu peux mettre tous les bilans sauf tu mets que deux vales de Rocherine par contre. Ah ouais Ok. Ouais. Euh, le nouveau, c'est le Georges. Gorgeux, pardon, Georges. Gorge de ligne cuivre. Ah, il est là. What Ah, parce que j'ai tapé sur Bozichou, ok. Euh, Gorge. Ouais, 4. Un Sokenzan, 3 Portail trans. Ah putain, on joue ça. Oh le caca quoi. Ouais, ah, mais ça te permet d'avoir à la fois tes sources pour tes tour 1 rouge et tes tour 1 vert quoi. Ouais. En deck aggro, c'est bien pour ta en... 3. 3 Non, 2 Ouais, 3. Un Sokezan. Ouais, est. Y... Et puis ensuite, t'as un savant mélange de montagne et de forêt normalement. T'as euh, 4 forêts et 3 montagnes. 3 montagnes. La tramontagne. Ouais, et ça, ça, franchement, ça a l'air vraiment bien comme deck, je pense. À fabriquer tout. Oh, lui. Attends. Je le skin, lui. Non, pas de fable. On est sur une version très agressive, en fait, le gros casu. Après, on peut midrangiser le deck, mettre des fables, plus d'interactions. Moi, j'ai envie de tester le, le, le la version très, très basique, quoi. Vous n'avez pas dit que c'était naze, dévastateur Alors, Je pense toujours que c'est naze, hein, mais dans un deck modify, c'est très fort. Il y a quoi qui est trigger modify, là dans le deck Ouais. Il y a Raiju. Ah oui, c'est que Raiju, ouais. Si on n'a qu'un trigger euh, modify, peut-être que... Dévastateur, c'est pas fou. S'il y a d'autres bêtes qui se... En fait, dans un deck... Euh, qui dans un dance. deck... Euh, Grulagro, euh, ton dévastateur, à tous les étages de la curve, il est trop bien, en fait. Parce ouais. que il va être buffé autour d'eux par ton Kumano, par exemple. Euh, oh, il c'est une bête dans laquelle tu peux investir tout ton mana Et finir les parties Moi je suis passé euh, mythique euh, en, en... Quand Dominaria est sorti avec, euh, avec Grille Modify et genre Devastator C'était trop bien dans le deck Ok Juste en haut de curve de, de deck créature aggro quoi. Hmm, Rouge ouais, ouais On a. Une on équilibré euh, les mana base Parce que, parce que le, le fait que ça soit modifié c'est juste une ligne de texte supplémentaire pour que ton rajou soit létal. Mais en fait on s'en fout, on joue vraiment un deck grulagro bien euh, bien bas de curve quoi. Tu m'évites énormément de points. Hmm, L'évolutive, non Evolutive ça non, évoluera ouais. moins que meneuse, je pense. Oh, les nions qu'on met. Bam! C'est. Là, le tour d'après, tu fais Raiju, Lopo est déjà mort. Mais il ne le sait pas. Hop. La miglose. Un petit, un petit miglose, hein? Ouais. Euh, je mets tout face, ça je m'en fous, je crois. Ah oui, oui, on s'en fiche bien de ce que te propose Lopo ici. là euh, Le 3-3 qui donne piète à tout, euh... ouais, c'est Kodama. Je suis pas très fan, moi je préfère je de... préfère jouer Miglos que Kodama. Tu mmh, mm, mm. oh, peux enlever ta forêt tranquille. Ouais, mais je sais pas si euh, ça prendrait la place de Miglos Kodama. Ça pourrait prendre euh, la place dévastateur, peut-être. Ah, franchement, j'ai beaucoup joué Grill Modify, c'est trop bien dévastateur dans le deck. Hein. Genre okay. là, tu le top deck, tu seras content quoi. Ouais, oh, ouais, non, mais c'est pas mauvais, tu vois, mais euh, avec sa synergie, c'était de... même, même, trop, même très fort, honnêtement. Ok, c'était vraiment bien. Euh... Je suis sacrifié, chasseuse d'orage. Ouais, je crois que t'as gagné de toute façon quoi qu'il advienne. Donc euh... Ouais, pour un mana il a rien. Donc ouais, s'il si y a bien un seul deck où dévastateur est cool, c'est celui-là, donc autant, autant le lui laisser quoi, je pense. Je pouvais lui enlever mmh. deux marqueurs pétrole. Faut mettre deux de plus. Genre Kodama ça va fetcher des landes mais on en fait rien de ces terrains, donc euh... Enfin, fait pas Non, c'était pour avoir le, le piète, hein. C'est vrai que je vois le board et je me dis, euh, je trouve un faire trade. Le, le piat c'est bien si t'as des créatures qui ont des larges stats. Nous on veut vraiment bourrer, on est vraiment un deck à gros bas de curve. Donc le, même le piat c'est pas forcément très... Ouais. C'est pas si impressionnant que ça je pense tu vois. Alors que fait Miglose euh, Il a 5 marqueurs pétrole. Soit on en retire 1 pour un mana. <coughs> il a la vigilance et la menace. Soit on en retire 2 pour 2 mana et il gagne plus de plus de 2. Toi, t'en retires 3 pour 3 mana et tu casses un Nartos ou un enchantement. <coughs> et il gagne pas de marqueur euh, pétrole tout seul. Par contre, et genre, déjà que Grul Modify c'était bien. Quand tu rajoutes Miglos dans le deck et le drop 1 qui évolue, enfin, genre oh, t'as ouais, vraiment mal. un vrai deck de standard. quoi. C'est pas mal ouais, tout. C'est obviousement vraiment bien. Mmh... C'est un peu cher, mais si on trouve un land, ça va. Tu trouves, euh, si tu curves tes landes, tu, tu lui fais du, du sale, hein, mais il faut, faut les trouver. quoi. J'ai confiance. Ouais, on est là pour tester. Je crois que si jamais cette game avait de l'enjeu, j'aurais Mulligan. Ouais. Voilà, c'est le plaisir. Il est modifié, ouais, parce qu'il y a des marqueurs sur lui, je crois. Non, non, je ne vais pas le passer en tes murs. Je pense pas, Coria. Ça serait marrant, mais ouh, bah tu vas lui faire du. Nickel. Tu vas lui faire du sale. Typiquement, Gala Gritter, c'est une carte que j'aime pas trop dans le deck, mais on n'a pas beaucoup mieux en tour d'eux que lui. Ouais. On pourrait jouer le Brandon si on voulait. Le Brandon est moins synergique, euh, mais plus agro, quoi. Grue également en face. Ouais, je pense beaucoup plus Beast avec des Taivars. Euh, pas des Taivars, des Lucas. Oh ben, bah, pas du tout. oula là, ouais, pas du tout, ok. Oh euh, j'ai envie de rajouer là. Moi j'aime bien, euh, et... bien Kumano et... J'aime bien Kumano et machin là, et Tovoz. Miglose. Et Miglose. Ouais. Ouais, tu préfères Ouais, rajoute sa célérité, tu pourras le faire venir plus tard, euh, quand tu auras des bêtes modifiées déjà. Ok. En fait, ça euh, c'est des cartes que je pouvais jouer dans tous les cas alors que Raijou, je peux plus jouer si je trouve pas de Pour Ça je vais mettre Raijou. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Oui, j'ai pas pensé au scénario où tu, tu trouves pas tes landes qui serait vraiment chiant pour le coup. Ouais, ça va. Ça va, y'a pas de galère. Y'a pas de galère ici. Là. Ouais, ça fait, ça fait, ça fait quelques dégâts quand même. Ah non, il était pas modifié du coup. Mais t'as peut-être raison, ah on, non, aurait peut pas, pas. on aurait peut-être pas dû prendre le risque en vrai. Là, on est résultat orienté, on est content d'avoir trouvé notre land, mais ça aurait pu nous péter à la gueule. Ça peut être compliqué à doser. Ouais. ouais, ça joue bien contrôle, on va bien se faire euh, péter les créatures. Ouais, après, t'as la moitié de ton deck qui est célérité. Hein. Oui. Genre là, s'il fait un ah mètre bah de masse, t'as gagné parce que vrai. tu fais Ray, joue, euh, Kumano. Ah ouais, il est mort. Genre, les Vras contre grul Célérité, ça marche pas. T'as le Dragon qui est Célérité, t'as le Raiju, t'as la Chasseuse d'Orage. T'as trop de bêtes qui attaquent euh, pour le coup. Mm. Pour battre grul il faut plutôt pile d'anti-bêtes euh, en 1 un pour 1. Un, Au mono vert. Ouais. Au vert, et plus on... grosse bête. Ouais, ouais. Après, et comme, comme tu dis, tu heures. peux un peu les grossir et tout. Genre, board bloqué, t'as l'Ana qui tourne, tu gagnes. Hein. Ouais, c'est vrai, tu peux grossir. Bien joué. Right, Bien joué. Oui. Ouais, il est vraiment trop fort ce deck c'est sûr. Marqueur. Marqueur. Bah, ça te donne pas la sensation de, de faire ce qu'un ce, ce qu vrai deck fait. Ah de fou, ouais. Après c'est vrai que les decks agro euh, en AP, souvent ça fait ça quoi. Ceux qui testent ouais, un peu ouais. les brou, euh, tu les bourres et... Oui, Toxic nous a fait à peu près la même impression. Hein. Voilà. Donc c'est ouais. vrai que je suis les moins... To toxic si t'as pas ton, ton contre-sort ça prend bien Vras, ce qui n'est pas trop le cas de ce deck. Ouais. Donc mmh. à, à voir. C'est vrai que Toxic ça te, te force vraiment à, à build ton deck en le prenant en compte quoi. Ouais. Tu le respectes pas, tu perds. Pobre Pobre Plani Plani Nauta. Nauta. Parce que là, tu vois, t'as pris Vras et ça t'a rien fait, quoi. Pour le coup, ouais. Après, il avra que deux bêtes donc et c'est qui hein. Ouais, deux bottes en side. dont te connaît, ah, j'aimerais trop, hein, mais je crois que la mana base le permettra pas. Pour le coup, je vais faire tour 1 évolutive et tour 2 Kumano Chef, c'est pas mieux de commencer par Kumano comme ça. Tu buff, euh... tu buff la bête que tu vas jouer, mais bah, j'attaquerai pas tour 2. Ah putain, et tu pourras pas jouer les deux cartes surtout. Non, non, tu et... peux pas. T'es obligé Oui, obligé de jouer un spell pardon. Donc, non. Tu peux pas. Ce petit dévastateur, mine de rien, oui, il a aussi bien. le petit upgrade dans un deck où t'as envie de tout le temps curver bah, d'être une carte qui se curve à tous les étages. Et genre, des fois, je joue tour 2. Hein. Et tour 1, oui, oui, bah... c'est un 2-2 vol célérité. Et... Ça file. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est une espèce de de liant quoi. T'as loupé mon ovère, mais t'as pas loupé grand-chose, franchement. Euh... Poutre à canon. C'était pas, c'était impressionnant. La euh, bande toxique, ça m'a beaucoup plus moule spatial et demi ouais. de range aussi. Et celui-là il marche bien aussi. Hein Ouais. ouais, mais celui-là est pas trop nouveau, pour, mon... pour moi il est il est buffé mais c'est vrai que c'est pas extrêmement nouveau quoi. Mm. Oh mais une sauce, ton prochain ça se retourne, si on trouve un an c'est fait du slip. Merci maître Nigo, <laughs> c'est tellement ça. Oh si tu connais pas ça. C'est qui que Fernando sur une créature payer 4 c'est pas dégueu ça, c'est un beau skin. C'est ouais. bien pour euh, Sanville. Oh Jadar! Ah putain, et là c'est le... le moment où pioche de la merde. Ouais. ouais tu, tu peux quand même attaquer en vrai encore. Hein. Moi j'attaque avec tout là. Hein. Ouais. Je donne un peu ouais, le chef de meute. mais. Tu le traites mon petit ah. Jadar. Ok. <coughs> ah, ce skin de Jadar là il me dégoûte. Ouais la, putain, langue je le reconnais même pas, j'aurais même pas su que c'était Jadar je pense Les des trucs bizarres avec ses ghouls là Ouais j'avoue il est dégueulasse Ah il joue Vran Il est beau aussi ah, ouais. ça, le Vran Au con j'avais pas reconnu Magnifique, ah, bah il jouait une ville même Ouais je pense qu'il jouait une ville en fait, je viens de capter, là. je viens de tilter et que ça, ça marche bien Ouais c'est probablement ah. pas du tout un bon match-up de notre deck hein cela dit Salut ouais. Et ça fait pas l'effet, parce que c'est exilé <laughs> Et c'est J'attaque encore avec tout, je crois. Ouais. Bon, là, c'est donné. Le Spinoderm, c'est nul de C'est pas assez véloce, ouais. Euh, genre, ça coûte Ça coûte, un mana... Enfin, ça coûte 4 mana et t'as déjà Raiju et Alana à la place. Genre, pour moi, Spinoderm, c'est plutôt un... une carte de deck mono vert, quoi. Mono vert pâté. Oui, il se pique bien là. Je crois qu'il va piocher une carte hein. Ah ouais, a pas de galère. Voilà. Let's go. Euh Ah bah voilà. Ok. Bon, qui peut stopper ce deck là à ton avis Instoppable. Non en mais encore une petite. Ouais j'allais dire on s'en refait une petite là avec ce deck. Et après on se débriefe tranquillou. Euh, le format, ce qu'on qu en a, a pensé, les cartes et les ouais. cartes qu'on n'a pas vues aussi hein, euh, qui pourraient être sympas. Ouais, mais tu vois, la plupart des cartes qu'on n'a pas vues, c'est pas des cartes qui s'incluent dans des stratégies, c'est des cartes qui sont objoucement forts, comme mmh. l'oblitérateur Phyrexian, la 5-5 la vol pour 4 dont tu parlais dans Mono Blanc, euh, le, le dragon qui coûte 3 de moins à jouer et qui rejoint un éphémère à un rituel de ton cimetière, qu'on va juste jouer dans ragdos pour rejouer des invocations du désespoir. Et tout ça, bah on, on peut avoir un avis théorique quoi. Tout ce qui était synergique, on l'a testé. Ouais. Oh, que c'est beau ça. Ah j'avoue, ils sont jolis, ouais. C'est la, la deuxième fournée, c'est ça Oui. Ouais ils sont sympas. Fin de tour Eddie c'est vénère aussi. Hein. Oula! Ouais, j'aime pas trop ce qui se passe là. Surtout que j'ai ah pioché non. que du caca. Moi non plus. On ouais, va jouer le portail 30 et passer le tour. Hein. T'as pas bien pioché, ouais, effectivement. T'as pas de quoi. J'ai pas de pas quoi. De quoi et puis la 3-3 lifelink menace là, on a pas aimé du tout ça. Ah oh là 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 là. Ouais, là là. ouais, ouais. Ouais, là, ça aide pas. Hein. Ah bah, on, on fait rien. On, on ne peut rien faire contre lui à part prendre 5. Ton pire mashup On prend 5 ou on n'attaque pas, littéralement. Ouais. Bon, ouais bah écoute, on va essayer de voir ce qui se passe. Hein. Oh, je vais me bloquer. Oh, je double bloque. Là, je perds tout. Oh, non, mais ok, non, mais... Jean-Michel Patechi, quoi, c'est bon. Allez, au revoir. Oh Magnifique. Ah, MTG Malone, là, il est euh... cristallisé. Il est venu de faire du sale, quoi. Crucifié. Crucifié. Il s'est envolé. Aïe, aïe, aïe. Eh ben non. Non mais, on souffre là, va-t'en. Ah, attends, je vais voir si je trouve un, un dragon là. Oh putain, voilà, le dragon il passe même plus. <laughs> Parce que je me dis, si j'ai un dragon, je vais chercher Vraska. Euh, et je fais un peu la course en l'air, quoi. Mais non. Ok, ok. Euh... Ah, on nous a demandé... Une dernière de Deux toxiques ceux qui sont arrivés après. Est-ce qu'on leur offre pas une petite dernière toxique Moi je suis chaud de rejouer bande toxique, ouais, j'ai kiffé. Hein. Clone. Alors qu'il s'appelle clown, je... ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. L'ange s'est envolé. Est-ce que tu reconnais cette carte, Val voilà Celle-là là, là Ouais. Nope. C'est une côte de croque Mère. Ok, d'accord. Ah bah je suis pas encore habitué au nouveau design, non. Oh, ça se passe très bien, Croustibat. Ça me donne faim d'ailleurs de lire ton pseudo. Oh, salut Az. Mononore, c'était débile, je suis content de voir que c'est toujours débile. Bref, Mononoir, ça a pas bougé, ça a deux nouvelles bonnes cartes, quoi. Mononoir, Obliterateur, Firexian, euh, ouais. ça va battre les decks aggro, c'est normal, mais je ne ouais. crois pas que ce soit un deck qui soit genre plus problématique que ça pour le format, quoi. Euh. J'ai envie de garder quand j'ai S1, mais bon. Ouais, moi, je la garderai aussi. Hein. Franchement, S1 c'est trop fort. On l'a vu, c'est idiot. Ouais, l'adversaire, je en promis, donc j'aurais aimé avoir un tour 1, mais... Tant pis. Tant pixel. Ah, bah j'ai mieux qu'un tour 1, j'ai un cinquième land. Ouais, on en et a bon beaucoup parlé, Zaretsan. Justement, on disait que le set nous impressionne pas par la puissance intrinsèque de ces cartes, mais elle nous impressionne par l la proposition synergique euh, que le set propose. Mmh. Et donc on a vraiment l'impression avec PL, et on n'est pas les seuls. Que effectivement, ouais, le set va beaucoup impacter le standard. Il ouais. y a vraiment de quoi renverser la méta de fou, même en pionnière pour te dire. Dommage. Ok, je joue une version simique, euh... celle, celle que tu m'avais euh, proposé, euh, pl. J'imagine que sympa aussi. Hein. Ah, je sais pas, celle que je t'ai proposé, elle est quand même euh, archi duchesse, euh, sont-elles archi tu vois? Ouais. Tu ouais, joues quand même pas. plein de kimchi que tu vas cibler pour, <laughs> pour tu vas dire oui, ça à oui. distance. Non mais bon, si tu joues simic toxique, je vois pas trop comment tu joues euh... mm. bah, Peut-être il joue un peu, tu sais, les cartes bleues euh, qu'on voulait jouer dans Dimir entre guillemets. Et les cartes vertes euh, toxiques. Ok. Bah, il est chiant hein Faut pas se mentir. Hein. Peu Eh ouais là t'as envie d'attaquer hein, parce que t'en as un, on en a deux. Ouais t'en as deux, on en a un. Je crois pas que faille bloquer, après t'as une position de non. Taivar pour faire le... Ouais ouais. Pour faire la diff la drupe. Euh... Ouais, puis tu peux chanteur et garder position de Taver up pour bloquer un de ses 4-4. Ok, sinon je garde position de Taver et que Nest of 1. Peut-être euh... que quand son deck ça va pas contrer grand chose après. Ouais, je suis pas persuadé que ce soit très bien. Je peux attaquer avec ça d'ailleurs. Bah ouais, ouais. Ouais, puisqu'au pire, euh, si jamais il prend le trade, t'es content quoi. Après, on bloque, ouais, non, on bloque trop mal. Bah, c'est pas grave. Ah, on bloque très très mal. Hein. On est à 13. Ah oui, a... ah oui, non, oui, ok, il est pas obligé de bloquer lui, t'as raison. Ah ouais. Putain, j'ai pas vu comment il était ce contaminateur. Ouais, il, il est, est enflé. enflé. Vraiment Il est vraiment très enflé. Ouais. Il, est, il est fait de flé. Il est énorme et sec. Lui, il bouffe 12 h le matin, je pense. Ah, t'es sec quand t'es enflé Ah, bah Moi, je ouais, je te voyais un peu gras. Je les vois, les mecs à, les mecs à la muscu qui sont... qui sont gonflés de fou. Ah, c'est quand t'es enflé devant, ça. Ah ouais, pour être sec, c'est la gonflette. le muscle, quoi. Le biceps a gonflé, quoi. Alors, c'est Thibaut Inchep, le contaminateur, un peu. Il y a la même posture, en tout cas. Je like, parle du petit bonhomme le... en bas, là. Imagine-le. Dave, les gens. Parce que Firection est bête, c'est lui. Hein. Ça, c'est du décor. Ah, si, c'est ah ça. Ou... Mais non. Non, je ne pas, ça enfin... Si si pardon je parle pas de ça ah. <laughs> tu, tu me dis que le contaminateur enflé c'est la petite bête en bas à droite ah ouais c'est ça là mais non mais non ah ok je dis, mais qui, qui dit lui un deck tribal rat mais bah, je crois qu'il y a 4 rats donc euh... après il y a un rat que tu peux mettre euh, dans, 50 fois dans ton deck quoi donc, euh... en standard ah non pas, pas en standard ouais. ah attaque l'attaque pas l'attaque qui l'attaque qui pas ah si j'étais lui j'aurais attaqué M'arrangerai que t'attaques pas si Role Eh ouais hein. Oh bah bloque la 1-2 pourquoi il attaque avec ça Ça c'est ouais. gratos bon, Prends tout on hein, s'en fout Je prends 8 je passe à 4 Et je prends 1, 2, 3, 4 marqueurs Poison Plus 2 Donc, Je prends 6 marqueurs je suis à 2 donc, je ne peux plus cibler ça. Et s'il cible. Enfin, je peux plus cibler ces bêtes. Et s'il cible ces bêtes, on a perdu. Tu peux plus cibler ces bêtes Ouais. Euh, bah, non, tu seras à 8. Donc, tu passeras à 9. Bah, si je cible une de ces bêtes, je prends deux marqueurs, je suis mort. Et c'est perdu. Ah, oui, putain, il en a deux. Bah, ouais. C'est perdu. Ouais. Paul au cul. Chapeau pointu. Ah, bah, les 4-4. hein. 4-4 qui nous ont juste tués sur le board. Hein. Moi je t'ai dit, hein, c'est la carte clé du match-up, euh, le 4-4. C'est ce qui fait qu'on ouais. va pas pouvoir jouer à Azorius et qu'on est obligé de rester sur bande en fait. Enfin, il y a aussi le petit 1-2 hein, qui fonctionne bien. Mais... Ah, petit 1-2 il a fait le taf là. Hein. Mais le, les 4-4, quoi. Incroyable. C'est ce qui faisait que tu pouvais pas attaquer, que tu devais rester en défense, c'était l'enfer. Ouais, ouais. C'est viable enfin. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps. Euh, bah écoutez, ça a conclu ce stream. Hein. C'était bien sympathique. Ouais, Qu'est-ce qu'on qu on a, a pensé on a eu Tiens, joue les decks. De, de tester les nouvelles synergies. On a pu tester proliférer, toxique, certaines cartes du coup qui nécessitent d'être un peu mm. un peu assemblées. C'était cool. Ça, je pense que c'est vraiment une version euh, beaucoup plus faible que, que Bant Je pense que ça. Ah ouais, euh... tu pense que c'est beaucoup plus faible. Ouais, pour un draws deux, quoi. C'est. Ouais, mais tu vois, euh, si tu vires posture valeureuse et peut-être morsure infectieuse, ce qui est pas incroyable dans le deck, euh, tu peux peut-être rajouter de quoi vraiment pré mettre la pression, parce que ça faisait vraiment des chocs à -pique, quoi. Je, en fait toutes les cartes que tu, as, que tu as citées tu les as juste remplacées par les bons spells bleus mais on n'a rien perdu au deck en termes d'agression on la a le dualiste band. aussi ouais ah, t'as tout t'as le dualiste t'as exactement ah, je on avait pas le dualiste. même pool de créatures ok non bah ouais que même pool là. de créatures juste à changer les interactions tu vois donc euh... ah ouais c'est vrai qu'il y a ouais, le dualiste vous... on l'a jamais pioché je, je, je crois avec cette version je vous bande tous les jours franchement ouais en fait on a que es les deux ah non on a encore mention infectieuse on a 4 comptes, 4 euh, draws. Ouais. Enfin, je trouve vraiment le deck très puissant, moi. Ça m'a ça assez impressionné. Je pense que l'avantage, c'est que le format va bien s'adapter à ça parce qu'on a des fins de la fraternité. Donc mm. voilà, il va falloir essayer de mettre tes 3 premiers marqueurs poison pour avoir ton contre-sort up ou alors être capable de reconstruire des boards. Et dans ce cas-là, ça passera par le, les seins de Skerve. De mais les opos, ils auront aussi des anti-enchantements. Donc je pense que ça va être un deck du format... Mais pas un deck malsain, pour ça va être juste un ouais. des decks du format quoi. Et tu penses que ce deck il a besoin de connaître la fin Bah Parce disons que, que si tu la... tâches bleu que pour curiosité, peut-être que connaître la fin tu les veux ouais, en side, ouais c'est sûr qu'en mirror c'est de la merde Queeness hein, la fin. Ouais curiosité c'est tout le temps insane. Euh, par ouais. contre connaître la fin c'est vrai que là il y a plein de fois où j'étais en mode bon bah c'est à l'opposé de ce que veut faire le deck quoi, il faut que je m'établisse d'abord et après ça fait des trucs. Probablement une carte de side, je ne serais pas étonné de ça. Ouais. Oh, c'est pas mauvais. Après, ça reste un mec 10 pire, quoi. Ouais, ouais, mais bon, c'est enfin, mec 10 au pire mm -hmm. dans un deck. Euh... En tout cas, ça c'était satisfaisant. J'ai bien aimé. Oh putain, euh, ça, 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 ça l'était pas du tout. Oh, ça comme c'était de la merde. Pourtant, je trouve que Venser c'est vachement fort. Mais bah, en fait, c'est une carte qui a besoin d'autres cartes. Quand dans le standard, t'as des cartes toutes seules qui sont vraiment fortes. Ouais. C'est ce que je disais. Venser, je pense que c'est peut-être pas assez fort. Pour non, être synergique, tu vois. Imaginons un deck contrôle qui chercherait pas à proliférer à tout prix, qui juste naturellement va t'emmener en late game, gérer ce que tu fais, créer de la ressource, de la value, piocher des cartes, jouer des bons spells, des bons staples. Mais il se trouve que tu as des venceurs, 2-3 effets qui mettent un marqueur poison, mais qui restent des cartes descendantes dans un deck contrôle. Et juste par la force des choses, tu prolifères avec tes avec tes, contresorts, tes boons spells et compagnie. quoi On dirait moi avant Val, quand j'essaie de te vendre un deck. Non, non non, c là, compliqué. Je, je, je te parle d'une ben non, pas, pas compliqué. C'est genre tu joues un deck contrôle qui prolifère. Non, c'est Alors la que là je nous on joue un deck prolifération pure et dure, tu vois. Genre vraiment Venser, je pense que c'est pas très bien. Non, c'est peut-être pas très bien, mais pour moi c'est mieux que genre le Cranogdolite et l'hybride volatile quoi. Oh le cranoglodite. Ouais ouais, c'est genre pareil, je pense que euh, le le Phyrexion mythique là, genre pff s'en fout quoi c'est nul ah ouais c'est rincé ça non mais je pense que la synergie d'Imir proliféré c'est pas pas incroyable et en fait Venser c'est euh... voilà une carte qui seule ne fait rien c'est une 1 3 lien de vie toxique hein. Ouais mais deux effets gros c'est bien euh, 1 3 lien de vie toxique 1, hein, c'est genre euh, ça peut être joué juste pour ça quoi c'est un cheville un peu ouais ouais mais tu joueras pas juste que ça embête sinon ça va mourir tout le temps donc euh, c'est pour ça il bah... faut jouer des bêtes à côté je dismiss pas totalement le côté prolifération. Je pense que dans un deck contrôle qui justement de par certains effets prolifère et, et, mmh. et gagne comme ça en late game, c'est pas impossible. Mais ça passera probablement pas par ça. Ouais. ouais. Bon en tout cas, c'était beaucoup moins obvious à trouver, pas forcément moins fort, mais le build est moins obvious. Alors que là, ouais. globalement le build de toxique à la fin, bah, il sera Ubante ou, ou Abzan ou Celestia. mais on connaît déjà un peu le cœur du deck quoi. Oui. Ouais, ouais. Euh, ensuite, bah, ça c'était bien. Ouais, ça, euh... c'est sûr que c'est un vrai deck. quoi Et ça, je suis deg, on n'a pas pu la caster, mais je suis sûr que c'est trop bien. Ça, Porma tu vois, où tu as les, le temps de monter à 6. Premier euh... tournoi, genre euh, première semaine, euh, premier tournoi dans les top 8, il y a plein de decks qui ressemblent à ça. ouais Ça, typiquement, quand tu joues contre euh, contre le Bant euh, aggro, tu as ça qui gère, t'as bah, ça ouais. qui met plein de bloqueurs au, au sol chiant. Euh, t'as Laurent qui va péter ça. le, le Bitter Blossom. Ouais, t'as Laurent qui pète le. Il est où Laurent T'as Laurent qui pète le Bitter Blossom. Ça, c'est nul contre Toxic, mais c'est bien contre les autres decks. Contre d'autres decks, ouais. Euh, ah et, non, et ton late après, tu rases le board. Enfin, trop bien. C'est sûr que c'est un vrai deck, ça. Y a... je, je me fais pas du tout de soucis. C'est ouais. juste une amélioration d'un deck qui marchait bien. Donc... Par contre, euh, je vous dis euh, une vérité qui va peut-être faire un peu mal. Et je pense que chez Elechnord, en vrai, t'en mets juste une ou deux dans le side, mais c'est pas une carte. Euh, mais en vrai, trop ce mec-là, il va juste euh, devenir rouge, euh, en plus du blanc, pour pouvoir caster des fables, et t'as pas nécessairement besoin d'Elechnord. Ouais. Ouais. Je pense que les nouvelles cartes qu'elle gardera, euh, la version définitive, c'est Ossification, parce que c'est trop fort. Et euh, ouais. Eternal Vagabond, et dans et Eternal Vagabond de le slot. si le format le permet. Ouais. Mais je pense que le format le permet, à moins qu'il devienne euh, qu ait un deck u Control. Mais sinon, euh, tu peux jouer ça. Bah franchement, quand tu vois que Toxic peut jouer Bant avec des contre-sorts à 2 mana, moi je justement je ne mets pas ma main à couper quoi. Ouais ouais, mais on a de quoi le disrupter euh, l'agression. Euh... oui, mais du coup euh, t'as pas besoin de l'éternel Vagabond dans ton deck quoi pour battre. Euh... C'est pas ça qui te permet de battre. Euh, non Toxic, mais c'est ton late game écrasant qui. Ouais, euh, ah, ça sais... c'est bien contre tes decks midrange, mais du coup tu l'auras peut-être qu'en side, c'est ça que je veux dire. Si jamais c'est très populaire. Euh, ah peut-être ouais. Les decks agro. Peut-être, peut-être. Mais oui, c'est une. De sûr, ça sera joué au moins dans les sides, j'ai Je... pas trop de C'est quoi son skin Oh Ah, on voit pas trop. Et voilà ouais. Bon, en tout cas, ça c'est fort, ça fonctionne, y a pas ouais. de, de souci, quoi. Oh, ça Ça, ça m'a régalé. Bon, pas très nouveau hein, pour le coup. Non, euh, mais. Ouais. Enfin, en vrai, on jouait pas June en standard quoi. C'était jamais une proposition qui était viable. Non, mais bon. Je pouvais tellement plus jouer Grixis que June. Ouais ça a le mérite au moins d'être un peu mais ouais euh, ça c'était très cool Vrasca bon, on l'a testé une fois c'était bien parce que vous avez gagné mais ouais je sais pas si euh... c'est c'est effectivement vraiment fort ouais trop bien et trun ça, ça c'était euh... juste parce qu'il y avait plein de decks toxiques hein. s'il n'y en a pas vous le mettez pas évidemment trun à la fin de chaque live d'AP on a envie de sortir une carte tu sais j'ai envie de tweeter une carte en mode mm. de dire en mode ok ça c'est check ça c'est validé ouais franchement c'est trun pour moi euh, trun Trun, c'était très bien, ouais. En fait, c'est hyper chiant, Remove. Ouais, pour 5 mana, c'est vraiment trop bien. Genre, ça, ouais. ça défonce Sholdred, quoi. Ça attaque à travers red c'est trop bien. Ouais, pour ça, c'est bien, ouais. Ouais, j'avoue, Trun, je pense de du live, c'est la meilleure carte. Je l'aime bien. Parce que toxique en vrai, il y a pas de quoi. carte qui est vraiment bien. C'est une synergie. Ah, c'est toute une synergie, ouais. Même le 4-4 pour 3, enfin. Genre il y a plein de decks qui font bah tiens je le tue pour deux et on fait bah oui il est mort. Donc, euh... je, je pense que le vert était tellement en retrait qu'il fallait au moins ça pour le faire revenir sur le devant de la scène. Ouais. Et bah tant mieux quoi. Ça bon, on a testé qu'une oh, fois. C'était vraiment nul euh... quoi. Mais non, on a testé qu'une fois. Euh, contre non, un mais... deck qui avait que des 1 donc forcément oui, euh, mais... on a rien fait mais En fait, c'est la proposition théorique du deck était déjà pas très convaincante et un deck effectivement, il faut 100 200 games pour savoir ce qu'il vaut. Mais t'as des decks sans savoir vraiment ce qu'ils valent, tu peux estimer, tu peux avoir des sensations en fait. T'as au moins ouais. un retour empirique de sensations. Gros, tu vas jouer un drop 3, puis un drop 4, puis ton opo il fait plein de trucs, quoi. Ça dépend, genre quand tu joues contre Toxique, je pense que il est pas content l'oppo. Toutes tes bêtes bloquent les siennes, donc il peut pas trop attaquer. Et au bout d'un moment, tu engages toutes tes créatures, il a que des mythes qui peuvent pas bloquer ou des 1-1, il est mort. En fait, t'as aucun moyen de générer du va de la value, t'as aucun moyen d'interagir avec ce que fait ton oppo, et toi, t'as aucune carte qui est foncièrement débile. Donc, tu peux seulement gagner en curvant tes créatures. Mmh. Et ça me ouais. paraît un peu just pour le format. Non, peut-être c'est un peu, un peu trop léger, ouais, mais. Je pense que c'est léger. Je pense que même si on veut jouer Beast, on jouera grul Beast avec des, euh, des Lucas, des trucs comme ça, tu vois. Genre, il y a. Ce que nous a fait Lopo. Si on perd des games sur le mec qui joue chez Old red euh, on passe 8 tours sans trouver d'anti-bet, on meurt. Euh, les bêtes de mono vert, c'est beaucoup plus rapide que Red pour tuer quoi. Et Trun typiquement, euh, c'est très mal géré. Ouais, mais Choldred Sh c'est pareil. C'est parce qu'elle est dans un deck qui fait plein d'autres trucs autour. Ouais. Là, toi, ton deck, il fait rien à part poser une bête quoi. Ah oui, bah c'est un deck agro hein. C'est. Bah c'est même pas agro, la... par rapport à ce que pourrait faire Band Toxique ou Grul ou C'est ça le problème, c'est que ça l'est même pas quoi. Tu bah, as quand même 4 tours 1, 4 tours 2, 1 qui devient gros, un qui accélère oh oui. dans, dans ça. C'est designé, ça, ça se veut être aggro, mais à la fin tu joues quand même 6 drop 4, 6 drop 5. Tu bon, peux ouais. être un peu mou du tout, quoi Enfin en tout cas, j'y je je, crois pas énormément à ça, mais... Si t'as l'orateur, tu peux accélérer quand même. Mais bon. Non, je pense pas que ce soit un très bon deck, mais je pense qu'il ne faut pas l'enterrer non. non plus, parce que... Bah, juste curver des bonnes bêtes, ça marche, hein. Bah Surtout ouais, quand on a. Très interactif où le noir domine, justement. Je, je, bah ouais, je mais t'as crois... si bête que, mono -noir, il... enfin, que les decks noirs ne touchent pas. Il ouais. peut contrer lui, mais il ne peut pas contrer lui. Et ils ne peuvent pas cibler ni l'un ni l'autre. Et si t'as ça qui prolifère, bah, il ne peut jamais le cibler, lui. Donc, je, pas, euh... je, je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui a un mot un peu juste. Euh, il manque des Greytenge, tu vois. Dans, dans les ar archétypes monovers, il manque des classes rôdeur des Greytenge. Des, des trucs qui font que ton deck il est plus que un amas de pâté, je pense. Mais ça, c'était bien dans des formats où tu avais besoin d'aller loin dans la partie. Mais si ce deck là peut finir la partie euh, rapidement, t'as pas besoin. Ouais, et mais s'il n'est pas capable, il... euh, ouais, mais je vois... Euh... je vois pas comment il en est capable parce que. Ah, t'as quand même une, deux, trois, quatre, quatre et demi euh, de pi... bêtes piétinement, quoi. Ouais, bah, elles ça arrivent pas, arrive pas rapidement, tuer. quoi. Elles arrivent au moment où Grul il a déjà gagné. Pour te donner un ordre d'idée quasiment. Ouais, ouais, je pense peut-être Grul est juste meilleur, hein, mais bon. Ah, et encore que Grul c'est même pas le même archétype parce que là, euh, moi je présentais un Grul très agro avec des une synergie, euh, une synergie euh, Modify. Là c'est une version Beast, un peu Monster avec des gros pâtés. Mm. Mais je pense que même dans une synergie Beast Monster gros pâté, on peut aussi jouer Grul, je pense. Ouais, en fait peut-être que Grul est juste mieux parce que tu as Alana, Alena. C'est ça. En Après, fait c'est avec que... Que toutes les cartes. Si t'enlèves ça, par contre, euh, les bêtes en général sont équivalentes ou moins fortes, puisque elles tapent un peu plus elles vite. Elles sont quoi, moins fortes, mais... mais ça va plus vite, quoi. Ça plus après, il y a ça, en fait. Il y a aura ça, y a le le ça qui passe au dessus, et il y a ça qui, euh, qui est trop fort, quoi. Moi, je pense qu'en fait, ce qui est bizarre avec Mono c'est que tu as, l enfin, et j'ai l'impression aussi que toutes les cartes qu'il compose sont bien, mais juste il faut les disséminer dans d'autres decks, quoi. Mm. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que quand tu vois euh, Trun euh, Contaminateur, c'est que des bonnes cartes. Hein, mais... Bah ouais, putain, Contaminateur, c'est 6-6 piettes, Ça met un marqueur. Genre, Contaminateur, ça passe un tour, c'est gain quoi. Parce que tu vas jouer Même, une tu... ou deux bêtes, tu mets deux marqueurs sur toutes tes créatures, il euh, y a plus rien qui passe. Avec les anti de masse aussi, tu prendras plus cher en, en, en Monovert qu'en Grull. Moi, je, je théorise plus sur grul que ça soit une version très agressive comme celle-là ou une version plus, plus pâtée ouais. qui veut plus emprunter des cartes à. À, à, à l'autre deck mono vert, mais tu vois, même Miglos il y a trop de bons textes sur une carte comme ça. c'est ah, Miglos c'est vraiment bien. Genre, en vrai, c'est une carte de mono vert, ça. Ouais, ah, ouais. est ce Genre que je me disais, je me suis dit, putain, pourquoi ça, c'est pas dans mono green, quoi trois mana vert et let's go. Bon, en tout cas, c'était c'était assez satisfaisant. Ouais. Euh, La grue, c'était bien. Et... et on a fait le tour, hein, c'était le dernier deck. Ouais. Et, et qu'est-ce bon, bah, qu euh, qu qu'on a affronté qu'on n'a pas joué Le Celestia Token, ça avait l'air de faire un truc débile. Bon, après, ça remballe tout sur Vras, mais... Ouais, c'est ça. Était... On savait ce que ça allait faire. La liste était déjà connue et tournait un peu. Et voilà. mmh. Mais c'est mignon, j'aime bien. Hein. Ouais, on Je a pense affronté... que c'est pas fort, mais que c'est bien. On a affronté ça que quoi d'autre Il bah, y a un mec mmh. qui a joué un grul pâté qui avait l'air bien. Hein. Oui c'est vrai il vient un début agro et puis après il a joué de plein Volker. Ouais. Bon, la Nissa nice, télé... elle avait pas l'air incroyable non plus, c'est lent quoi. Et le Lucas était bien. Plutôt Lucas qui était cool. Lucas il est arrivé, il a tué une bête, on était mort donc... Ouais. Le 5 c'est Atraxa c'est mignon. Enfin ça je par exemple je ferai des matchs ah, ouais, autour d'un mais... deck comme ça mais c'est gollerie et pas plus quoi. Enfin c'est un deck domaine en fait et les decks domaine on, on, ouais. sait, on sait où ils sont quoi. Tu casses un truc à 7 euh, qui se protège pas et qui te fait piocher des cartes mais bon c'est 7 mana quoi. Ouais. Dans le oh, centre, tu on enfin... essayer de le réanimer si tu veux, mais bon, dans ce cas-là, autant jouer réanimator et... et Titan de l'industrie ça fera le même bail. Non, après ouais. ça c'est une carte pour 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 kiffer, c'est du fun. Ouais, c'est ça, ouais. Juste du fun, je pense. Euh, ouais, bah toxique, tu peux le jouer en Abzan, ça on n'a pas on a ça dépendra du format. S'il n'y a que des miroirs de toxique, on va jouer à Abzan plus que bande, ça c'est sûr, je pense. Mm. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on a vu d'autre qui nous a impressionné non Après le pour le coup, euh, rien de Rien de très, euh, ouais. très impressionnant si ouais, le... à Golgari fight. Ouais, mais bon, tu vois, ça c'est le... un peu le principe monogreen. Genre, il curve des grosses bêtes que tu gères pas. Bon, bah, tu te fais écraser. quoi. Ouais, puis il va essayer de te faire un, un tricks, un sombrero avec, euh, avec son mmh. oblitérateur et un en fait spell. Oblitérateur, euh, voilà, il a le côté sombrero. Mais juste, il attaque avec une 5-5 pièce euh, que tu peux pas bloquer. Ouais, c'est bah, C'est ouais. un trun, quoi, littéralement. C'est un tronc qui t'attaque et juste en mode bah, je peux pas trop le toucher. Ouais. Et... Après lui je... il prend anti-bet clean quoi. Il prend anti-bet clean mais dans les decks qu'on avait on l'avait pas. Dans les decks qu'on jouait contre on n'avait pas donc en fait oui, oui. Ah oui, quand tu... quand tu joues un deck aggro c'est dégueulasse à affronter. Ouais. C'était un peu compliqué mais. Il a ouais, pas genre, le piètre euh, Typiquement euh, si Grul ça veut être un vrai deck du format et que Obliterateur c'est joué parce que Mono Noir reste populaire et c'est sûr que Mono Noir ça va rester populaire. Je sais pas comment on va faire mais il va falloir trouver une réponse à cet Obliterateur si, si, ça le en, en Grul. Ça C'est le piètre euh, Quelqu'un disait euh, que ça a pas le piètre, mais si, si. Ah, oui, pardon. Si, si, ouais. Ah, sinon, c'est. Bah, tu te avec des 1, -1 quoi. C'est ça qui est euh... c'est que tu peux pas c'est Tu traînes Comment tu perds. ça en, en grue PL, euh, obliterateur. Si ce n'est euh, euh, faire un acte de trahison, je suis même pas sûr qu'il en ait dans le format. Ah, non, tu, tu fais la course. Hein. Tu qu'il attaque avec. Non, ou mais alors, si tu ne pas. Ah, bah, tu fais mais un non, board pour le one-shot. Sinon, euh, il faut des cartes de side pour le tuer. Ouais voilà, mais des cartes de side, je parle. En side, tu, tu as quoi contre Obliterator en grûle dans le format Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Après, bon, c'est 4 cartes à noir, donc c'est jouer que dans un ou deux decks, ça. Hein. Ouais, mais mono-noir, ce ça sera, ça sera un deck. Déjà parce qu'il y a mm. trop de gens qui jouent mono-noir actuellement et qui vont juste rajouter ça dedans, quoi. Je sais pas du tout. Ah, euh... tu peux splasher noir pour tirer à Sunder. Ok, je pense que ça se fait, quoi. Ouais. Bon, c'est médiocre, hein. Ouais parce qu'en bête de il n'y a pas... Enfin non, sort ne pas il a comment tu pas. le gères sans lui faire des dégâts donc euh, faudra, faudra se placher. Ouais c'est ça, c'est le point faible de grue c'est obliterateur direction. Et ça se tient ouais. bien hein, Du coup. Bah je pense que sur le ladder ça va être compliqué de jouer grule dans, dans ce cas là. Probablement ouais. pas en tournoi mais en ladder c'est ouais, sûr que... Qu y a beaucoup que de gens qui vont jouer. Les noobestes qui jouent des obliterateurs, il y en a plein quoi. Donc, euh... Mais c'est sûr, mais bien sûr. Donc on connaît. Non, ben voilà, en tout cas, très hypé par l'extension. Ça va amener plein de bonnes choses. Et j'ai hâte de voir le Limité aussi. J'espère qu'il ouais. va être cool parce que le Limité War, euh, vraiment. Euh, War. Euh, Brothers. Oui, Brothers War. Euh, vraiment, il était... je ne le trouvais pas ouf. Et le Limité Dominaria, il était très bien, mais il était classique, quoi. Donc là, j'espère qu'il y aura des dingues avec ça. F faut savoir qu'il y a plein de cartes aussi qu'on n'a pas eu l'occasion de tester et qui sont qui ont l'air, en tout cas, d'être appréciées par la communauté et, et probablement qui vont être. Euh, créatrice d'archétypes ou de nouveaux decks. Donc il y a encore plein de choses à explorer. Déjà, nous, on a exploré ce soir, mais il y a encore plein de trucs qui sont cool. Il y a plein de gens qui aiment Nairi, par exemple. On n'a pas eu l'occasion de tester J euh, Jace. Il y a Get qui peut être joué dans des versions réanimateurs un peu mid-range et tout. Enfin, il y a encore plein de trucs à faire. Je pense qu'on va se régaler avec euh, All Will Be One. On mm. a dû voir même pas 10% de ce que propose le format ce soir. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc euh, hâte de tester ça. Demain, vous retrouvez Val qui va tester. Alors moins de decks, certainement. Euh, dans la mativale mais euh, quand même euh, toujours en AP. Je vais regarder un peu ce qui, ce qui s'est passé dans la nuit de toute façon. Exactement, et il extraira l'élixir de ce qu'il a pu voir, donc n'hésitez pas à venir le voir. Et moi demain d'habitude j'aime bien faire un live d'AP pour euh, tester le limité, mais je ne peux pas demain après-midi. Du coup, euh, malheureusement, euh, il n'y aura pas de live demain après, je peux déjà vous le dire. Mais on se retrouvera très bientôt à partir de mardi. Euh, pour euh, des... Alors, je sais pas s'il si y aura un stream mardi, mais à partir de mardi, l'extension sort et on pourra se régaler. Et le top qui sort lundi, évidemment. Je, je finis sur le un truc bel, t'as casé que Trun c'était une rare. Ouais. Tu vas être content pour le limiter, toi. Ouais, c'est un peu relou. Après, il euh, y a un archétype toxique en limité hein. donc euh, Trun, il arrive, c'est trop tard. Oui, c'est enfin... vrai, et proliférer aussi. Ouais, non, ok, ça va. Donc, ça, euh... de... faire. ça marche. Pardon, je t'ai coupé. Donc, je pense que... Enfin, J'espère que ça ira. Mais effectivement, ouais. il y a des fois, je vais jouer un truc midrange, on va me jouer trun et je vais chier. Euh, ça, ah, c'est fou. Euh, des bisous à tous. Demain, Matival. Et euh, pas de kiffer kiffer lundi, on le reporte pour qu'il y ait firexia à deux sorties, histoire qu'on puisse vraiment kiffer. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.